tête, je vois les vautours. Pour moi, c'est qu'un aller-retour. On sera rentré avant le secours. Et on demandera pardon au Tout-Puissant si on a le cœur trop lourd. You can go and die. Do what you want, I won't hold a gun. I won't hold a grudge. But imagine me there with a dead blank stare. I was trying to worry, but it's still like you don't care. It is fine, that's fair. I would never care. I don't need to see, yeah. I don't need to hear. I don't wanna talk to you, yeah. I don't want you near. I never would care. Cause that life ain't fair. It's brand new to me. I'ma let you feel free, yeah. And I do it better, so I know that you can fail, yeah. I do it for Romeo, for you. And it's cool. Gotta beg it so bad. It's cool. I can't go back on my word. That'd be rude. Yeah, I like being disrespectful. And it's cool. I'ma break your part and feed the fish for food. We live in the dark, live on the moon. Numéro 9 de la team, no lacking. Avant de faire le voyage sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Le jeu où je crash des spalding. Nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stockx, j'suis dans le forex, j'suis dans le stocking, j'suis dans le stacking. Frérot, j'ai des beats like that, sur le beat like that, j'ai le kick like that. J'ai carré la suite de l'année sur le beat like that, delivery like that. Pressé, attack, pressing. Rap, t'entends le wrestling, j't'explique, j'm'exprime. J'le ken, j'le pin. La concurrence est comestible, j'comprends pourquoi elle nous estime. C'est pas du tout la même logistique, c'est pas du tout le même textile. Back the reach jusqu'au Mexique, perce les gates de ce game tout de suite. Oh y'a deux biches, tu trouves des strings. Dégaine d'Anakin, numéro 9 de la team, no lacking. Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Le jeu où je crash des spalding, nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stock X, j'suis dans le forex, j'suis dans le stocking, j'suis dans le stacking. Dégaine d'Anakin, numéro 9 de la team, no lacking. Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Le jeu où je crash des spalding, nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stock X, j'suis dans le forex, j'suis dans le stocking, j'suis dans le stacking. Frérot, tu sais ce qu'on fait là, faut la vie là, maman, j'suis. Là, ils feront qu'échouer et l'échec là. J'suis dans la Tesla, main sur la quête plat. J'suis dans la Tesla. T'es dans la Tesla, demande au destin, jamais de baisse-main. J'te parle de froc quand j'te dis que l'on baisse rien. Couvre les autres, va leur dire qu'on laisse rien. Touche au ref, t'enlève toi ainsi que les tiens. Suffit d'un tracker, position de tiens. Souris des miens suffit pour me mettre bien. J'suis un mec simple qui rappelle que c'est quelqu'un. Chirurgical en balle comme un médecin. J'sors du bourbier, j'sors du bail, j'sors du guépier, j'sors du sang. Très 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 vrai.
Big and Anakin, numéro 9 de la team, no lacking. Avant de faire le voyou sur le packing, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Le jour où je crache des spalding, nouveau tracker s'occupe du tagging. J'suis dans le stockx, j'suis dans le forex, j'suis dans le stocking, j'suis dans le stacking. Big and Anakin, numéro 9 de la team, no lacking. Avant de faire le voyou sur le packing, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Yo tout le monde! Salut, salut les copains, ça va ou quoi? Salut Julie, salut Lamia. Excusez-moi, j'ai couru vu que j'étais en retard. Salut Lélé! Putain, Lélé, t'es venue sur le live alors que tu dors. Quelle reine! Salut Pandou, salut Patate, salut Tsuyu! Salut Néo, comment vas-tu? Merci beaucoup merci pour ton cinquième mois. Pour le seul. Eh les gars, mais attendez, mais vous êtes en place, hein? C'est pas du tout mes horaires de stream, mais vous êtes là, hein? Mais vous bossez pas? Vous avez pas école, là? Pour les plus jeunes? Eh, je suis chaud, barre! C'est en place par ici. Merci beaucoup Inky pour ton dixième mois. Merci beaucoup. Ça regarde en cours, je suis mort. On est toujours là. Mais oui, mais c'est ce que je vois. Vous êtes fous en fait. Mais attendez, ça veut dire que là vous allez regarder mon live de 17h jusqu'à 4h du mat. Je suis en arrêt. Ah bah repose-toi bien. Chômage, je suis vieux. Oui, chômage. Oui, mais tu peux ne pas être vieux et être au chômage aussi, hein. C'est mort, laisse-moi dormir. Non, Weird, écoute-moi, écoute ma voix, Weird. Tu ne dormiras pas. Tu regarderas mon stream du début à la fin. Est-ce que tu entends ma voix? Tu vas pas être fatigué à stream autant? Ah bah si, je vais être déglingo, comme on dit. Ça va être Alexandre. Ce soir, je mange mon meilleur poulet devant ton stream. Salut Crony, ça va ou quoi? Chômage et j'ai 24 ans. Après, j'ai envie de te dire, dans la vie, des fois, il y a des breaks et c'est pas grave. Presque 12 heures de stream, c'est chaud, j'avoue. Après, je vais vous faire un autre 12 heures après. N'oubliez pas, il y a deux 12 heures qui doivent arriver plus tard. Bon, on les fera après l'event, on se les dit. Salut Totoro, ça va ou quoi? Boule. Merci Minsoon pour ton sub, bienvenue à toi, merci beaucoup. Je me suis inquiétée pour toi. Mais en fait, l'heure a été décalée, mais je vous ai prévenu sur Discord, mais je crois que tout le monde n'est pas sur le Discord, donc my badass. Ah mais attendez, mais j'ai même pas le temps de discuter en fait, je crois. Attendez, j'envoie un message. Ah mais je fais pas la DM, elle a bloqué ses DM là deux. Attendez les copains. J'ai tellement mal dormi sa mère, j'ai tellement peu dormi surtout. C'est assez l'enfer là, en ce moment mon sommeil c'est une horreur. Elle m'a DM où la deuge? J'ai pas ton Discord. On va sur mon... Ah non, c'est pas pour moi. J'ai pas ton Didi. Je vais aller sur le live de Lanka, il y a sûrement sur Discord. On va aller voir ça en vif les potes. Vous dormez bien vous en ce moment ou pas? Moi je dors mal de fou. Hop, attendez. Petit streamac sur Lanka. Petit streamac. Non, il n'y a pas son Discord. Il n'y a pas son Discord. Comment je fais? Je suis sur ton live, il n'y a pas ton Discord. Attends. Eh les gars, on va aller sur Enshrouded, on va devoir faire des constructions et tout. Je dors hyper mal cette nuit, j'ai dormi 4 heures. Je dors comme un bébé. Oh la chance, moi je dors tellement mal. J'ai l'esprit tellement pris en ce moment. Vous voyez la meuf? La petite meuf chelou avec son petit plaid, sa petite clope comme ça. Bah c'est moi. C'est moi. Salut Kitsu, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment tu vas? Je me réveille à 14h et je fais des rêves avec les mêmes FPS que j'étais à... Mais je t'ai vu, mais Kitsuzan, t'es un Matrix statue de fou. Hé Kitsu, tu passes ton temps à dessiner, t'es constamment sur les radios libres RP, t'es constamment sur des lives RP. Frérot, il faut que tu touches de l'herbe au bout d'un moment. Yo, ça va quoi Kaneki, comment vas-tu? Je dors trop mal, première fois de ma vie, je pense, le matin, j'arrive pas à me lever. Mais tout pareil. Après, je suis un peu tracassée, moi, en ce moment, vous le savez. Donc, je pense que ça aide pas, je suis un petit peu en dilemme intérieur en ce moment. Donc, c'est vrai que je dors du coup hyper mal, même trop mal. Mais, ça va. La moitié des rappeurs sont d'occasion, chacun leur faisant des locations. Chaque nouveau son, je fais des donations. Ça va? Faut débrancher la box, comment ça?
J'avais eu une fin de mission parce que ma patronne avait dit que j'étais pas assez mature, je l'avais trop mal pris. Comment ça, pas assez mature ? Comment on peut te virer parce que t'es pas assez mature ? La température est horrible. Ouais, il fait humide et chaud dans le sud. Les gars, là, écoutez-moi bien. Je vis dans le sud de la France. Il y a marqué qu'il fait 26 degrés. Sauf que chez nous, le ressenti, c'est ressenti 35, quoi. J'ai chaud, sa mère. J'ai chaud. J'ai tellement chaud, vous n'imaginez même pas. Vraiment. Oh, les gars, 1987. Les gars, il manque 13 subs pour remonter au 2000. Bon, bah tant mieux, Kitsu. Mais fais attention à ta santé, quand même. Repose-toi un petit peu. J'ai pas de clim, j'habite sous les combles en plus, je suis dans un sauna constant là, c'est horrible. En Normandie, c'est la tempête de fou. On va voir Grinchak comme ça, wow, il va s'accrocher genre dans les arbres dans pas trop longtemps. J'ai trop chaud aussi. Mais écoutez, je vais vous dire un terme, maintenant, prenez-le comme vous voulez, mais j'aimerais trop que l'être humain soit fait pour vivre à poil. Eh, vivre à poil, ce serait mon rêve. Pas de vêtements qui tiennent chaud, juste toi et la nature. Vivre à poil, c'est mon rêve, genre vraiment. À cause de toi, je suis accro à Stardew Valley. Mais la base. La base. Merci, Miyamotoji, Doudou. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde. Merci pour le sub offert, c'est trop cool. Oh là là, quel roi. Ou quelle reine, je ne sais pas. Merci beaucoup, en tout cas, c'est trop trop gentil. Plein d'amour, merci. Let's go, Lady Sub. Merci mille fois. Let's gong. Un bikini à la limite, mais moi pas à l'aise nu. Mais si. Let's gong, juste. Est-ce que deux, je m'ai envoyé le Didi de l'Inca. Ma grosse beuteux à l'air, là. Mais vous voyez quand je... Mais les gars, je vais vous faire une émote aléatoire. Vous savez quoi ? Je jure, je vais la faire. Comme ça, dès que vous voyez un truc aléatoire dans le chat, vous mettez l'émote aléatoire. Et je pense que vous allez la spam, ça va être l'émote la plus utilisée de ma chaîne. Je pense sincèrement que ça va être l'émote la plus utilisée. Ouais, j'arrive sur ça. T'es heureux, Tempester, d'arriver sur ça ? Ça vaut que c'est Yajin, comment ça, mon ref ? Bah écoutez, Chip, c'est quelqu'un de très nature, voilà. Il nous parle de son gros chibrax banal. Si c'est vrai, puis on s'en foutrait du corps des gens, je pense qu'il n'y aurait plus de complexe. De fou. De fou. Zéro complexe, t'es là, tu vis. Juste tu vis, peu importe comment tu vis, tu es juste tu vis. Et ça, c'est beau, putain. C'est beau, putain. Oh bordel, la mage de l'appli Twitch est dégueulasse. Ah ouais ? Je l'ai pas vu Farewell encore. Tu en as pensé quoi du match d'hier ? Bah, j'ai à moitié regardé, à vrai dire. J'étais plus en train de jouer à Coral Island. Et j'étais posée sur un stream. J'ai vite fait regarder, j'ai vu qu'apparemment, la France, on se faisait bien boycott par l'arbitre. Bah, je comprenais pas non plus. Après, je travaille dans un centre d'appel téléphonique. Oh, c'est dur ça comme boulot. Hein. Ma petite beuteux à l'air avec un petit chapeau tricoté, ta petite beuteux. Hop, pour éviter d'attraper Frostboob. On est parfait, alors on est bien. La France a gagné. Non, elle a perdu. L'arbitre a vraiment choisi le camp de la corruption, mais on dirait rien. Non, mais il y a trop de corrompus en fait. On a lose. Mais on peut se rattraper dimanche. Donc, salut Quack, ça va ou quoi ? Ah, c'est bon. J'ai le Didi. Est-ce que l'Inca nous attend ou pas ? Titan... Ah, attendez, il faut que je paramètre ma touche push to talk. Comme ça, on pourra continuer à discuter malgré tout. Soir bon à tous, le plaisir, à peine fini le taf, ça lance le stream. Mais vous savez que moi, je stream pas tôt parce que je me dis, vous êtes une commu de vampires. Genre, vous vivez... Remarque, oui, je dirais. On est combien, là, le chat ? Moi, je pensais qu'on allait être 200-300 parce que le soir, il y a toute ma commu, mais la journée, vous n'avez pas l'habitude, tu vois. On est 700 ! Ah, mais en vrai, des fois, je pourrais stream l'après-midi en légende. En vrai, de vrai. Si vous êtes là, je pourrais stream de temps en temps l'après-midi en légende. En plus, on est en pleine semaine. Ouais, je vis la nuit, c'est vrai. Bah ouais, c'est ce que je me dis de base, tu vois. De temps en temps. Avant l'event, c'est ce qui se passait, en vrai. Alors, attendez, je vais juste gérer voix et vidéo, détection... De la voix appuyée pour parler et en touche, je vais mettre ça. Ok. Et il faut que je me move, je crois. Ah, c'est bon.
Hop là. Faut que je sois move. Bon, je vais attendre d'être move. Salut Betsy, comment tu vas aujourd'hui? Ça va ou quoi? À quand ton casque noir? Bah je sais pas, je pense qu'ils vont... En fait, je pense vraiment que Logitech et Goat voulaient que je porte du rose. Mais j'ai hâte d'avoir un casque noir, en vrai, je vais pas vous mentir. C'est tellement pas moi, ce casque. Salut les gars, ouais, ça va ou quoi? C'est pas... Désolé, on voit que moi, frère. Limite, si j'aurai un accident de voiture sur l'autoroute, à la place de mettre le gilet jaune, je mets ça. Et on me voit. On me voit à 10 km, tu vois. Il tient rose. Ouais, mais moi, je suis une meuf dark. Moi, je suis une meuf dark. Hop. J'ai quand même les prévenir parce que je crois qu'ils m'ont pas vu. Je vais leur dire, j'attends d'être move. J'attends d'être move. Amine a fait un coup de gueule par rapport à l'arbitrage. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Playlist chillax. Je le liquide, liquide. Hop là, on se met une petite. Non, on va pas se mettre ça. Je le respecte quand même. Hello. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. On parlait du jeu et de comment on allait s'organiser. Ouais. Et du coup, parce que honnêtement, tu sais fait, que je découvre totalement. Parce que moi, hein. Du coup, je suis avancé de fou dans le jeu comparé à vous. Et j'ai peur de vraiment vous niquer l'expérience, quoi. Ah, tu veux pas recommencer une partie avec nous, tu vois? Bah, c'est ce que je disais à deux. Moi, j'ai mis 30 heures au jeu. Je suis avancé de baiser. J'ai trop la flemme de faire un perso en slip, là. Ah, putain. J'avoue, je peux comprendre, en vrai. Genre, c'est comme si tu t'es terminé sur un jeu, t'as tout fait pour avoir les meilleurs stuff, et après, on te dit, bon, bah, vas-y, maintenant, tu t'annules tout. Création de personnage, là? Ouais, tu fais ton petit perso, je me rappelle plus comment c'est la création du truc. J'espère que ça dure pas longtemps parce que moi là-dessus, je mets 50 ans. Hein. Ah, moi, je te dis, moi, j'aime mettre en slibar, gros bide, grosse beubar, je vais arriver en légende, tu vas voir. Moi, j'aime trop créer les persos. Temps, on s'en fout. Attends, je vais lancer le truc. Moi, j'ai créé un monde, je vais vous inviter déjà. Comme ça, on avance. Ouais, vas-y. Hébergé. J'ai appelé le monde. Ce jeu est super bien. mot de passe de la session. Ok, il y a un mot de passe. Ok, je vais vous envoyer ça et je sais pas comment. C'est quoi le jeu du jour? On va jouer à Enshrouded, les potes, avec Linka et avec Dejna. T'inquiète, quoi faire mettre. Bon bah moi je lance mon jeu. Faut savoir que je suis toujours la meuf. Moi je viens du sud, je suis tranquille, ok. Je lance. T'es d'où dans le sud? Je suis de Saint-Raphaël. Mais elle est à côté, on est dans le même coin. Mais non. Si, je te jure. Putain. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'étais au Canet, on aurait pu faire les 400 coups. Oui, ouais. On aurait pu s'embrouiller. Pourquoi tu as choisi Nathaniel? Je ne comprends pas. Tu vois, par exemple, ce genre de discussion qui aurait pu être pas mal. Oh non, non. T'as joué à Amour Sucré de Merde, toi aussi? Oui, j'ai joué. Moi, j'ai pas joué. Tu t'es mis avec qui? Attention, t'es Elle va dire Castiel, c'est une meuf à problème, je le sens. Ouais, Castiel, la toxicité. Oh là là, j'en étais sûr. La mais c'est pas possible. Là. Et j'aurais choisi Nathaniel à la saison 2, tu vois, parce que la toxicité. Oh, le red flag ambulant. Alors, excuse-moi, mais Nathaniel, c'est un putain de red flag aussi, hein. Pardon? Bah oui, c'est un red flag. Mais pourquoi? Il est tout pipou. Ça. Non, parce que déjà au début, il a pas de personnalité, c'est un suceur. Déjà pour commencer. C'est un écorché vif. Tu comprends rien à son lore. Oui, et bah désolé, justement, là c'était la préparation pour qu'il devienne toxique, donc il est au même niveau que Castiel. C'est pas faux. Genre tu vois, c'est comme si tu préparais un gâteau. Genre t'as le gâteau industriel, donc Castiel qui est là depuis le début, tu le prends au début histoire de... Voilà. Et ensuite tu vas goûter la bonne pâtisserie, saison 2, tu vois ce que je veux dire ou pas? En vrai c'est pas faux. Moi justement j'ai goûté au nectar dès le début. J'ai goûté au nectar dès le début et maintenant je sais où je vais aller saison 2. Ouais, mais c'est pas que j'ai jamais fait d'ailleurs. Hein. Moi non plus pas encore. Mais parce que t'es un petit malin, tu vois. Au début t'es en mode ouais, il est green flag, mais à la fin tu sais que tu vas souffrir et tu vas kiffer souffrir, tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je te dise ce que je vais faire? Dis-moi. Je vais faire mieux. Je change de bord, moi. Je comment change de bord. Ça comment je ça vais me taper. Comment elle s'appelle déjà, chat? Merde, j'ai oublié. Priya. Je vais me taper Priya. Oh putain. Après Priya, désolé, mais. Non, mais commence pas. Priya, quand même. Quoi? Tu vas dire quoi? Commence pas à critiquer. Non, elle est incroyable, justement. Ah, ok, je me suis dit là, carrément, mais, elle est raciste. Mais non, mais... non, mais tout le monde change de bord pour Priya, en fait. Tout le monde. Ok, voilà, ça va, je peux. Ok, je t'accepte, je t'invite dans la partie. Ok, nickel. Ah, j'ai failli te jeter, carrément? Ouais.
Dejna, je t'invite aussi à la partie. C'est quoi le mot de passe? C'est coucou, coucou. Hop. Tout attaché, tout, voilà, on se prend pas la campus tête, quoi. Campus Life. J'ai pas fait Campus Life encore, le chat. Ils m'entendent pas, hein, parce que genre, je suis en push to talk. Oh, il y a une cinématique. Est-ce que les modos pouvaient mettre sur Unshrouded? Ah, ça m'a mis erreur. Par contre, je comprends pas. Le mot de passe n'est pas valide. On dirait que j'ai récupéré un monde que j'avais déjà à une époque, quoi. Putain, mais c'est fou, c'est fou, ça dit donc. Je crois vraiment que tu veux pas perdre ton empire, c'est non, sûr. Non, par contre, j'ai fait de nouveau. Je suis vraiment sur un truc où on dirait que ça a déjà été salut, un peu papa, habité. Salut papa, ça veut quoi? Oh, ah, c'est pas mon aventure, je ça te jure. Ça me fait bizarre de dire ça, sachant que mon père est parti chercher des clopes il y a moi, 11 coucou, piges. Moi, coucou, mais ça salut, passe papa, pas, hein, Linka. T'es de retour, quoi tu... C'est OU, alors, c'est OU, c'est OU, c'est OU. En minuscule. Ouais. Je veux faire une... Venez, on se met tous chauves, genre on fait la balle team. Ah, moi je me suis déjà. Elle est pas dans le truc. Elle... Quoi? Moi je sais pas si je me rappelle même plus de la gueule de mon perso. Attends, je vais te dire si giga beau gosse ou pas. Là ça me met le mot de passe est pas bon. Et comment ça le mot de passe est pas bon? Mais si il est bon. C'est pas écrire ou quoi? Elle est stylée. En vrai elle est mieux sa création de perso. Le jeu est trop stylé. Je dis pas ça parce que c'est une OP là pour le coup. Moi j'ai le shield, j'ai joué pendant 30 heures. C'est vrai. J'ai trop kiffé le jeu, genre vraiment j'ai adoré mon perso. Il est trop nul, Linka, il sait pas écrire coucou coucou. Mais non, mais sérieux, c'est coucou coucou mon merdier là. Attends, je quitte et je reviens. Attends, on peut pas changer le corps et tout? Non, tu peux pas, je crois. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est la coupe de cheveux, etc. Ok, ok. Ok, je regarde. Le jeu est magnifique, ouais, vraiment. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose. Par contre, c'est encore plus fluide que quand on jouait avec Focus. Moi, par contre, je préfère prévenir maintenant. J'ai grave des soucis avec mon PC depuis 2 jours. Et là, je sens qu'avec mon stream et tout, j'ai 2 FPS sur mon PC. Bah top, ça, top, tu vas te régaler. J'ai très peur que mon PC crache. Salut Sachant que du coup, j'ai pas le GPU... Mais que des bonnes nouvelles, quoi. Ouais. Ok, je peux jouer, j'arrive. Jouer, je clique. Mot de passe de la session. Non, c'est vraiment... Le chat, c'est un peu fort pour vous, le son, pas. Attends, je le refais carrément, j'en refais un nouveau. Je mets quoi? Mais non, c'était en majuscule, en fait. Putain. Mais waouh, ce jeu est encore mieux qu'avant. Genre tu vois, okay, pour changer de la première partie. Vous m'entendez bien ou pas? Ouais. Ok, nickel. Ouais. Il part sur une nouvelle run. Ouais, nouvelle run. Du coup là c'est bon, t'as refait le truc? Ouais, là si tu mets coucou coucou en majuscule, normalement tu vas arriver. Ah, le je sais plus d'effort. Où vous spawnez, je crois tout là-bas. Par contre je me rappelle plus trop du jeu, enfin je me rappelle plus trop du gameplay et tout. Ça va sûrement me revenir vite, mais... Mais tant mieux, tu vois. En fait, t'es un peu le sensei et nous, on va, tu vois, t'es secrétaire, on va faire ton café et tout, genre. J'aime bien. Attends, faut que je fasse chercher un nom de serveur, faut que je fasse quoi? Je suis paumée, voilà. Je t'ai envoyé une invite, normalement. Attends, je vous renvoie une invite à toutes les deux. Ah oui, effectivement, c'est bien plus. J'étais dans la partie, parce que j'en ai fait une... J'ai relancé. Oh non, il y a marqué connexion au serveur impossible, pourquoi? T'as mis en majuscule? Coucou, coucou? Bah non, juste, ça me dit directement que c'est pas possible. Ah, si, c'est bon. Ah ok, putain, je me suis dit pas possible. Linka, le parrain, j'aime bien les gars. En plus apparemment on va me faire le café et tout, j'aime bien. Fais-moi, je jouais quoi déjà? Ouais. C'est ok, Djibril. Attends, j'ai hâte de voir les dégâts qu'ils ont eux quand ils spawnent. Parce que je pense vraiment que je vais leur gâcher le truc. Mais je crois que je me suis trompé dans le mot de passe, c'est pas possible. C-O-U, 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 C-O-U majuscule. Bah oui, c'est ce que j'ai fait pourtant. Mais putain, c'est pas possible. Attends, réinvite-moi. Putain, on va jamais s'en sortir. Après, faut savoir que je suis la meuf la plus tête en l'air du monde. Je me déconcentre toutes les 2 minutes, donc bonne chance à tous. Attends 2 secondes. C'est bon, j'ai invité. Rappelle-toi de la stamina. Je me rappelle ça, c'était un enfer dans le jeu. C'était horrible. Tu cours. Oh, mais du coup, ça veut dire que là, les créateurs du jeu, ils nous regardent. Ils sont c'est bon, j'arrive. Games creator, if you can, please put more stamina in the personage. It's horrible. I run 2 minutes and I'm like in asthmacrism. Attends, je suis en train de me taper la cinématique et tu cries derrière. Il y a un truc hyper mystérieux, j'entends limite asthmacrism, c'est bon, les nœuds, comme ça. Attends, je me mute vite fait. Vas-y. Je suis mort, ouais, il m'a fait les bacs carrément. Salut, les gars, ça va ou quoi? Comment tu vas aujourd'hui, ma douce? To quench their thirst. Écoute, Fadou, on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord? Il m'a fumé derrière. Je crois que ça va être marrant. Une goutte d'élixir pour une goutte de sang. J'ai rien écouté, du coup, voilà, mon TDAH, putain!
Un puits, une malédiction se répandit de Val-de-Braise. La brume, un brouillard maléfique qui ne cherchait qu'à s'étendre et tout dévorer sur son passage. Leur chute était inévitable, alors les humains se sont... Pourquoi je parle? Vous avez les sous-titres en fait, je suis désolée. Salut Danica, ça va ou quoi? Oui, ce soir on fait du RP les potes, vous en faites pas. Là on est en petit mode multi avec les copains. Et demain, on sera en... Ce soir, on sera RP. Oh putain, un Chaudrax. Pour cacher les bouteilles de whisky, ça, je reconnais. C'est moi, wesh. Oh non, je ressemble à un fœtus. Les gars, je crois que c'était un bébé, c'est moi. Un fœtus. Oh putain. On aurait dit un fœtus qui sortait du ventre. Oh, je suis géniale et terrifiante à la fois, j'adore. Ok. C'est un Trixie, t'as un mais toi, t'as... C'est ah bon, ouais, je suis née, vous êtes toi, où? Parce que je ressemblais à un fœtus dans ma capsule, là, vous êtes où? On est en bas. Je ressemblais à un fœtus dans ma capsule. Oui, je te jure. Il faut que tu sautes de tout en haut, en gros, et tu fais deux fois espace pour voler. Mais moi aussi, j'ai cru qu'on était des bébés. Oui, moi aussi, on peut voler? Mais comment ça? Ouais, bah oui, tu peux planer. Tu vas pouvoir planer, pas voler. C'est normal. Alors là, je sors du temple. Là, il y a de la nature. Plus droit, t'as une putain de belle vue sur le jeu. Oui, il y a un Chibrax en bronze et là je suis ça. Alors, en gros, faut s'asseoir dessus, ça porte bonheur et tu dois tousser en même temps, mais bref. Et après, tu dois sauter et faire deux fois espace. Ok. Hop. Voilà. Ah bah ça a pas marché. Je crois que je dois faire mes touches, non? Non, non, c'est pas vrai, c'est vrai, tu peux pas voler. Ah oh, putain, comment tu t'es relevé par contre? T'es horrible. Non, mais non, je suis tout en sensualité. On dirait Akinator? Oui, c'est moi. Parce qu'en fait, mon rôle dans la guilde, c'est de vous lire l'avenir. Oh fils de... Gros point de... Pardon. Non, en fait, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut pas que j'interagisse. Ah ouais, mais toi, j'avoue que toi, tu l'es... Ouais. Bah, t'es un peu notre protecteur, quoi. Mais en fait, mais n'importe quoi, on n'est pas tes secrétaires. En fait, on est deux SDF que t'as trouvé à Porte de la Chapelle, là, avec ton ouais, stuff, bon, excuse-moi, mais... C'était sûr, j'ai l'impression d'avoir fait du bénévolat à Porte de la Chapelle, hein. Les bon, on va se mettre au spectacle, au pestacle, pardon. Venez, les deux. En vrai, vous avez des missions ou des trucs ou pas, là, qui sont affichés, vous, de votre côté? Traverser la brume. Ouais, il faut que je traverse la brume. Tu vois, c'est vraiment Porte de la Chapelle, c'est la même chose. Mais attends, mais putain, par contre, mais je comprends pas, on a les mêmes quêtes. Ça, c'est les quêtes du début, je vais mettre en détection de la brume, le chat, au pire, je muterai pour vous parler. Linka ? Quoi ? Ah bah démerdez-vous, hein. Je la ramène. Mais tu lui mets des coups... Tu lui mets des coups de poing dans sa... Regarde. Tiens. Tiens. Voilà, je laisse pas abattre. Regarde. Je suis en train de lui niquer sa race, elle lui regarde. Tiens. À combien il tape? À 9. Tiens. Regarde. Est-ce que regarde, j'ai mis du efficace en vrai, hein. La cave va le tuer le dragon avec 2 SD. Regarde, tu vois, je lui ai défoncé. On a de la bouffe là, du coup, ça veut dire, non? C'est bon, je l'ai tué. Ok. Oh, j'ai une arme! Les craquettes en stage chez Linka! Où êtes-vous, mon maître? C'est pour ça qu'il va falloir qu'on se répartisse les trucs, il va falloir réfléchir à comment on opère là. Est-ce que je vais vous démolir le truc? Genre, attends, faudrait que je trouve un monstre pour vous montrer, mais genre vraiment. Bah, en tout cas, j'ai vu avec le loup tout à l'heure. Hein. Ah, bah oui, c'est vrai, oui. Il faut qu'on se trouve une voie de craquettes, Deuge. Oula, mais toi tu fais du RP, moi je sais pas faire moi. J'ai 14 heures de RP craquette. Hein. Ouais. Mais en moi vrai, une voix de craquette, c'est un peu. Tu fais la voix de studio Daniel. Ouais, mon loulou. Ouais, alors. Ouais. Attends, c'est quoi l'hôtel de la flamme là? Attends, je réfléchis à comment je peux faire. En vrai, le mieux, ce serait que vous fassiez les quêtes de début pour au moins comprendre. Attends, mais juste une question, pourquoi on est parti sur cette blague? Parce que même là, communiquer avec la flamme, je vous jure, il y a tout qui va me faire penser à ça maintenant. Éteindre la flamme. Ok, c'est bon, faut l'éteindre du coup? Oh la gueule de ton perso, putain. faut faire faire quoi? Faut l'améliorer, la renforcer ou la réinitialiser, la flamme là? Ah bah je sais pas, fais ce que tu veux, hein. Parce que éteindre la flamme, ça me paraît pas bon, parce que Johnny Hallyday a dit allumer le feu, donc je ne le ferai pas. Allez. En vrai, par contre, je me demande... Si c'est normal les quêtes que vous avez. Ah, il nous faut des cœurs de brume. Trouver le survivant endormi et traverser la brume. Mais la brume, c'est ça derrière là, non? Mais si, je pense. En vrai, oui, je pense que c'est les quêtes du début, ça, vu que c'est une nouvelle aventure. Oui, je pense. Bon, allez, il va falloir lâcher ton armure, hein, là, il faut se foutre à poil, là, t'as pas le choix. Non, c'est mort, c'est mort. Mais. C'est mort de chez mort. Mais vu qu'on doit. D'accord. En gros, le truc, c'est de construire. Je sais pas si t'as expliqué Trixie à ton chat ou pas. Non, pas encore, parce que j'étais en retard comme d'hab, donc. Ok.
En gros, mais en gros, les gars, le but, j'explique pour tout le monde du coup. Mais le but de cette opération sponsorisée est de bien sûr mettre en avant Enchanted, mais surtout mettre en avant l'aspect construction du jeu, parce que l'aspect construction est démentiel. Genre vraiment, il est incroyable. Et à cette occasion, je pense que c'est peut-être pas plus mal que je sois avancé dans l'aventure et vous pas. Parce que vu que le but c'est pas de découvrir tout l'aspect survie mais bien de construire un truc, bah moi je pourrais aller farmer des zones où normalement tu peux pas y aller quoi. Et je pourrais avoir sûrement beaucoup plus de matériaux pour qu'on avance. Ouh. Ouais, deux, j'étais où? Quoi? Appuie sur H. Pourquoi? Je sais pas mais c'est beau. Appuie sur H, je sais pas mais c'est beau. Ah oui mais putain j'avais oublié ça aussi. Ah non mais moi ça me fait peur là, il y a trop d'informations. Ouais, il y a beaucoup de trucs, ouais. Bah en fait t'as un perso et tu peux améliorer tous ses stats, tu peux tout faire en fait. Ouais mais, ça a l'air hyper complet par contre, hein, c'est une dingue. Bah oui, ouais. Le jeu il est complet de fou et il est vraiment vraiment génial. Et je dis pas ça parce que c'est une OP. Non bah oui je sais t'y as joué avant mais là quand je vois ça je me dis putain tu peux t'investir de fou. Attends, c'est trop bien. Tu peux partir sur de l'assassin, maître de la bête. Ouais, l'impression t'as l'air d'avoir. Ah mais un tuto. Magicien et tout, putain dinguerie en vrai. Ah mais faites-le le tuto si vous l'avez pas fait. Non mais c'est à lire. Ah. C'est où que tu vois ça? Ah bah bonne lecture, moi je vais planer. Journal. Mais non, mais moi je veux de l'action là, je veux aller tabasser des la gens. La brume moi. Bah, du coup, là il faut que vous traversiez la brume. Mais c'est où la brume? Bah, regarde ta map. Attends. Genre, regarde, viens, avance vers là où je suis. Tu vas sûrement remarquer quelque chose de. Ah, mais de y la y a brume mal en haut là. Ouais, c'est le genre de la brume quoi, par exemple. Putain, mais c'est fou. Oui, oui, le jeu est payant, chat, et il est en promo, il est à moins 20% en ce moment jusqu'au 3 juin, si je dis pas de conneries. Donc, si jamais il pique votre curiosité et que vous voulez tester, achetez-le plutôt maintenant. Quelqu'un vient de se suicider là, non? Ah, je l'ai bien traversé la brume, hein. Trixie, je t'entends plus. Tu m'entends, allô? Mais attends, mais moi j'ai ma culotte à l'envers, là, il s'est passé quoi? Est-ce que vous m'entendez ou pas, les copains? Ouais, on t'entend, tu t'es défenestré. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Là en bas. Ah, j'ai slide comme jamais, là, je suis partie dans une autre dimension. Mais t'es pas en slip, toi, qu'est-ce que tu racontes? Si, mon truc est retourné. Ah ouais, mais lui, c'est frère, c'est Superman, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Ah, c'est quoi, ça? J'avais oublié à quel point c'est kiffant. Matériaux brindis. Mais là, ce genre de jeu, c'est dangereux. Moi, je peux jouer 15 heures d'affilée non-stop, hein, vraiment. Ouais, je jure. J'ai réfléchi à comment on peut s'organiser. On peut glisser ou pas ou mais alors, je te conseille pas de glisser, honnêtement. Bah, je glisse. Bah, en fait, la brume, vous pouvez y aller, mais au bout d'un moment, ça entache un peu votre santé. Ouais, mais il faut déjà qu'on puisse y aller sans prendre de dégâts. Ok, cours sur la montagne. De là où mais on était, tu peux descendre sans prendre de dégâts en passant par la gauche. La gauche. Ça va, je vais bien. T'es censé dans le sud, t'es pas censé te foutre de la gueule de quelqu'un qui a l'accent du sud, hein, maintenant. Mais t'es plus l'accent du nord, non? La gauche, c'est l'accent du nord. La gauche. Oh là là, non mais... Tu sais que ma belle famille se fout de ma gueule, parce que nous, dans le nord, on dit pas jaune, on dit jaune. Et par exemple, le mot bidet, nous on va dire bidet, vous dites bidet, tu vois. Mais non, et mais de toute façon, personne dit bidet que personne utilise. Mais putain, mais putain, mais merde. C'est chier de la couille, même, je dirais carrément. Qui utilise un bidet en fait? C'est ça la vraie question. Un bidet? Bah, un bidet quoi. Et oui, un c'est bidet, le truc tu pour se laver le fion. Et oui, c'est pour se laver le trou de balle. Oh, ils vont être contents, les trous d'aide. C'est bidet. Mais ouais, c'est le truc pour se laver le trou de balle et tout. Ils se disent putain, on a misé sur les bons chevaux là. Allez, surtout, n'hésitez pas à installer le jeu, les gars. Oui. J'ai un bidet. Mais attends, mais là on peut. Ah, regarde, là on peut descendre. Non, mais meuf, là, regarde. Tu meurs, je suis sûr, tu meurs. Attends, on va faire le test. Attends, mais elles sont où? Moi je fais le tour. Mais t'as pas une monture, je t'en supplie. Comme ça, on monte avec toi sur ton loup et on va dans la brume. On monte avec toi sur ton loup. Ouais. Mais vous jouez à quel jeu? Ça part en, mais non, mais là, en c'est fanfiction Wattpad. Mais attends, mais là je jure, on meurt dans tous les cas en fait. Non, Astérion qui rejoint l'OP et tout, la dinguerie. Tu sais, j'allais le dire mais j'ai pas osé parce que tu sais on est censé te payer et tout, donc je me suis dit bah c'est pas fou quand même. Bah pourquoi? Attends, j'ai trouvé. Bah c'est le Minotaure quoi, tu vois. Mais le... ouais, ça peut être un boss du jeu. Oh. Allongé dans la baignoire et tout, non. Je peux pas lutter. Il m'enivre. La brume m'enivre. Moi je suis dedans et je sais plus comment on sort. Mais comment t'es rentré dedans, putain? Moi j'y arrive. Mais là je pense qu'on peut descendre là, regarde. Ah oui, attends, je fais le test pour toi. Non, t'inquiète, je suis avec toi. Ah, mais je vous vois. Ah, c'est bon là. Essayez de suivre votre première quête et de voir un petit peu ce que ça vous fait, comme ça vous découvrez. Est-ce qu'on peut faire une pause technique, s'il vous plaît? Moi j'observe.
Attendez. Mais vous êtes en train de crever là, non? Ouais, là, on perd de la vie, hein. Ah bon? Bah, je sais pas, je vois des œufs qui volent. Ah non, vous vous soignez en fait. Ouais, on se soigne en fait. Ah, mais oui, putain, j'avais oublié, j'ai un truc pour soigner moi. Je soigne les gens autour de moi. Ah ouais? Ouais, quand tu fais H, du coup, je dois avoir une compétence, je sais plus où. Qui soigne, j'avais oublié. C'est là-bas. Oh! Aura radieuse. Non, c'est pas ça. Mais bref, c'est un truc magicien, je pense, ou survivant. Ok, c'est par là. Aura de l'eau, voilà, c'est ça. Mais pourquoi Tristel a besoin de faire une pause? Tous les alliés blessés dans un rayon de 15 mètres. Non, c'était juste pour paramétrer mon Discord et pas faire. Merci Maxime du 99 pour le sub, merci beaucoup! Tu vois, bah, tu peux. Merci Maxime du 99. Vous vous en foutez, 99. Vous? Moi, j'en ai rien à branler, perso. Ah bah, c'est parfait, mon dieu, c'est seigneur. Où le 99? Merci. Ça existe pas, le 99? Non, ça non, mais je l'ai inventé, tu vois. Genre, ça pourrait être du 99 en mode il est né en 99, quoi. Ouais, aussi, genre. Ou alors, 99, genre, parce qu'il a confondu le 6 et le 9 pour 69 aussi. Bah, alors là, c'est vraiment. Faut vraiment être. Bah, en fait, c'est un bisou, quoi, du coup. Oui, exactement. c'est genre Mims, tu vois. Ah non, 99, c'est quoi? C'est tu dors en cuir. Tu penses que si tu dis à quelqu'un, on peut se faire un petit 99, il le prend bizarrement ou il va se dire que c'est Mims? Je pense qu'il comprend pas du tout, quoi. Ouais, je pense qu'il comprend pas. Oui, c'est vrai, totalement. Vous avez putain. Ça dans la brume, les filles, il y a un espèce de truc là, et quand tu cliques dessus, ça te remet ton temps de brume. C'est quoi ce qui sont arrivés d'ailleurs? C'est quoi? Désolé, pour les pas gars, crever. Un peu, parce que là, en gros, vous êtes embrumé pendant un certain temps, et au bout d'un moment, vous allez clamser. Ah, moi, je suis sorti de la brume gros, là. Ça te reset. Ça te mais remet, moi, je me porte de la chapelle, ça va truc. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, pour le moment, vous êtes en détente. Hein. Ouais, grave. Je me suis fait grailler par un loup. Ça a l'air d'aller. Quoi? Le sens du timing. Non mais moi je suis sortie de la brume, genre j'avançais vers la quête mais... Bah regarde, allez à votre quête. Mais vous pouvez venir me réa avant? Mais t'es où? Bah ouvre ta carte. Est-ce que c'est le point d'exclamation jaune ma quête? Mais juste devant moi en plus. Viens fais la quête, on tant pis pour Doge. Ah bande de bâtards. Mais non mais on sait pas où t'es en vrai meuf. Mais oh tu le vois tout le monde sur la carte? Je te jure je vois rien. T'es foncé la gueule, oh putain tu l'as tout choc, merci j'ai eu peur hein. Je me suis rien. Putain mais c'est magnifique des champignons partout. Ah mais du coup j'ai même beau, plus mon arme. Tu vas être ravi toi. Ah ouais là le champox à gogo. Attends je vais vous laisser vous battre. Et mets une claque à quelqu'un voir. Ok vas-y. Oh la légende. Oh putain la golden door. Tu peux looter pour avoir du stuff et tout. J'aurai des fringues enfin. Bah je suis en train de piller une tombe là, c'est vachement friendly ce que je suis en train de faire, attends. Mais c'est moi, c'est ma tombe du coup que t'es en train de piller. Putain. J'ai looté. Non je crois pas, mais je crois que j'ai looté un cadavre, je sais pas si c'est le tien, désolé. Bah si, je pense que si hein. S'il y avait une épée dedans, c'est bien. Non ça il m'aurait avait... mis trop bien. Je crois pas que ce soit ça. C'est où qu'on voit... Putain mon inventaire c'est mais comment... Mais je sais pas, moi je comprends pas où elle est morte, j'avoue, je me rappelle pas du tout comment ça fonctionne. Mais là j'ai même pas pris le même chemin, attends là. Oh je suis choc barre de zinzin, il y a trop de monstres là. Pourquoi? Pourquoi? Ah, puis... Non, je me suis vas-y montre-leur, montre-leur. De toute façon je te soigne juste en étant à côté okay, de moi. Ok vas-y vas-y regarde. Golden. Voilà dis-leur. Les gars dans le... Je crois que je tape juste en étant là moi. T'es sûr que t'as mon dos là? Parce que j'ai l'impression quand même ça va pas trop bien de mon côté. Attends je te moi j'ai une intoxication alimentaire. J'ai même pas réussi à aller rejoindre. Ah c'est toi ça? Oh putain des tombes. Mais putain vous êtes tellement à poil mais comment? Ah non, j'ai encore mon épée, mais parce que finalement, on aurait dû mettre les stats boost. Peut-être, ouais. Peut-être que finalement, on aurait dû les mettre, je pense. Parce qu'à la base, on doit construire, vous voulez nous filer un coffre et tout qu'on, peut pas qu'on pouvait pas montrer avec dedans de quoi faire des constructions, quoi. On a dit, mais non, c'est bon, vas-y, on a pas besoin de ça, nous. Je crois qu'on a besoin, hein. Ah, mais là, Doge. C'est ça, Doge. De quoi? Ah, bah, j'ai looté ton cadavre, Doge. Son cadavre, par contre. Faut que j'arrive à redescendre moi là dans la... Ah mais par là en vrai je pense. Oh je pleure de rire, j'en peux plus putain. Oh la catastrophe. Vas-y rentre là-dedans Trixie, tu lances, c'est stylé. C'est quoi ça? Salut, ça journal fait, du beau, capitaine. T'as commencé par monter ma famille, super. Alors, excuse-moi mais j'ai entendu... Ah, ouah au secours. ma vie... Garde du Nord Châtelet les Halles, non? Ah mais moi le problème c'est que attends, du coup... Mais pourquoi vous mourrez aussi vite par contre? Oh waouh. Moi je vais mourir super vite là du coup dans la brume vu que... Oh j'ai mais merde pu... je peux pas te ressusciter, je peux que te ramasser. Bah ramasse, écoute ramasse... Il m'a mute on partage ici, on partage tous les cadavres de tout le monde. Mais non t'entends déjà. Je te ramasse ouais vas-y. Du coup je vais die quoi. Je vais être plein de merde. Il faut que je me rappelle comment...
comment on ramasse des trucs pour build. Parce qu'en fait, du coup, ça a pris mon inventaire, mais ça a pas pris tout ce que j'avais, donc il va falloir que je refarme tout. Est-ce qu'on devrait pas se craft une hache pour récupérer du bois et potentiellement se faire une cabane, genre? Ah bah si, si, vous pouvez totalement faire ça, c'est vraiment le but, quoi. c'est le but du jeu. Donc du coup, je suis obligé de traverser la brume ou je peux déjà construire ma cabane? Tu peux. Déjà, tu vois, on a une sur la map, t'as un truc maison 1. La map, c'est avec virgule, bref. Tu peux cliquer sur voyage rapide, en fait, tous les trucs dorés, tu peux te téléporter dessus. Peu importe où t'es. Ah, je suis passé niveau 2, je sais même pas comment. Ah, mais ouais, il y a pas de truc doré à côté, je crois, de mémoire. Ouais, donc Linka, j'arrive, il se barre. Quel bâtard. Merde. Mais non, mais c'est parce que vous vouliez construire. Enfin, fabriquer une hache et tout. Mon chat, ils disent quoi? Ah, la construction va être bien mise en valeur, ça va être magnifique. Il meurt toutes les 7 secondes. On n'a pas coupé un bout de bois, ça fait une heure qu'on est sur le merdier. Après, en vrai, pour ce live-là, ça va. Là, on est en découverte. C'est normal, c'est le début, il faut bien découvrir quand même. Non, mais écoutez, il y a un début à tout. On devient pas charpentier en deux jours, les amis. Hein. Ah ouais, ouais, c'est normal, c'est ça. Regardez. Aussi. Quand vous allez installer le jeu, vous passerez par ces étapes. Hein. Bien sûr. Mario, avant de devenir une superstar, lui aussi était charpentier. Il faisait les tonneaux de Donkey Kong, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. C'est très réel, c'est très réel. Voilà. Marteau de construction. Ah bah ça y est, on peut construire en fait. On a rien du coup. Salut, Sweary, ça va? Comment on fait pour ouvrir ce truc déjà établi? Attends. Un mob et me faire péter. Établi, atelier, construction d'échafaudage. Comment on fabrique déjà le truc de construction? Je me rappelle même plus. Oui, alors moi je veux pas recommencer honnêtement. J'étais comme vous, mais avec un stuff de baiser. En fait, il nous a pas dit, mais lui il a fait le truc boosté. Non, j'ai pas fait le truc boosté. Le truc boosté, je crois que c'était juste un coffre avec des matériaux dedans. Oui, c'est ça, c'était pour qu'on fasse de la belle construction rapide. Mais nous on était trop ambitieux. On s'est dit, ouais, genre on va le faire nous-mêmes. Je sais pas où je suis en train de me faire déglinguer, c'est pas grave. Non, mais en vrai, on va réussir à le faire nous-mêmes le truc. Juste, il faut. Faut que je me rappelle comment on construit. Genre, dans notre inventaire, on a un truc artisanat. Établi, il est là. Il nous faut 3 ficelles et 8 bûches. Exactement, les gars. Voilà. 3 ficelles, 8 bûches. À l'ancienne, moi je donne des coups de poing dans l'arbre. Ouais, bah là il faut en quand vrai. J'arrive à viser, mais. Juste ficelles, par contre, je me rappelle pas du tout comment on les. J'arrive, hein, j'en ai eu des ficelles, attends. Sac à dos. Mais vous êtes où? Ah mais non, putain, c'est mais fibres. Ok, je meurs TP, vous êtes revenu là, j'arrive. Ouais, on a la base. Ah, mais non, mais. Ah bah j'arrive, c'est parfait. Oh, c'est bon, j'ai retrouvé mes trucs. Ok, bah je vais commencer à récolter. Ouais, mais mon épée après, elle va se casser. Bois, etc. Ok, vous êtes là, nickel. On est à la base, ouais. Attends, mais tu l'as trouvé où ton épée, Deuge? Je sais pas, sur un mob que j'ai fait. Sur un monstre, je pense. Ouais. Là, il faut qu'on se craft à tout prix une petite hachette, hein. Ouais. Moi, j'en ai une, du coup, je l'ai récupérée sur moi, mais je sais même plus comment on la fabrique. Je crois qu'il faut craft établi et tout le merdier. Bah, c'est vraiment les codes de jeu de survie classique, quoi. C'est quoi là? Comment on ouvre le truc de craft, vous savez ou pas? Tu fais B et après ah, tu mais la ficelle c'est avec de la fibre de. C'est V du coup, artisanat. Ok, il faut de la. Comment on fait de la ficelle? Ficelle, je crois que c'est en ramassant de mémoire c'est les. De la fibre de plante. Et qu'après ouais. Tu fusionnes tes fibres végétales. J'ai jamais autant. Waouh, il fait tout noir, j'étais dans mon menu, j'ai lâché mon menu, il faisait tout noir. C'est vrai que là on voit vraiment rien du tout là. Okay. Ouais, c'est ça, fibre de plante et après tu fabriques ta ficelle avec. Nickel, alors attends. Je sais juste plus trop où ça se fait. Ah bah ficelle. C'est dans artisanat aussi la ficelle? Ouais, tu fais V ouais. Dans ressources. Ressources ficelle. Nickel, alors attends. Putain, il faut 3. Oh là 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 là. Ça va aller sucer la ressource de toute la forêt là. Attends. Ah là, faut tout prendre. Hein. Par contre, j'avais oublié que la nuit, ça fait une réflexion de problème. Ouais, la nuit, la nuit quoi. On voit vraiment rien du tout. J'avais parlez dans que le chat, les gars. Vous en faites pas, je vous lis. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Je suis là, vous n'êtes pas seul. Mais on avait pas des lampes torches, les gars, ou des trucs? Bah, peut-être plus tard, parce que là pour l'instant, par mon gros crâne, dans la nuit je vois pas grand chose. Hein. Ouais, mais moi je suis à plus tard là. T'as peut-être une lanterne, non? Parce qu'une lampe torche. Non, mais je pense que ça se craft en vrai. Je me rappelle plus. Bah, si, je crois. Ouais, mais je pense qu'en fait j'ai juste plus. Je pense que c'est juste, vu que c'est un nouveau monde, en gros j'ai été TP avec mon stuff, mais j'ai pas ce que j'avais dans mes coffres et tout du coup. Oh putain, c'est-à-dire que t'es un faux riche en fait, t'as juste la tenue. Ça. Là c'est que, c'est que du flex. Genre quand mes stuff vont se casser, je pourrais plus rien faire. Parce que j'aurais même pas de quoi les réparer et tout.
Et putain, j'arrive même pas à taper un arbre. Mais si, il y a des torches. Moi, là, je peux me faire une torche. Ah oui, tu peux, c'est sûr, mais je pensais que j'avais un truc. Artisanat. Non, mais excusez-moi, mais putain, mais même un arbre, j'arrive pas à le taper. Je suis vraiment une branque, genre, c'est terrible. Mais t'as une hache et tout, ou même pas? Non, là, j'ai mes points, là, mes points d'homme, je regarde. Ouah. Ah bah non, je l'ai foiré, je l'ai loupé. T'as eu 0 sur 20, putain. Ah bah... Bon, attends. Ça me fait un peu peine, je vais essayer de t'aider un petit peu. Oh, merci. Et du coup, la fibre, merci, c'est dans quoi? Tu ramasses les buissons par terre et après tu craves de la ficelle. Tu es bigleuse pour pas avoir de buissons ou... Bah, il fait noir donc on les voit pas trop. Bah, c'est QFD. J'ai pu faire une ficelle, let's gong. Mais je trouve que quand il fait jour, on voit mieux que quand il fait nuit, vous trouvez pas? Putain, oui, mais je trouve que l'eau ça mouille aussi et j'ai trouvé ça super impressionnant. En fait. Non, par contre, vrai débat, moi j'ai appris récemment que c'était pas normal la nuit quand tu conduis de voir d'une certaine manière. Genre, moi les lumières, tu sais, des phares et tout, je les vois en mode ça fait une ligne. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah ouais, bah c'est normal. T'es un stigmate ? Ouais, et bah je savais pas que ça. Je savais pas. Ouais, moi je suis myope, voilà. Moi aussi, je vois des lignes. Mais en vrai, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui voient comme nous. Oui, hier, et qui savent pas en gros. Ouais. Après, je sais pas, toi c'est vénère ou c'est un petit peu? Parce que moi c'est quasiment rien. Y'a un loup. Ah, moi non, moi c'est un peu vénère, genre ça m'éblouit. Au point où, tu sais, quand le soir je regarde des trucs avec des sous-titres, si les sous-titres ils sont blancs et que j'ai aucune lumière dans la pièce, je suis aveugle, genre. Ah, oui, non, d'accord, mais toi t'es astigmate vénère, genre. Ça me défonce les yeux. Bah, après, je suis très sensible à la lumière, donc je sais pas. Ouais, bah moi aussi, ben j'ai les yeux bleus, mais principalement je suis myope, donc du coup de. Oh ouais, la bout de flex, mètre, oh la prouveuse! Ouais, moi aussi, j'ai en fait, les j'ai yeux les un peu bleus, azur, ouais. Donc forcément, ça non, m'attaque pas, un peu. Non, azur dolce, je dirais même, tu vois. Ouais, forcément, parce que j'ai un teint allé un peu magnifique, pailleté, donc forcément, parfois, ça me gêne un peu. Alors bref. Qu'elle est bien blanche. je suis bien blanche comme un fessier au final, j'ai envie de vous dire. Effectivement, un petit peu zombie par ici, tendance vampire. Et putain, je vois pas de trucs pour la ficelle. Moi, c'est bon, là, je peux faire l'établi. Ah bah go. Ah, super. Je le pose où? Je sais pas, proche de la flamme, on s'en fout, non? La console, en gros, on a un périmètre autour de la flamme qui définit notre chez-nous. Et sur toute la zone qui est définie, on pourra construire ce qu'on veut. Ah, je me suis éloigné de fou, en fait. Et la zone, tu peux la voir au sol, et j'ai l'impression qu'elle est giga large. Je me demande s'ils ont pas augmenté ou quoi. Ça vaut quoi, Léna? J'ai pas le souvenir que dès le début, avec une flamme niveau 1, on pouvait aller aussi loin avant. Mais la flamme, c'est quoi? C'est comme c'est comme la mairie, en fait, c'est ça? C'est ta maison, en fait. Ok. C'est c'est ta façon de définir ton chez-toi. Alors, j'ai une petite voix dans ma tête et j'ai besoin de ton conseil, Linka. Ouais. Et je viens de voir une ruche. Est-ce que si je la tabasse, je meurs ou pas? Non, j'ai tabassé, moi. Je crois que non. Oh putain. Je crois que tu peux te faire attaquer, mais genre tu peux récolter du miel, des trucs et tout. Ah, du miel, oui. Marteau de construction. C'est gratuit avance, hein. De fou, ça. C'est genre... Attends, je vais regarder. Ok, Alexandre. Parce que marteau de construction, normalement vous pouvez appuyer sur Alt. Je sais pas si vous l'avez dès le début, mais je crois que oui. Et vous avez en gros deux barres différentes, combat, on va dire, vous mettez vos trucs de combat, et une autre plus pour le craft. Okay. Et vous mettez vos trucs pour récolter des ressources et tout ça, c'est bien de faire comme ça, je trouve. Mais pourquoi il n'y a pas mon bois, il n'y a pas tout ça dedans? Les yeux plus clairs ne sont pas plus sensibles à la lumière, c'est une idée reçue. Hop. Putain, comment il a cassé mon délire. Hop, non, mais je crois que c'est vrai en plus, ça. Moi, j'ai pas osé parce que je me suis dit, mais ça fait un peu pique-mi des yeux marrons, tu sais. En mode... Oh là là. Alors, je veux pas casser le délire, mais je crois que... Là, la zone, en fait, on la voit. Mais apparemment, ouais, apparemment, ça a aucune... Pourquoi je suis aveugle au soleil depuis que je suis gamine, alors? Ouais, mais moi aussi, tu vois, alors que j'ai les yeux marrons. Faut pas regarder le soleil, quoi. T'es vraiment comme tout le monde. Oh, un peu putain, plus con. Merde, chier, quoi. Moi, quand je regarde le soleil, je vois rien, quoi. je ne comprends pas, je pense vraiment que c'est parce que j'ai les yeux clairs. Non, mais en fait, y'a rien à voir et voir des bulles noires, quand même. Tu vois, c'est quand même des choses... Ça brûle. L'idiot du village. Je suis mal. Ah putain. Attendez. Mais what the fuck, mais il veut quoi, lui? Ouais, défends-moi, Trixie. Mais attends, mais t'as pas le temps en vrai, toi. Mais il lui reste un HP quand même, je veux dire, bon. Mais tu veux pas qu'on aille te chercher une arme? En vrai, je veux bien, vous voulez pas m'accompagner chercher une arme? Mais attends, mais j'ai des trucs moi sur moi là. C'est quoi ça? Scalpel de Lupa. Ah tiens, j'en veux pas, tiens. Bah super, merci. Je sais pas comment je le jette.
Mais attends, y a pas un inventaire? Tiens, regarde. Merci. Si t'as reçu. Ton inventaire, c'est B comme tous. Oh là là, je crois que c'est vraiment des armes qu'on n'est pas du tout censé avoir à ce moment-là. Ah ouais? Bah je pense, va mettre une claque à un monstre, viens, on va chercher quelqu'un. C'est quoi l'acta? J'ai une faucille. Un genre de faucille. Ah ouais. Moi je suis là, je me suis fait mon petit truc. Attends, je regarde ce que je peux faire pour toi. Non attends, t'inquiète moi. Attends, mais juste déjà voir combien ça met. Ah, je peux en faire une aussi, je savais pas. Entre... Salut Poudin, ouais. Merci beaucoup. Ok, bon, ça m'arrange pas si je peux. 9 et moi, pardon, je suis bourré. Bienvenue, merci beaucoup. J'avais qu'un truc. Tout à l'heure, il y avait des mobs, attends. Sans descendre. Il y en a derrière la maison. On a de la bonne. Ok, c'est la parti maison. Là. Enfin, c'est ça le problème, c'est que moi j'aime trop me fight. Oh Yoshi, je t'ai pas dit. Je dois muter 2 secondes. J'arrive, l'équipe. Vas-y, vas-y. Ok, bah vas-y, viens, on va tabasser un monstre. Ah ouais, mais là, attends. Mais lui, il va nous défoncer, non? C'est un mob, ça? Ah non, c'est pas un mob, c'est une plante. Putain, même dans le jeu, je suis bigleuse, en fait. Mais tu sais que moi aussi, je vois rien, là. Je vois que des champignons hallucinogènes. Ça te dit pas, on s'en tape un comme ça, rapide, genre? Attends, non, mais... L'autre, il nous a dit, ouais, il y a des mobs et tout, frère, il y a rien, il y a que des champignons lumineux, là. Ah là-bas, est... viens, parce là-bas, qu'il y a sous un crack mob. Aussi, il faut pas lui en vouloir. Ah! Oh, attends, putain. Je le tape en première pour savoir combien je lui mets. Vas-y, défonce-lui la gueule. Je lui mets 13. Ok, à moi. Je lui mets 43. Ah ouais. Oh ah, moi je lui ai mis 15, genre au max. Merci encore, Poda. T'as ramassé les trucs? Bah, non. Y'a rien à ramasser. Ouais, putain, c'était un clodo lui aussi, carré. Putain. Bon, il faut que je me fasse une hache. Vous m'entendez? Ouais. Non. Ah cool, je savais pas si j'ai remis le truc. T'as testé ton arme ou pas? Ouais, ça met 43 moi. C'est pas mal en vrai, hein. Ouais, moi, ça, la mienne elle met 15 au max. Enfin 13-15 quoi. Non. Ok, c'est bon. On va aller vous chercher des trucs après. Mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça là. Et je crois que c'est moi qui avais. Oh putain, j'avais oublié que j'avais ça! C'est quoi? Regarde! Ouais. Oh, trop stylé! T'as eu ça comment? J'ai passé. C'est dans mon H. C'est déjà que t'appuies sur H et ça doit être. Il doit avoir un truc de double saut en magie. Ah. Flash, voilà. Bon, venez de combat, t'as flash. Venez, conciliabule, venez, on se regarde tous dans les yeux. Venez, s'il vous plaît, je viens. Ouais, attends, okay, je suis prêt. T'es horrible, je m'y fais pas. Non, mais c'est faux, tu mens. Je suis juste ultra charismatique et c'est éblouissant, c'est tout, en fait. Ok, mais c'est vrai, j'avais mal vu, t'as raison. Putain, mais ta tenue est vraiment stylée, par contre. Hein. Bon. Ouais. Prochaine partie, prochaine session, on prend les ressources gratuites, d'accord? Et c'est tout, voilà, on discute pas. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ok, c'est validé. Voilà, donc s'il y a quelqu'un un truc à dire, parce qu'il va falloir qu'on se parle des fois, je pense. Maintenant, on vit nu dans les bois, ensemble, bon, à part toi du coup, il faut qu'on ait des conciliabules. Donc quand quelqu'un dit conciliabule, on est censé se regarder dans les yeux et écouter l'autre, c'est bon? Ok, je suis d'accord okay. Avec cette info. Ok, super. Attends, on fait un test? Ok, vas-y. Conciliabule. Ok, j'arrive, c'est bon. Les gars, on prend le coffre avec les ressources, prochaine session. Ok. Ok, c'est bon. J'ai envie de faire mais là, forceuse, du coup, attends, parce que là, la touche, là, si jamais, là, admettons, maintenant, tout de suite, je veux construire, c'est quoi la touche? En gros, il faut le marteau de construction, en fait. Okay. Dans la main, et après, tu fais tab. Wow. Ah, c'est où okay. Que je peux avoir un marteau, quelqu'un, c'est sur l'établi, il faut que t'en fasses un. Il faut que tu le fabriques. Ok. J'ai l'impression que j'allais un peu plus à l'aise avec ce genre de jeu là. Mais non, c'est juste que Trixie, elle avait trop se battre. Oui. Ouais, Trixie, j'ai l'impression que ça va pas être le cerveau du groupe. Oh. Ah ouais, direct comme ça. Si ça plus dans le non, sens moi, où. Moi, je suis. Genre, si elle joue à League of Legends, elle jouerait Garen quoi, tu vois. Mais pas du tout, je suis main ADC déjà pour commencer donc. Jure. Ouais. Tu joues qui? Je joue Miss Fortune. Ok, j'aime bien. Caitlyn. Ah non. Je joue Kai'Sa des fois aussi et Xayah. Que des meufs. Okay, ça va. Il y a 2 piques Lego et 2 piques cancer. T'es pardonné. Tu joues qui toi? Je suis au TP Chaco. Oh mais me parle pas de cancer. Tu es la lèpre. Non c'est faux. Je suis pas au TP. Je ne joue pas que Chaco. Oui d'accord. Oui. Je joue aussi Lilia. Let's go les trucs horribles. Anivia. Non Lilia. Oh, le puant de malade. Avec ta boule qui touche à l'autre bout de la map, là, envie de mourir. Oh, ok, là. Oui, comme dans la... Non, okay. Bref. Dush, tu t'en sors? Ouais, je suis en train de checker les construits. Bah top, allez, continue comme ça. Il faut que je fasse ça. Retrixie.
Oui, re. On parlait de ta gigaboule, c'est ça ? J'ai parlé de League of Legends pendant tout le live, hein, t'inquiète. Ok, ouais. T'es classé quoi ? Bah, je suis pas classé, mais de base, je suis gold. C'est pas ouf, hein. Bon, ça va, ça va. Ok, ok. Et toi ? Mais après, je vais te dire, comme tous les joueurs, mais je pense que je pourrais monter. Je suis une merde. Est-ce que vous jouez à Valo ou pas ? Non, je déteste. Moi ouais. Attends, ça me fait rire parce qu'on est vraiment en plus sur un jeu en train de parler de tous les autres jeux de la planète. Et les gars, mais sur Valo, vous vous régalez vous aussi, mais c'est un banger Valo. Bon, je vais farm moi pour construire mon truc. Mais attends, mais je vous entends plus et je vous vois plus bouger. Non, c'est parce que je rigole et comme j'ai un rire d'ogre, je m'éloigne de mon micro. Bon alors mais... excuse-moi parce que déjà je suis pas quelqu'un, j'ai 2 minutes de concentration max dans ma vie, il faut que je trouve le marteau. Bah faut pas qu'on joue ensemble hein. Toi aussi. Je suis le gars le plus dissipé de la planète je pense. Oui moi aussi. Genre j'ai vraiment à courir sur un champ de bataille et dire oh il y a un pétunia et je ramasse le pétunia et tout. Toi aussi tes mates ils te perdent tout le temps sur la map. Oh je chiale. Bon, mais allez. Attendez mais il s'est passé quoi? Pourquoi le sol il est fendu là? Merde j'ai fait deux marteaux, quelqu'un veut hein. Il y était déjà je crois. Qui a fait hein. ça? Non mais il y était déjà hein. T'es sûr? Là là? Attends, viens, attends. J'arrive. Mais c'est peut-être la délimitation du camp ça non? Non non non, normalement de mémoire on peut faire un truc, attends. Tu peux creuser mais je sais plus trop comment. Putain je me rappelle de rien. Avec une pelle peut-être? Comme ça là. Non non non, enfin il y a d'autres moyens. Peut-être qu'ils ont enlevé. Mais Dej, c'est toi qui a tout, détruit, non? Non, je viens de... Non, eh oh, m'accuse pas, je viens de faire ma pioche. Putain, Enshrouded, okay. Notre construction va ressembler à une grosse merde. Moi deux, mais regarde, y'a des galeries sous la... Non mais attends, qui a fait ça? C'est pas possible. Mais on a rien fait. Vas-y, c'est moi en fait, regarde. Et là, ici, c'est ma chambre. C'est stylé en vrai. Ouais, c'est moi, j'ai fait ça en scred pendant que vous parliez de LOL. Mais comment t'as fait? Il faut quoi? Il faut un marteau? Non, il faut une pioche. Et de mémoire, tu peux prendre l'outil de construction et faire genre un truc en mode clic droit ou je sais pas quoi, et ça supprime la forme que t'as dans la main de la... Je sais pas comment expliquer en fait, laissez tomber. Je me rappelle plus. En gros, si tu prends un escalier et tu vises le sol et tu fais clic droit, ça creuse la forme de l'escalier que t'as dans la main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, bon, bah, je vais faire mon aventure tout seul, moi. Salut. Attends. Non, mais en fait, je cherche la pioche. Attends, l'escalier, il est là. Ça se construit. Mais oui, justement, mais là, il y a le marteau, la bloc de pierre... Ah, mais il faut que je fasse des blocs. J'ai que le marteau, ah ouais. Moi. Je suis trop le démon, frère. Pourquoi j'ai pas le droit à une pioche? Bloc de bois... Appuie sur... Attends, mais putain, c'est où, déjà? H? Non. V. Ok, attends. Pioche en pierre, dans survie, tu peux faire direct. Moi, si tu veux, je peux t'en faire une et te la donner, là. Ah oui, je veux bien. Ok. Et je sais plus comment on donne. B... Oh! Il y a la musique de Madame... du fromage Madame Loïc. Oh, Madame Loïc. Et là, t'as dit si je fais clic droit. Oh merde, j'ai donné à Dejna. Dejna, tu peux me redonner ma pioche, s'il te plaît? Ouais. Attends. Et attends, les gars, je vous jure, la musique, on dirait la musique de Madame Loïc. Ah, moi, j'ai une musique genre plus d'un enterrement, tu vois. En fait, c'est peut-être pas Madame Loïc, ça. Je t'ai donné là, je crois. C'est quoi ce bruit? C'est moi, non? Ouais, c'est lui. Tu me l'as donné? Oui, c'est bon, merci. Mais attends, on pouvait creuser, je me rappelle plus. Plus de forme. Alt. Mais attends, venez, on se fait une cave à whisky. En vrai, c'est une bonne idée, mais on n'a pas de whisky. Bah, on ira en chercher plus tard. Ok, bonne idée. Bah... Donc, y'a du whisky dans le jeu ou pas? On va parler de League of Legends et de Valo, elle fait la promotion de l'alcool. Mais non, pas du tout, on peut faire une cave à champomie. En vrai, on peut se faire une cave à whisky et juste la regarder et pas boire le whisky qui est dedans. Hein. Mais c'est juste, mais tu vois, c'est pour le côté un Après, petit peu. On peut faire genre... du whisky sans alcool, ça a jamais été fait. Mais ouais, carrément. Parce que l'alcool, c'est... Pas cool. Voilà. Mauvais pour la santé. Là. Et putain, je peux pas creuser, moi. Attends, est-ce que je peux creuser, moi? Oui. Ah, c'était peut-être avec terrain. Rien, le chat. Mais attends, mais c'est incroyable qu'on puisse creuser oui, sur regarde, le sol. Regarde avec terrain. Tu vois? Non. Qu'est-ce que t'as fait? Genre là, avec clic droit, je peux creuser la forme de ce que j'ai pris dans la main. Oh! Comment tu fais, terrain? Bah, genre, tu fais Alt. T'as un truc qui va. Quand t'as le marteau dans la main, t'as un truc qui va s'afficher. Tu peux choisir tous les matériaux que tu veux. Et t'as une catégorie terrain.
Et en gros, tu peux prendre les formes que tu veux et modeler le terrain. Je peux plus sortir du trou que j'ai fait. Mais ah, c'est bon ça. Il fait pas son plus truc de terrain. Plus de formes, colonnes. Tu fais Alt. Ah là ouais. Et tu vois, mais... t'as ah, plein ouais, de choix. Terrain. T'as des choix de construction et t'as des choix de trucs. Mais okay. Comment? Mais tu vois ça où, Deuge? Il faut que t'aies ton marteau dans la main. Ouais, faut que t'aies oui, le marteau. Je l'ai dans la main, mon marteau, là. Ok, bah fais... là, fais... tu fais Tab. Ouais. Et non, après, alt. Tu fais Alt. Ah, c'est peut-être ça que j'ai mal fait. Et tu vois, t'as toutes les catégories. Ah ouais. Oh, that's so, so good. Et moi, okay, ça a construit, là, ça enlève pas. Bah si tu fais clic gauche, ça construit, clic droit, ça enlève. Genre, si tu veux faire un terrain avec une forme spéciale, tu peux en faisant comme ça. Et ça te donne en plus les matériaux, donc tu pourras reconstruire. C'est trop cool. Mais y'a pas de limite, je peux creuser à l'infini, c'est trop bien. Ah, mais c'est trop. Le jeu, c'est vraiment giga libre. Genre, vu que le but, c'est de mettre en avant les constructions, allez sur YouTube et regardez, genre, tapez meilleure construction Enshrouded, vous allez péter votre crâne. Bah, en fait, on est un peu comme des wombats maintenant. Les wombats de Porte de la Chapelle. Okay, c'est des petits animaux qui font des crottes carrées. Non, en vrai, ça a l'air vraiment, vraiment complet. Hein. Des animaux qui font des crottes. Je trouve que c'est un peu chaud à prendre en main. Par mais oui, tu connais pas, j'ai fait un diaporama dessus la dernière fois, tellement c'est intéressant. Non, les animaux pas, de quoi? Les wombats, c'est des animaux qui sont en voie de disparition, mais pas à cause des prédateurs naturels. C'est pas ceux qui font les crottes carrées. Oh putain, moi je pensais aux Wampa Loompa là, ou je sais pas quoi, les trucs de Charlie à chocolaterie. Ah, ah, ah. Le truc, oui, c'est pas eux qui font des caca carrés? Si, c'est eux, exact. Ok. Mais comment ça, il y a des trucs qui font des caca carrés? Oui, ils chiquent et ils chiquent deux fois par mois, donc du coup, quand ils font caca, c'est pour marquer leur territoire. Mais attends, faut que j'aille sur Google là. Mais va voir, tu vas voir. Et en plus, ils sont trop. Et regarde, après, tape bébé Womba. Les Womba, W-O-M-B-A-T. Ok, caca, Womba. Non, c'est pas comme ça, un Womba. Si, c'est ça. Ah ouais, ça chie des blocs carrés. Ouais. Mais attends, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Mais c'est et pas normal, mais pourquoi? Tape bébé Womba, tape bébé Womba. Mais pourquoi? Pourquoi ça fait ça leur caca? Oh, c'est trop mignon. Ah, oh, c'est trop chou. Ah non, c'est pas chou, hein, ça merde la pute. C'est trop chou, c'est trop chou. Pourquoi t'as vu celui qui est tout nu? Mais oui, mais c'est ça un bébé Womba, il a deux mois, genre deux mois celui-là, je crois. Ah, il y en a qui ont pas de poils, il y en a qui ont des poils. Ouais, mais les pas de poils, c'est les meilleurs, ils sont trop drôles. Oh la gueule, j'avais déjà vu cet animal en fait. Attends. Dans mon chat, on me dit, vous savez qu'il y a une espèce de tortue qui respire par son anus, c'est dingue. Oui, quand oui, même. Oui, c'est, ah. Vrai, c'est vrai, il y a des. Oh, Enshrouded, ils vont être trop contents. Je crois que nous mélanger tous les trois sur une OP, c'était pas une super idée. Ils ont mal fait le casting. Mais attends, parce que là, vous allez jusqu'où, là, avec votre grotte, là? Ils détruisent toute la map en parlant attends, des merdes attends, de attends, Womba. j'ai une idée. Venez, vraiment pour l'OP, genre, on fait une ville souterraine. Mais en vrai, Vistel, je suis trop chaud. Non, mais moi aussi, je trouve ça trop cool. Genre, un truc à la arcane, genre. Ouais. J'ai plein de. Je suis pas derrière sa mère, putain, on a tout détruit, y'a rien qui va, genre. C'est trop moche. C'est moche, sa mère, la pute. On a enculé toute la map. Après ça va, on a 12 heures pour tout faire, genre en vrai. On a 12 heures pour réparer nos conneries. Oh putain, je pleure de rire. Oh, ça oh putain. Moi j'ai une question, Ninka. Oui. Parce que mon cerveau il arrive pas à réfléchir. Tu vois, quand t'as le truc en main là, tu sais, ça te met genre 27 sur 3 ou. Ou ouais. 27 sur 4 ou 27 sur 2, c'est quoi l'échelle? C'est l'échelle, non, en gros c'est les matériaux que t'as dans ton inventaire. Ça va vous passer si un bon moment? Si tu mets un truc en pierre, ça va te dire combien t'as de pierres dans ton inventaire, tu vois, si tu veux les poser, ça va. Bon, venez, on part sur une vraie idée, s'il vous plaît. Bah moi la tanière de Womba j'aime bien. Oh ouais. Mais oh, en vrai devrait par contre faire une giga grotte hyper ouais, profonde et cool, tout ça, ça énorme et après tu fais tu sais t'aménages des trucs dans les alcoves et tout, c'est stylé hein. Ouais, ah, ouais je pense. Mais et déjà il faut faire un gros ça, en fait ça répond à aucune logique ce qu'on est en train de faire, c'est ça le vrai souci là. Comment ça? Mais regarde la gueule de notre truc. Oui mais après si il y a dans le caveau de c'est mort. Après, je veux ça se lisse en vrai. Oui. Alors, ouais, tu verras. C'est très, très cool de réparer les erreurs dans le jeu. Oh putain. Ah. C'est horrible, tu verras. Là, en gros, c'est mort cet endroit.
Il faut l'oublier. Ah ouais. Bah, c'est soit on l'oublie, soit on en fait quelque chose. Mais on peut pas remonter. Mais si, regarde par là, là où t'as pas de double saut, toi. Non. Oh putain. Bah, attends, non, tiens, ouais, fabriquer... tu peux remonter. Non, non, tu peux remonter. Tu fabriquer ouais. Les escaliers, attends. Ah mais si, regarde là. Tu dois pouvoir là. Peut-être pas en fait. Ah si, c'est bon, c'est bon. T'as vu ou pas? Oh putain, mais non. Pas les couilles, elle est où? Attends, mais je suis coincée dans le trou de mémoire là, putain. Mais... Attends, je vais me faire des escaliers, regarde. Vous avez des points de compétence ou pas encore? C'est encore plus moche. Comment on les gagne les points de compétence? C'est là où la sortie? Oui, la sortie. Bah, je pense que c'est à force de monter de niveau, etc. Bah je pense pas. Mais attends, mais c'était pas con ton truc de construire sous tes pieds là? Bah ouais, t'as vu? J'ai jamais pensé à faire ça en jeu. Hop, les. Ah si, j'en ai deux. Viens, on fait une tour de fou. Attends. Bûcheron. Oh, c'est quoi ça? Oh merde. Ça quoi? Y a un truc qui court, on dirait un dindon croisé avec un cochon d'Inde. C'est sûrement ça. Ah, ça fait de la viande. J'ai envie de commencer à construire quelque chose. Ah, je en vrai, de vrai, si on veut pas avoir problème de matériaux, faut construire en terre. Quand on casse le sol, ça nous en donne. Ça on a juste chaîne. À détruire un endroit. Ça rend comment mon truc? Ok. Au pire, là, on peut faire les bases et quand on aura pris le coffre boosté, on pourra rajouter. Oh mon dieu, on dirait un étron, un gros caca. T'as genre, vu mon c'est truc horrible. C'est stylé, hein? Tout le monde est venu voir le. Tout le monde est venu. On dirait vraiment un gros caca là. Caca. Tout le monde est venu voir le gros caca. putain. Mais j'étais mutée, tu m'as entendu non, dire ça. Je t'entendais pas raconter tes histoires de caca. Attends, par contre, vraiment, on peut faire. Vas-y, moi je commence à me construire un truc, j'y vais au feeling. Mais attendez, venez, on se trouve un lore d'équipe. Comme ça, on pourra faire un truc en rapport avec ça, tu vois. Parce que là, ça sert à quoi ce que tu fais? C'est genre une porte? Bah, ça, je sais pas, dans ça, tu m'en demandes trop là. En vrai, ça pourrait être une porte, ouais. Elle est belle, hein? Ah merde, j'ai plus celui-là. Ouais, attends, elle est grave vous belle. Voulez pas prendre deux secondes avec votre chat? Vous allez sur YouTube et vous tapez le plus belle construction enshrouded ou des trucs vas-y, comme ça. Vas-y, on va... comme et ça, on va taper encore pour plus voir à quel point on part de loin. Vas-y. Tiens, c'est incroyable. Je vais regarder ça avec ma commu. Attends, je vais montrer moi aussi sur mon chat. Plus belle construction enshrouded. Je crois que je vais partir en fou rire quand je vais voir ce qu'on fait nous à côté. Ah non, mais je te jure, vraiment, tu peux faire des trucs de fou. Hein. Oh, sa mère. Là, déjà, le truc, ça m'a dit château et tout. Oh, ouais, non, mais wow, attends. T'as mis wow, le premier truc. Tuto wow. Confort 65, je sais pas quoi. Non, moi, j'ai le New Flame Rise Castle Tower. Ouais, mais attends, le mec, il a reproduit le Japon carrément. C'est une dinguerie. Ah ouais. Attends, c'est quoi le nom de la vidéo? La vidéo, comme ça, elle regarde la même au moins. C'est les meilleures constructions sur Enshrouded mars 2024. Envoie le roi Louis Loïc. Construction sur Enshrouded mars 2024. Et le mec, roi c'est Louis. Roi Louis Loïc. Ouais, exactement. Ok, j'ai. Ok. Ah oui, oui, d'accord, il y a le Japon, ok. Oui, oui, il a fait le Japon, genre. Mais je lui, ça veut dire qu'il faut le pas prendre de douche. Hein. Oh. C'est une dinguerie. Attends, hop. Vas-y, moi aussi, je monte. Non, mais c'est un truc de fou. On est en train de faire des montagnes de caca, nous, pendant ce temps. Non, c'est une... Mais déjà, wow. Même son skin, frère. C'est... Non, mais c'est une folie, par contre. Vous voyez ou pas le mais cas? Ça, il l'a fait en survie ou il y a un mode, en ah mode non, non, vraiment en survie, créa tu peux tout faire en survie. Oh, c'est une dinguerie. Génial. Mon chat voit pas, du coup. J'ai oublié de mettre les... Wow, le temps japonais, le délire. Ah, c'est une sacrée dinguerie, hein. Ah, mais regardez. Gigantesque. Va à 3 minutes 20. Japonais, je sais pas quel endroit. À 3 minutes 20. Ouais, pose pas de questions. Clique à 3 minutes 20 et regarde ce qu'il a construit. Oh ouais, non, c'est une folie. Oh hein. La folie. Il a tout fait lui-même, hein. C'est un truc de fou en vrai. Mais ça doit prendre des heures et des heures. Ah ouais, ça doit fou, être hein. À abuser. Ah, moi je pense là, qu'il il allait pour 2 mois. 2 hein. Mois sans dormir et sans se doucher. Hein. Il faut le coffre mystère. Putain, mais c'est une folie en vrai. Mais ça donne trop envie de construire un vrai truc. Mais c'est trop stylé, ouais. Oh, relou, il doit puer la vache. Qu'est-ce qu'il doit falloir jouer pour faire ça? Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Après, quand t'es quelqu'un qui aime se poser et faire de la construction, genre, c'est incroyable. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas de logiciel, tu sais, à la Minecraft, là, j'ai oublié le nom du truc, mais en mode où ça te pose. Je sais pas, mais franchement, je pense pas. Hein. Je pense que c'est en survie. Mais attends, parce que nous, déjà, on galère à être.
symétrique en détruisant le sol et lui il fait tout en symétrie, c'est une folie. C'est trop beau, c'est trop, ouais, trop beau. Peut-être qu'il maîtrise mieux le truc aussi, tu vois. Respecter Roi-Louis. Eh, c'est un compliment d'être puant quand on aime les jeux vidéo. Clairement. Là, c'est tellement beau par contre. Mais vous avez vu le potentiel, vous attendiez à ça ou pas honnêtement? Non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Je m'attendais à un truc stylé, mais le Japon là, ça m'a mis une claque dans la tronche. Ah ouais, je t'avais dit, c'est vraiment un truc de fou, genre ce que tu peux faire. Ah, ça veut dire qu'on peut avoir un petit lac? Ouais, ouais, mais le truc c'est que nous, à côté, on va avoir l'équivalent d'une maison faite par un gamin de 8 ans sur Minecraft. Hein. Merde, je suis tombé dans le trou! Mais attends, mais même à 11h44, ça fait bon, je vais voir. Il met des photos et tout, je sais. Mais vous pensez qu'on a un bon terrain pour faire vraiment, ça là? C'est un truc de fou. Mais je pense que le terrain, tu l'améliores, tu sais, avec la flamme. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, la flamme, elle va agrandir ton terrain de plus en plus. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Oh, mais va à 13 minutes 30. Mais là, je suis à 12h30 déjà. À 13h30, c'est un truc. Non, mais le fou. Chat, en vrai, est-ce que le problème, c'est pas le terrain? Non, à 14, écoutez, à 14. Écoutez, j'ai changé d'avis. J'ai parlé avec mon chat, je pense que le problème, en fait, c'est le terrain, c'est pas nous, genre. Bah je pense aussi que ça vient du terrain. Oui, je pense. On peut pas enlever notre flamme là et la mettre ailleurs? Si, on peut la déplacer hein, la flamme. Go la déplacer, non? Bah ouais, vu qu'on a fait le gros caca, faut qu'on parte d'ici. Mais je sais plus si tu peux déplacer la première, et par contre, tu peux en construire plusieurs, des flammes. Ah bah venez, on en fait une autre alors, non? On peut. Parce que là, le gros caca, il est irrattrapable. Je me demande si... Je pense qu'il faut un certain niveau de flamme pour pouvoir en refaire une. Ouais, c'est okay, possible. Ouais. Moi j'ai une question, est-ce qu'on a... est-ce qu'on a le problème de penser à la bouffe et tout ou pas? Je me rappelle pas. Mais vous êtes en train de crever ou pas là? Non. Bon bah du coup j'imagine que non. Non, je crois pas, hein, je crois pas. Putain, pourtant je crois me rappeler qu'on mangeait dans le jeu. Bah vu qu'il y a des... Moi j'ai ramassé de la viande et tout, je me... Mais c'est peut-être la santé en fait. Ouais, ou peut-être que j'avais un truc à adapter en faisant le nouveau... à faire en faisant le nouveau mode et j'ai pas fait. C'est pas impossible aussi, je sais pas. Ah non, la bouffe c'est des bœufs, c'est ça, je viens de me rappeler, c'est exact, on me l'a dit dans le chat. Et mon Wings KFC il sert à quoi du coup? Ton? Mon Wings. C'est en gros, si c'est bon je me souviens, t'as trois trucs, t'as l'eau, la bouffe et un autre truc, je me rappelle plus, je crois que c'est les baies. Et en fait ça va te donner de la stamina. Ok, ouais. Genre le but c'est d'avoir tout le temps les trois de up, comme ça tu pourras courir plus longtemps. Parce que je sais pas si t'as remarqué mais selon moi, pour faire émettre une critique sur le jeu, la stamina c'est horrible. Et t'es tout le temps essoufflé ton perso. Ouais. Et en gros ça c'est pour éviter d'être tout le temps en train d'être essoufflé quoi. Ah ok, d'accord. Oh, je ramasse de la pierre un peu pour reconstruire mon truc en haut. J'ai entendu Roi Louis au loin, vous êtes en train de regarder le boss du game en build et il est adorable. C'est un des premiers que j'avais suivi sur Minecraft quand j'avais eu internet. Mais c'est pour ça que le truc ça me dit quelque chose, c'est un Minecrafter à la base le mec. Parce que son pseudo il me disait un truc. Il fait de l'asthme le perso, je te jure que c'est vrai. Ça je me rappelle, avec Focus ça nous rendait fous. Merde, j'étais mute, mais je disais, ouais, me lancer dans un jeu de construit comme ça, il y a un monde où, en dehors des heures de d'OP, je joue dessus. Hein. Bah tant mieux, hein, comme ça, t'auras tu pourras craft des trucs. Mais honnêtement, je pense que je vais me faire des petites soirées hors OP aussi, hein, je peux vous mentir. Il est trop bien, genre vraiment, franchement, il est trop bien, et puis quand tu fais les quêtes et tout, tu commences à avoir du stuff, c'est vraiment satisfaisant, genre. Bon, venez, dirais... Ah oui, mais je comprends que c'est satisfaisant parce que t'as envie de faire... toujours plus, etc. Genre, je vois typiquement le genre de jeu qui prend ton âme, genre. Mais moi, je serais vous, là, pour le début, en vrai de vrai, je ferais les quêtes. Genre, en là, mode, là, vous là, partez à deux, une heure, tu sais, façon de parler, mais au moment, vous revenez, vous avez compris les bases du jeu, vous avez un début de stuff et tout ça, peut-être que ça sera un peu plus sympa. Je sais pas. Tu veux pas venir avec nous? Bah, vraiment, comme vous voulez. Moi, en fait, j'en aurais profité pour farmer, pour nous remplir les coffres et qu'on puisse crafter des trucs après. Ok, donc on s'en fout du gros caca, on le laisse comme il est. Oui, 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 on s'en prend, on le déplacera, parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous faites la quête, vous allez augmenter de niveau, et si vous, vous augmentez le niveau, on va pouvoir mettre un deuxième hôtel, et du coup, on pourra se mettre ailleurs, à un endroit où on n'a pas tout niqué, quoi. Oh, vas-y, viens, on y va, comme ça, c'est fait, on fait la première chose. On pourra choisir un endroit qui nous plaît à tous, avec une belle vue ou quoi, pour crafter un vrai truc stylé. Est-ce qu'il y a un système de coffre et tout, juste pour qu'on pose nos trucs si... Tu peux en fabriquer, normalement, à l'établi. Et ouais, je sais, Audrey, qu'il y a des trucs que j'ai pas fait, mais c'est quand même plus late game. Lit, foyer,
plateau, bloc de toit, bloc de bois. Il y a un donjon facile que t'as pas fait, si jamais il est possible qu'avec les filles ça le fasse. Mais ouais, mais le truc c'est que du coup, je vais arriver dans le donjon et je vais les regarder quoi. Stockage, je suis aveugle ou quoi? C'est où le chat? Pourquoi vous mettez stockage? C'est à gauche, je crois, non? Bloc, survie, confort. Message de Maxime, l'OP est une catastrophe, arrêtez tout, c'est annulé. Non, survie? Il a vraiment dit ça ou pas? Mais non, imagine les gros branleurs. Ah, survie, stockage, ok. Ah ouais, c'est là. Ah, je suis mort. Mais merde, je vais voir jusqu'à où on peut creuser. T'as trouvé, toi, pour faire les coffres? J'ai pas vu où c'était. Bah ouais, mais il me faut de la ficelle. En vrai, les gars, vous vous rendez compte à quel point tu peux aller loin? J'ai fait un trou, mais laisse tomber, là. Attends, mais je suis bête ou quoi? Ah non, mais c'est là. Ah, là, je suis à la bedrock, là. Ficelle. Et je crois que je peux aller plus profond après en améliorant le truc. Du coup, établi. Bizarre, mais bon. Là, 80 pierres, je pense que je vais avoir assez pour construire. Ouais, mon perso, il court, on dirait qu'il... Il y a un Discord avec des gens qui jouent, je sais pas du tout. La marque, elle vous a parlé d'un Discord Enshrouded ou pas? Non. En non. Vrai, il y a des Discords pour tout. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Ouais, c'est sûr, je pense. Là, il y a un camp, peut-être que je peux voler là-bas, attends. Ok, moi je pose. Ensemble en suivant une quête, là, du coup? Non, pas encore. Moi, là, juste, je pose tout ce que j'ai dans un coffre. Journal du capitaine. Les pillards nous ont assiégés ces deux derniers jours. Ah, ok, d'accord. C'est donc quelqu'un qui est mort, c'est un recueil. Là, j'ai ramassé vraiment beaucoup, je pense. Par contre, pour remonter, c'est l'enfer. Hein. Là, les filles qui ont pas de double saut, elles tombent dans le truc, c'est fini pour toujours. Hein. Attends, t'es où, Trix? Je t'attends, chérie, viens voir. Mais comment je Mais monte? Je sais pas où t'es. Je suis... je sais pas où je suis. Ah oui, t'es en face, t'es là-bas. Attends, j'arrive. Je cours. Vous êtes allé vers la brume et tout? Je sais pas. Ouais, pas où elle est partie. T'inquiète. Ouais, t'inquiète, je suis vers la brume, là. T'es morte? Non, non, je t'attends, tu vas voir. Putain, j'ai envie de venir voir du coup, mais je suis bloqué. J'ai déjà plus d'endurance, putain. T'as vu l'endurance? Ouais, l'endurance par contre, et on peut l'améliorer du coup. Bah en mangeant des trucs. Mais tu seras jamais satisfaite, hein. Nous, c'était le truc, on râlait tous les lives 50 fois. Ça bosse, ça bosse dur. Merde. Comment t'as fait? Je sais même pas, je sais pas me relever, je suis coincée. Mais ton perso, on dirait vraiment. Mais je suis bloqué, bordel de merde. Il y a vraiment un Kinator. Ok, c'est bon. Attends, là j'en ai un là. Mais comment t'as fait? Je peux même pas non plus là. Bah, je crois que t'appuies sur E. On est quelque part. Je sais pas. Attends, je vais essayer de venir à vous. Sur la map, je vois les petits bonhommes. Au début, c'est avec l'eau. Il faut boire de l'eau, on me dit dans l'oreillette. Attends, j'essaie de me lever. Vas-y. Ah ouais, mais l'autre lit, en fait, je peux pas. T'es bloqué dans le. Oh non, j'ai volé trop loin. Attends, où es-tu sur la map? Ah oui, t'es un peu loin là. Oh ouais, j'ai plané un peu plus loin que prévu là. Merde. Mais après, au pire. Ouais, non, j'allais dire une idée vraiment de merde. Oh, ils ont pas patché. Ok, il faut que vous débloquiez dans votre arbre. Est-ce que vous avez des points de compétence ou pas encore? Moi j'en ai deux. Ok, il faut absolument prendre le double saut. C'est genre vraiment indispensable. C'est dans athlète? J'essaie de me rappeler où c'est, je regarde. Je là. Le vois, je dois le être vois. Dans athlète, je pense. Ok, hein. Non, c'est dans survivant et c'est ah, le troisième double truc. Saut, là, ouais. Donc il faut prendre résistance du coup. Ok, ouais, on branche athlète ou survivant, peu importe. T'as résistance, coureur et après t'as double saut. Il vous faut les trois, c'est indispensable. Ok. Parce que le double saut, tu peux glitch en gros contre les parois. Genre, tu peux escalader les montagnes avec le double saut, c'est oh, broken. Mais après, ça coûte cher en fait. Après, il t'en faut deux. Là, salut mon beau bidet. Même là. Vous pouvez pas continuer. Ça bosse. Qu'est-ce que tu branles? Je suis une estrasse. Dis-toi, elle est payée à faire ça, les gens là. Hein. C'est lunaire en vrai. Attends, viens, Trix, viens, on traverse la brume là. Eh oh, c'est mon plumard. Vas-y, prends ton oui, plumard. Oui, la brume. C'est par là, c'est par là. Vas-y, je vais faire la première non. quête avec vous. Il faut, enfin, que, ça, il faut que je fasse un effort de concentration, c'est parti. Trouver le survivant endormi et améliorer la flamme. Moi, tout à l'heure, j'étais vraiment pas loin, je me suis fait péter la gueule, quoi. Oh, il y a un gourdin. Non, c'est une torche, c'est bon, ok. Voilà. Vous avez vu sur la map ou pas? On doit aller là. Je vais mettre un marqueur. C'est le ping point d'exclamation orange? Ouais, j'imagine. Du coup, la quête là, c'est aller là-bas pour récupérer c'est un mec. Raison, et je crois de mémoire que c'est le maçon ou et je sais pas quoi. Et les bien évidemment. Et c'est genre un gars qui va te donner des trucs à craquer. Non, forgeron. Ah ouais, il nous spoil super.
Mais c'est marqué sur la quête. Non, c'est mais nous, il s'appelle l'endormi. Oui, mais c'est ce qu'on a pas lu le journal, c'est pour ça. Ah merde. Oh putain, t'as une étincelle qui est sortie de ton boulard et qui a volé dans le ciel, ça veut dire quoi, Lanka? T'as dit quoi, pardon, je t'ai mute. Ça veut dire quoi quand on a une étincelle rouge qui sort du boulard et qui s'envole dans le ciel? C'est super bon signe, en gros, c'est comme dans la vraie vie. Ah, super. Je sais pas, en vrai, au moment où tu l'as dit, moi j'en ai une qui est sortie de mon cul aussi, mais je sais pas ce que c'est. Je me rappelle plus. Quelqu'un se rappelle, chat? Attends, je sais pas si c'est par là. Si, c'est par là. L'espèce d'étincelle qui nous sort du fion là, ce que c'est? Ouais, tranquille, Seigneur, tranquille. J'ai l'impression que mon étincelle. Ah, mais c'est un méchant ça! Mais putain, toi, c'est vrai que t'as une arme qui claque de fou, ah, toi. Ah, c'est quand tu découvres une zone! Ouais. Ah, y'a du loot pour deux sur un corps? Je sais pas, ça t'a donné du loot? Oui, et toi? Ouais, mais moi j'ai appuyé, donc je sais pas. Je crois que tout le monde peut récupérer le loot, mais je suis pas sûr. Oh, trop okay. Bien! Ah! Je l'ai vu en direct. Il s'est pris le pied dans un piège à ours. Ok, du coup, faut aller là-haut. GG, Tom, en tout cas. Et là, regarde, attends. Le double saut, là, quand vous le débloquez, en gros, tu peux... C'est le Gentori. Glitcher comme ça. Non, pardon. Je sais pas si là, ça va marcher. Junotori. Ah, bravo. Ça marche pas sur celui-là. Bravo, bravo, Linka. Montrer des glitches du jeu. Tu peux monter les montagnes en trichant. Il a fait quoi? J'ai pas vu. Il a voulu glitcher en live. J'ai voulu glitcher, mais ça a pas marché. J'ai pas flop. En plus, il a flop, ouais. Attends, c'est les capsules dans lesquelles on est arrivé. Nous ne sommes qu'humains après tout. Ça semble, tiens, l'humain je il vais est mourir. En train de prendre cher là. Fais gaffe, y'en a un autre qui arrive. Oh, tu peux fuir les ennemis en te cachant? Ok. Ah, ça va. J'ai jamais testé. Pas une fois. Je vais essayer de me rappeler les zones. Mais les gars, pourquoi ma map elle est découverte comme ça? En gros, quand tu fais une nouvelle aventure, t'as toujours la même, tu gardes la map. Vous êtes beaucoup, vous faites quoi en même temps le chat là pendant que nous on joue? C'est quoi vos petites activités là, dites-moi tout. Parce que là, moi j'ai l'impression que j'ai des trucs, je suis pas censé les avoir quoi. Ouais, tu gardes, ok, c'est pour ça. J'ai trouvé une bombe. C'est super bonne nouvelle. Ça me rend très heureuse personnellement. Ouais, du coup, il est là le mec. Ah, mais putain, je croyais que c'était quelqu'un, l'un d'entre vous. Je bouffe des chips, Aram, des cibles. Ah, ouais, toi, tu les. Tu fais tout shot. Ouais, c'est en trop fait, fort. Ouais, vous jouez en même temps, quoi. Trop chill. Et là, du coup, je pense que vous avez une cinématique ou un truc si vous activez ça, j'imagine. Je me rappelle plus. C'est quoi qu'on doit activer? Je préfère vous laisser le faire au cas où. Attends, la musique d'Harry Potter quand j'ai lu le truc. Pourquoi il y a un homme nu, enfin un homme avec des gros pecs, genre on dirait Zeus, comme ça, qui est apparu? Mais moi, je le vois pas. Il est où? Non, mais j'ai eu une notif aussi, ouais. Ah oui, putain, il était ouais, sexy. Tu vois, c'est maintenant mec, on a de nouveaux éléments de craft. Et là, quand tu retournes chez nous, bah il est là-bas. On peut se marier dans le jeu? Je sais pas pourquoi tu veux te marier avec le forgeron. Oui. Je sais pas s'il voudra toi avec ta gueule, hein. Bon. Mais. Ok, je boude, c'est bon. Allez. Ça va, ah ouais, ça va. Artisan, t'as ton charme, il est là, t'as ton forgeron. Charme. T'es un genre de Barthès d'Artagnan. Ah ouais, pas placé. Akinata. Bon, putain, moi, j'arrive pas à te complimenter, démerde-toi. J'arrive pas à te complimenter, t'es trop horrible. Et du coup, on retourne à la base ou pas là? Bah, regarde tes quêtes. C'est invoquer le survivant. Là, t'as trouvé le survivant endormi. Il faut que vous avez récupéré le survivant. Placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation. Voilà. Donc, faut que t'ailles dans la base. Mais on n'a pas eu de baguette. Donc, tu peux faire. On n'a pas eu de baguette. Maison 1, tu cliques et on doit pouvoir la craft, tu imagines. Je vais vérifier ça pour vous. Merci KLH pour ton prime, bienvenue à toi, merci beaucoup. Baguette, marteau de construction, échafaudage, toiture, fabrication manuelle. Ouais, vous l'avez. Dans fabrication manuelle, baguette d'invocation. C'est le quatrième truc. Alors, fabrication manuelle. Brindille. Par contre, ceux qui s'y connaissent dans le chat, où est-ce que je peux choper un meilleur casque? Mon casque, il est trop moche, j'ai envie d'avoir mieux. Comment on a les brindilles déjà? Je pense que c'est juste... C'est en tapant des buissons. Bâton d'invocation, et il faut de la résine et de l'os, c'est ça? Non, moi ça m'a mis... Ah, mais putain, ça serait... Ça m'a mis brindilles. Dans les zones plus HL. Tu sais me dire où, Audrey? De mémoire, c'était vers là-bas, mais je suis pas sûr. Je vais y retourner. Non, je suis bourré en fait. Brindilles. Je peux t'en faire une si tu veux une baguette. Je vais me faire un meilleur stuff. Bah t'inquiète, là j'ai récolté juste à j'en côté. J'en ai deux, c'est toujours mieux deux que une. Temple soleil. Hop. J'attends voir où c'est, tout en bas. Qu'est-ce à que droite. Que j'ai mangé là? Ok, nickel, je vais aller là-bas. Merci Castag pour les 22 mois. Comment j'invoque?
Ça vous fait chier si je pars faire un truc pendant que vous faites les premières quêtes ou pas? Non, non, t'inquiète. Vas-y. Là, j'essaie de comprendre comment invoquer quelqu'un. Je pense pas que j'en ai pour trop longtemps, je vais voir. Ça fait peur. Comment on l'a... C'est bon, on l'a posé le bug là? Ah, je l'ai là. Survivant actuel. Là, je le pose là. Regarde, il est là, il est là. Et pourquoi moi j'ai pas réussi à le poser? Fallait que tu prennes ta baguette dans la main. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et après, t'as marqué, t'as préparé la baguette d'invocation. C'est vrai que... Regarde, il y en a deux. Attends, ça se trouve, tu peux... Ah non, tu l'as juste... Tu l'as juste déplacé. Putain, c'est notre sugar daddy à toutes les deux. Après, il a pas l'air bien riche. Hein. Il est un peu aveugle en plus. Je crois qu'on peut pas. Merci Kix. Ah ouais, on peut pas passer la nuit? Bah, tu peux quand t'as un lit, mais vu qu'on a pas de lit, je suis pas certain. Regardez, dans notre couple, on a quelqu'un d'autre, maintenant. Qui est-ce? Lui, le forgeron. C'est vrai que par contre, il tu peux en avoir plein, hein. Quand t'ouvres ton truc, là, ils disent le nombre. Ah, putain, je vais avoir... Quand t'ouvres ta map, ou je sais plus quoi. Le problème, c'est que mon inventaire, il est blindé, là. Mais comment on voit l'inventaire? Parce que quand je fais I, je l'ai pas. Artina, sac à dos, ah si. Ouais, tu l'as. Sac à dos, c'est B, du coup. Attends, du coup, je enfin, moi, c'est B. Il y a marqué, c'est les raccourcis en haut. Ouais. Oh, quel bâtard. Mais dit que j'étais faible et flamme sur moi. T'as quoi sur toi? Un hôtel de la flamme, ça veut dire que je peux déjà nous définir un autre endroit, je pense. Oh, c'est fini, le gros caca, let's gong. Faut juste tout récupérer, du coup, là. Dush, tu te rappelles comment t'as fait un coffre ou pas? Dans stockage. Attends, faut récupérer ce qu'on a là du coup, non? Vu que t'es un nouveau serveur, pas sûr que tu puisses y aller avec la brume rouge. Ah oui, merde. Comment fallait faire pour passer la brume rouge, Audrey, déjà? Je me rappelle pas. Mais je le vois pas sur l'établi. Ah si, stockage. Okay, mais comment on a du cœur de brume là? En tuant des mobs. Ok. Le cœur de brume. Ah oui, avec c'est de la résine, des os, la brume. Oh, mais attendez. Attends, est-ce que si je quitte le serveur, vous êtes déconnecté ou pas, vous pensez? Ah, oh, j'espère pas. Ah, oh, je sais pas. J'ai rien de pensé. Ma test. Vous faites rien? Non, je suis en train de ranger mes trucs. Ah ouais, ouais, on est déco. Ouais, on est déco. Oh non, c'est trop dommage. Pourquoi? Ouais, j'ai pas pensé. À l'animousse. Parce que vu que je suis avancé de baiser sur le truc, je me suis dit je vais sur mon machin et je vais récupérer mes Ah, et c'est pour ça que t'as dit qu'il allait pas mettre de... Oui, on joue ce soir, les amis. Mais ouais, je pensais que vous alliez pouvoir continuer à jouer. Moi, je pouvais faire des allers-retours sur les serveurs, c'est pour revenir à l'enfant. Là, on fait un multi et après, go. Celui qui host doit être là, ouais. Ok, bon bah du coup, je refais... Je sais pas si vous pouvez rejoindre direct ou si je dois vous réinviter. Moi, si tu... Normalement, je peux. Attends, je te dis. Faut petit à petit, la flamme doit faire réfléchir. Et est-ce que je peux pas voler par-dessus, Audrey? Non, c'est bon, on peut se reco parce que du coup, on l'a dans nos premiers serveurs, tu sais. Le dernier qu'on a fait. Donc là, j'ai rien à faire? Non. Non, puis même en ami, tu peux mettre rejoindre la partie. Ok. En vrai, mon gros caca, elle a bien avancé. Après, s'il fait un nouveau perso, il peut transférer des trucs d'un de ses persos à un autre. Ah! Ouais, mais ça n'empêche que du coup... C'est un peu chiant, non? Quand même le cerf, ouais. Un gros caca bien tassé. Puis du coup, faut refaire ou je referai en off, je sais pas. Mais peut-être qu'en off, je ferai un petit aller-retour. T'as vu, j'ai fait un trône, genre comme dans Game of Thrones. Il est où, ton trône? Bah là, où tu me poses ta pierre sur moi, c'est mon trône, ça. Ah oui, il est top, ton trône. Bah ouais, il est lourd, en tout cas, GG. À la base, je voulais faire des boules. Mais tu vois, j'ai voulu faire une mauvaise blague et après je me suis rappelé qu'on était en OP et j'ai fait un trône du coup. Bah je pense, en vrai de vrai. Tu penses que là, que quand on fait une OP, si on fait un zizi, après c'est fini? Non, mais non, c'est la base de tout, c'est la base de l'humain, genre. En vrai, je pense que ça dépend vraiment. Ah bah ils ont dit qu'on pouvait construire ce qu'on voulait, hein. Moi je l'ai dit. Ouais, voilà, oui, c'est vrai, écoutez. Voilà, c'est dans le brief, voilà, moi je vais faire une maison en bite. Ok, c'est parti. Après, on tourne un film de boules allemand. Genre. Non, mais tu vas trop loin, tu sais. Pas de lopé. Putain, bon, attends. Bah, vas-y, je vais poser mon loot par terre. Tant pis, s'il n'y a pas de coffre, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Non, en vrai, les gars, vous pensez que j'ai un humour trop trash? Peut-être que je devrais arrêter ce que. Ah, ou quoique, en fait, j'ai besoin de. Par contre, je trouve que Linka et moi, on a le même humour. Tu peux rien jeter?
Merci Arken, c'est trop gentil. Ça fait peur les bruits là. Attends. Pourquoi tu rigoles? Je vais rigoler aussi. En fait, je trouvais pas de coffre, du coup, je suis en train de te donner toutes mes merdes. Oh le bâtard! Mais après, je suis la craquette, moi je suis là pour ça. Bah tiens, ça fait ton plaisir. C'est mes trésors, genre. Ah merci, c'est très gentil. Attends, c'est quoi? Je vais te donner un truc stylé par contre. Ah ouais? Regarde. Oh, mais là, je peux cuisiner. Mais okay. Attends, mais je l'ai pas équipé sur moi ça. Non, t'en 82, 82. Attends, je crois que j'ai un cadeau. Mais il faut en faire quoi de ça? Je fais quoi avec? Je sais pas. Je peux rien faire de ton truc. Attends, par contre, j'ai un vrai cadeau, je crois. Oh! Tu peux le mettre ou pas, ce que je t'ai donné? Je vais voir, attends. Let's go! T'as un flot de fou! Oui, merci. Tu te vois ou pas? Bonus de dégâts magiques. Putain, mais regarde, je suis passé genre de... Putain, mais là, t'as quitté Porte de la Chapelle, là. Non, mais là, je suis plus à Porte de la Chapelle. Là, maintenant, je fais du Diabolo, genre à Place de la Bastille. Oh! Waouh, attends, mais... Pourquoi les gens qui font Diabolo, ils sont tout le temps chauves? Je sais pas, mais c'est très drôle. Deuge d'aller tout le temps. Mais t'es ouais. Où, Deuge? Bah, moi, je découvre. Bon, je vais vous trouver du stuff. Je fais mon plan pendant ce temps, moi. Est-ce que si je viens, je vais prendre de l'XP avec toi ou pas? Tu peux même pas me suivre, je pense. Bon, vas-y. Tu fais quoi, Deuge? Viens, là, si je veux, mais, me bats dans la brume. Moi, je sais voler, quoi. Ok. Bah, vas-y, moi, je te suis et au pire, je t'attends. Ok, parfait. Parce que je sais pas quoi faire. Fin de l'aventure. Bah, suivez les quêtes. Ah, mais oui, mais non, t'as raison, je peux pas te suivre dans le vide, là. Ah oui, ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, vous devriez suivre les quêtes. Ah, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est juste qu'en fait, pour renforcer la flamme, il faut des trucs... Non, je suis coincée. Oh non, tu... J'ai voulu te suivre, je suis coincée, ça veut dire que là, je vais perdre ma tenue stylée et tout. Ah bah là, c'est... Il faut que tu puisses aller la récupérer après, quoi. Sinon, c'est vraiment... J'ai gâché, quoi. Mais t'es sûr, parce que tout à l'heure, j'ai pas perdu, moi, mon stuff, hein, mon épée et tout, quand je suis mort. Je peux pas construire. Ah bon? Ouais. Je me rappelle plus. Tiens, on perd son stuff quand on crève ou pas? Je me rappelle plus. Oui. Je peux pas construire le chat parce que je suis pas dans la zone de construction. Fais un voyage rapide. Oh putain. Ah, oh, je m'envole. Non, pas le stuff, certains items. Ah oui, ça me dit un truc. En mode, tu perds une partie de ton stuff. Ok. Ça te divise tes piles et tout, je crois. Ça me dit quelque chose. Là, il y a une tour et je crois que quand je vais dedans, après, vous pouvez vous y téléporter. Donc c'est limite pas mal parce que pendant que vous faites les petites quêtes, je peux vous débloquer un peu la map et tout, ça sera plus facile d'avancer. Vu qu'on a pas tout le temps du monde avec l'OP. Attends. Ça peut être pas mal. Et t'as vu Audrey, je peux voler par-dessus les zones polluées en fait là, donc y'a peut-être moyen que j'arrive à gratter. Comment on renforce la flamme? Bah, je crois que quand tu vas à la flamme et que tu interagis avec, tu peux faire des trucs. T'as des choix. Ils veulent qu'on la renforce. Normalement, tu devrais pouvoir faire un truc. Ouais, mais pour la renforcer, c'est ce que je disais, il nous faut des trucs de dingue. Genre ouais, en mode, bah, il nous faut du liquide de brume et tout. Ouais, mais c'est pas dur à voir, hein. C'est vraiment en battant juste en battant des monstres. Bah, vas-y. En battant des monstres, moi j'ai pas eu ça, j'ai eu. Bah, il faut que t'en battes plusieurs, c'est tous de brume. Pas le même loot et tout. Vas-y, on va se battre là, j'arrive. Mais normalement, si vous de mémoire, c'était assez bien fait l'évolution du jeu. Si vous suivez les quêtes, vous devriez trouver vos trucs, quoi. Non, vous me dérangez pas, le chat. Écoutez, okay, moi, je partage tout avec vous. Pour vous débloquer un endroit pour vous téléporter par la suite, c'est tout. Non, de construire, enfin, de construire. Non, non, c'est très bizarre dit comme ça, mais vous avez compris, quoi. Ok, j'essaie de me rappeler comment ça fonctionne, ça. On sait qu'il y a certains youtubeurs et streamers qui veulent trop partager avec leur commu, vous voyez ce que je veux dire. C'était pas... Je vais me taire, je m'enfonce. Ah. De ce que vous voyez, vous aimez bien le jeu pour le moment ou... Ah ouais, non, la brume liquide. La brume liquide, en fait, c'est des trucs à ramasser dans la brume. Voilà, j'en ai trouvé. Non, honnêtement, j'aime trop. J'avais oublié que c'était comme ça, ok. Ah, c'est des grosses boules. C'est le genre de jeu, tu vas pas le temps passer, il y a trop de trucs. Ouais. Ah, t'as des trucs à faire vraiment tout le temps, quoi.
Je vais vous prendre du loot, même si c'est de la merde. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en vrai, t'inquiète, hein, pour le loot, l'Inca, moi c'est ce que je disais à mon chat, je pense que en matinale, sur mes heures de stream et tout, je pense que je jouerai en... Enfin, parce que tu m'as dit comme quoi tu gardais le même perso, donc je pense que du coup, tu peux faire une aventure où tu tryhard un peu, quoi, si tu veux. Ouais, ouais, moi je pense que je vais faire ça. Ok, ok. Et comme ça, là, sur les heures où nous, on se retrouve, bah, je le fais en mode... Je suis embrumé. Allez, embrumé, bah, il faut que tu trouves, tu sais, la lumière rouge, là, tu te rappelles? C'est bon. Oh, tu m'as sauvé deux, je suis comme une super héroïne. T'as vu? J'allais me faire être sur ma POV, c'était trop stylé. Et j'allais me faire défoncer. Super héroïne, elle a dit. Attends, mais écoute, j'étais en train de toucher une lanterne, là, je suis en train de la... J'ai invoqué un génie, tu vois. Et là, il y a un monstre qui allait me défoncer, et deux, j'allais arriver dans ma POV. Ouais. Non, mais là, ça, c'est clip et tout, là, on peut faire un mini-film. Comme ça, deux gens. Ah ouais. Attends, parce que du coup, j'ai ramassé un anneau, genre, je sais pas quoi. Deux, c'est quand qu'on va manger au Mugs? Je sais pas, mais moi, je t'attends toujours pour le ramen. Oui, j'avoue. C'est que maintenant, oh, vous aimez les ramen ou pas tous les deux à fond genre? J'adore moi. Eh, moi aussi c'est mon plat préféré. Et là maintenant, je sais pas si vous connaissez Gaijin Lab. Non. Bah en gros, bah t'as déjà goûté Kodaware et tout je suppose du coup. Ouais, j'y suis déjà allé. Ouais, Menkishi et tout tu connais. Et bah je trouve que c'est rare de trouver un grave bon ramen. Et eux, ils livrent maintenant mais dans toute la France genre. Donc tu peux tout récup. Et tu te fais livrer genre comme Chrono Fresh, tu vois, avec Chrono Fresh, et tu récupères des bons ramen en kit, trop bons de ouf chez toi. Ok. Ah, genre, t'as juste mais il y a un truc comme ça avec avec de la poutine aussi. Ah ouais? Ouais. Mais ouais, meuf, dire, ça doit arriver tout mou, tout dégueulasse, mais en fait c'est tout mou de base. Faut vraiment que je t'emmène à Ico Ramen parce que. Et putain, je comprends pas. Pour moi, je préfère Ico Ramen à Kodawari. Ah ouais. En fait, je préfère les nouilles de. Mais bon, après, c'est les goûts de chacun, tu vois. Ouais, ouais. Kodawari, ils ont une version poisson, je suis jamais allé. Ah bah nous, moi, j'ai jamais fait la version... ah bah moi, c'est celle que j'ai fait le plus, c'est ma préférée, la poisson. Putain, j'en ai trop testé, jamais fait, moi. J'ai fait Kodawari. Poulet, ouais. Moi, j'ai fait Kodawari avant la hype, oui, je peux le dire. Mais moi aussi, ouais, je peux le dire, ouais. Voilà, dire. Bah on est des puristes. Les gens horribles. Le mec, il a besoin de préciser, genre... Les prouveurs de ramen, ça n'existe pas, en plus. Non, en vrai, je te dis, ce poisson, le bouillon, il est un peu plus épais, tu vois, c'est plus des bouillons paillettes et le dorade, il est exquis et le sardine bombe, incroyable aussi. Non, mais c'est sûr, ouais, c'est incroyable, il faut absolument que je teste. Moi, j'adore les bouillons bien épais, bien gras, là. Ouais, moi aussi, c'est ce que je préfère, là. Et ouais. Bah, tu vois, à Nice, j'en ai testé deux, du coup, et celui avec le bouillon épais, j'ai pas trop kiffé. Ah ouais, les paillettes, c'est les meilleurs, pourtant. Bah, je te ferai goûter les deux et tu me diras. Vas-y. Après, je te dis ça, mais je pense que ça dépend aussi potentiellement. Ça dépend potentiellement. Ça dépend des nouilles et tout, moi, je trouve aussi. Ouais, je suis d'accord. La conf de fou. Oh, bah ça va. On va parler pierre et terre, là, si tu veux. Ça va, c'est juste, ça me fait rire. Frère, on est là 3 heures ensemble, là, pendant 2 fois par semaine. Il y a un moment où, oui, on va parler d'autre chose que du jeu. Je sais. Désolé, ça me fait rire. Quand je suis en train de farmer, pour l'instant, on parle de nouilles. T'as des bonnes nouilles, là. Bah, désolé d'être humain. Oh, j'ai trop faim maintenant à cause de vous. Ouais, moi aussi. C'est vrai que je me ferais bien ramen, moi aussi, là, ça m'a un peu donné envie. Ah ouais, putain. J'avais oublié la suite. Mais toi, t'as quitté le sud, donc parle pas avec nous. Je vais revenir si le sud veut bien de moi un jour. T'es où maintenant? Je cherche de fou, je suis à Angers, moi. Eh, hey, Angers, apparemment, c'est bien, mais c'est aussi à chier en même temps. C'est genre un mélange. Moi, franchement, en vrai de vrai, ça ressort tout le temps. Tous les Angevins, ils sont en mode on a la meilleure ville du monde. Tous les trucs du monde, c'est. Enfin, tous les trucs, c'est en mode la ville de France où il fait bon vivre et tout. Ça fait 3 ans que j'y suis, moi j'aime pas plus que ça quoi, honnêtement. Mais ça c'est comme Montpellier. Genre les gens de Montpellier sont tous en mode ouais Montpellier c'est trop bien et tout. Mais ça c'est un truc de streamer en fait, c'est parce que les streamers ils sortent pas. Et du coup pour des gens tu sais qui aiment bien sortir genre faire des trucs et bah... Des randos et tout, bah le sud-est c'est imbattable hein. Ouais mais Montpellier c'est vraiment naze apparemment. Pour les randos et tout c'est incroyable hein. Ouais, enfin, bah moi genre j'ai des potes qui sont nés à Montpellier et en fait j'ai l'impression que tous les gens qui sont nés vers là-bas tu vois ils détestent Montpellier. Ah bon? Ouais, les seuls bons avis que j'ai eu des gens de Montpellier, c'est des gens du stream. Genre des gros geeks qui restent chez eux, tu sais. Ok. Bah, en vrai, Montpellier, moi, je sais pas. Tout le monde dit que c'est. Par exemple, moi, je viens de Paris de base. Donc, c'est vrai que des fois, le sud sans voiture, j'ai vraiment du mal à vivre, hein, je peux pas vous mentir. Sans bagnole, c'est dur. Hein, mais toi, ouais, j'avoue que toi. Ouais. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu quittes Paris pour venir à Saint-Raphaël, honnêtement. Oh non. Des fois, c'est un peu dur.
Ouais, mais c'est un rave aussi, meuf. Si t'es à Nice, tu vois, c'est différent. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu passes le permis. Hein. Ouais, mais là, ouais, j'ai plus le choix. Il faut que j'arrête de repousser, je crois. Mais ouais, de toute façon, en fait, une fois que t'as connu le sud-est, en vrai de vrai, vivre n'importe où ailleurs, c'est pas possible. Pourquoi je peux pas faire de voyage rapide où je suis? Genre, quand t'habites vers Cannes et tout, c'est juste la meilleure région qui existe de la planète, y'a tout. Tu sais que j'ai détesté Cannes. Ouais, Cannes, moi j'aime pas non plus. Mais les alentours, c'est impossible de pas aimer. Ouais, Cannes, c'est un peu de la merde par rapport à tout ce qu'il y a autour en fait. En fait, je vais vous dire ce que vous voulez. Est-ce que je peux parler cash ou pas? Ouais, tu peux, vas-y, dis les termes. En fait, Cannes, quand tu viens de Paname, on te le vend comme un lieu incroyable. Et quand t'arrives, là déjà, la gare, elle sent le prout de fou. T'as des clodos partout. Bah mais après, c'est pas de la gare, ça compte après, pas. Après, ça, ouais, c'est toutes les gares. Ouais. Non, mais même quand tu sors de la gare, c'est moche. T'as l'impression que t'es à Gare du Nord, c'est dégueulasse. T'as des gens, ils craquaient de là, c'est horrible. Et là, t'avances. Et d'un coup, tu vois Marcel avec sa Lamborghini qui regarde sa montre. Et je trouve c'est vrai que Cannes, ça n'a aucun sens. Mais oui, et je trouve que le décalage, il est limite dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais Cannes, c'est vraiment du m'as-tu vu en fait, ça le truc. Oui, de baiser. Mais moi, je comprends pas trop la hype autour de Cannes quand autour, tu vois. T'as des villes genre Antibes, etc., tu vois, qui sont beaucoup plus mignonnes. Et même stylé, j'adore. En dehors de ça, même en termes de ville, genre Nice, mais ça écrase Cannes, mais 40. Ouais, c'est 40 Nice, moi perso, tu me payes, j'y vis pas. Non, mais dites-vous, j'ai voulu manger quoi? Non, mais après, ça dépend. 300 balles. Où ça? Où ça, à Cannes? À Cannes, mais oui, tout est cher de fou. C'est vrai que c'est giga cher. Ouais. Et la croisette, mon dieu, ils nous vendent la croisette. T'arrives, t'as des travaux partout, tu vois rien. Ouais, mais ça, ouais, il y a tout qui est en travaux en vrai. Et attends. Tu regardes la plage, il y a tellement de cabanes de vente que tu vois même pas le sable et après tu vois que des yachts. Tu vois même pas la mer. C'est vrai, t'as bien défini quand même. Non, moi j'avoue, Cannes, je défends pas, j'aime pas. Ok, est-ce que tu veux que je te raconte une anecdote de zinzin? Ah, de le truc sur Twitter. Ouais. Ouais. En fait, quand j'ai visité Cannes... Je veux, s'il te plaît, je t'en supplie. Quand j'ai visité Cannes, j'ai dit que c'était de la merde sur Twitter. J'avais fait un petit tweet drôle mais rigolo, tu vois. Un tweet? Non, mais pas. Un thread. Un thread, ok. Un tweet. Et je me suis pris le maire de Cannes sur la gueule et je me suis fait. Mais non, jure-le. Je jure, j'ai tout le cabinet du maire qui m'ont attrapé le col. Là, ils mettaient des photos de vacances et tout. Tout l'extrême droite et tout, c'était l'horreur, genre. Mais what? Je te jure. Il y avait genre. Mais ils disaient quoi, genre? Bah genre Monsieur Bruno de la mode Beuvron qui était du cabinet du maire de Cannes et qui me disait c'est une honte de parler comme ça de notre belle ville, etc. Et je me suis fait insulter tous mes morts par des droitards mais à gogo, c'était horrible, genre vraiment. Mais genre il lui disait en mode, tu sais, parce que ici les travaux c'est genre enfin à Cannes c'est en mode t'as des stars en fait sur comment dire, genre au lieu que ça soit vraiment les travaux, ils cachent ça avec des photos de stars. Merci Lélé pour ton 10e mois, merci beaucoup. Et du coup ils étaient, Trixie, je crois que t'avais dit un truc par rapport à ça et le mec il avait justifié en mode que c'était toujours mieux que juste de voir des travaux quoi. Mais oui, mais en fait il y avait des trucs dégueulasses partout, mais pour camoufler ils mettaient des posters de stars en mode un gros caca, mais regardez il y a Eva Longoria devant, tu vois ce que je veux dire ou pas genre. J'avoue, c'est un peu marrant quand même. Je me suis fait défoncer, mais une journée entière, mais vraiment, que des mecs qui sont de politique. Ok. Des putés et tout, genre. C'est improbable en vrai. Je te jure. Tu t'es pris une sauce, genre, où les gens ils étaient de ton côté quand même. Ah, mais en fait, je t'explique, il y avait tous les fans de politique du maire de la ville et tous les gens Michel de Twitter qui ont 46 balais et qui ont quitté Facebook, qui étaient aussi sur mes côtes. C'était l'horreur, genre. Ok. C'est là. Je te jure, je pense qu'ils m'ont blacklist de la ligne de la vie. Tu ne peux plus retourner là-bas, c'est fini. Non, c'est fini, c'est mort. Moi, je suis mort. C'est bon, j'ai mis mon endurance. Je me casse. Du coup, je dois aller à 3 minutes là-bas. Je commence à avoir des doutes, Audrey, quant à la... au bon déroulé de ma mission, là. T'as 5 de résine ou pas? Parce que... Non, je sais pas où on achète la résine. Aller à Cannes quand mon temps existe. Oh, mais il y a plein de trucs mieux que Cannes, hein. Genre, il y a 1000 exemples, hein. Ah oui, franchement, Cannes, c'est de la merde. Hein. Mais déjà, si vous voulez une ville un peu de richou et tout, Aise. Aise, c'est tellement stylé comme village. Bon, après, bah, pour le coup, t'es seul au monde. Hein. Je connais pas Aise. Ah, Aise, le village, il est magnifique. Ah, c'est incroyable, c'est vraiment beau. Ah, tu vois, au jardin avec les cactus, je sais plus comment ça s'appelle, c'est tellement beau. Ouais, j'ai jamais été, mais je suis passé en train. Vraiment, c'est magnifique. Sa tête est appris à Cannes. Ah, mais la résine, si, ouais, c'est dans les. C'est dans les arbres, en fait. C'est où que vous faites un coffre? C'est où qu'on trouve les coffres? Moi j'en ai mis un petit à côté normalement de. Et putain, ça marche plus les bugs là. Si ça marche plus, je suis dégoûté. Vous savez où c'est le chat ou pas? Personne n'a jamais dit ça dans le monde. Je préférais le jeu quand il buguait. Peut-être que je peux faire le tour par là pour voler. En fait, là mon but, les gars, c'est de voler au-dessus du kipu. Non, mais quelle histoire c'est le chat quand même. Ah ouais.
Et de la résine, il en faut combien? Vous avez déjà été à Monaco ou pas? Ouais. J'ai jamais été à Monaco. C'est stylé en vrai. Ah ouais. Mais bon, faut être multimilliardaire quoi. C'est oui, le seul bah. Problème. Quand ton appartement de 30 mètres carrés, il coûte 3 millions d'euros. Ah oui, non, mais pour okay. y habiter, oui. Mais sinon, t'as plein d'adresses à Monaco où ça va, c'est pas trop trop cher en vrai. Oh, par contre, en tout cas, moi, tout ce que j'avais fait, ça coûtait un peu du cul sur mode sortez-moi de là. Ouais, moi, Monaco, là, je l'ai fait du coup récemment avec des gens qui vivent à Monaco. Et du coup, tu sais, ils nous ont filé des petites adresses et tout. Et en vrai, quand t'as des bonnes adresses qui sont pas hyper touristiques, c'est, ça va, tu vois, ça dépasse pas. Enfin, c'est même moins cher que Cannes. Ok, bah en même temps, Cannes, c'est vraiment abusé, hein. Non, par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on, bah, d'ici, on est quoi? Moi, ouais, on a une heure et demie de, une heure grand max de l'Italie, tu vois. Ouais. Et la vie, c'est comme en France, mais genre 10 ans en arrière. Non, mais l'Italie, meuf, tu sais que quand j'y étais là, en septembre, genre juste après avoir emménagé ici, j'y étais, on a pris 2 glaces là-bas. La meuf, elle nous a dit 5 euros, 2 glaces de boule, hein. Et genre, on a bégayé, on lui a dit, non, mais on a pris 2 glaces, pas une seule, 2. Et oui. Elle nous a dit, non, c'est bien 5 balles. Genre ici, une boule, enfin une glace de boule, c'est plus de 5 balles. Genre j'étais choquée. Je suis allé à, comment ça s'appelle, putain, à Port-Grimaud, à Port-Grimaud, peut-être. À l'aide si, c'est ça, je suis allé à Port-Grimaud il y a 2 semaines. Les glaces, 7,50€, 2 boules. Ouais, bah ouais, mais ouais. Je te jure, j'étais choquée. Non, mais c'est c'est abusé, une dinguerie. T'avais, hein. T'avais des coupes à 9€, mais c'était en mode le camion de glace, quoi. Ouais. Bah, à Cannes, franchement, c'est les prix. Hein. Même les gaufres et tout, tu les payes 8 balles. Genre, c'est. Ah, non, c'est une dinguerie. Mais là, du coup, comme j'avais été en Italie, j'ai trop kiffé parce que même le resto, tu vois, genre un resto italien, j'ai été manger genre des linguini à la vongolée. Vous savez, c'est à la palourde. Ah, c'est trop bon ça. Ouais. Ouais. Et j'ai mangé ça, mais non, même pas. J'avais pris au homard. Donc, ça, normalement, ici, tu payes 35 balles, tu vois. Non, mais tu payes ces 35 balles. L'assiette, le saladier de pâte au homard, avec le homard entier et tout, je l'ai payé ça 18 euros. Putain, après, ça dépend toi, où, parce qu'en vrai. Mais c'est pas cher, 18 euros pour un plat ah, comme non, ça. Non, non, c'est pas cher, non. Ouais, ouais, mais ça dépend où, parce qu'en vrai, moi, quand j'ai été en Italie, on a été dans un petit resto, tu sais, qui payait pas forcément de mine. C'était quand même 25 balles le plat de pâte. Mais connard, hein. Tu veux qu'on parle de bois et de. Et de. Enfin, c'était pas moins cher qu'en joueur. Well, show, réfléchis, pitié. Je trouve. Après, avoir ce qu'il y a dedans, si c'est des pâtes au homard, en vrai, moi, je me laisse faire. Ah non, je. Je fais l'effort. Je sais même plus c'était quoi ce que j'ai pris. Pas si d'ici ça un passe. Un petit backseat. Dans mon chat, ils me disent super, franchement, une OP où vous parlez tout sauf de Unshrouded. Mais vous veulent. Mais en même temps, le jeu parle de lui-même. Regardez comment c'est une masterclass. Bah oui, oui, puis on va pas parler de bois et, non, de, découvre, et de, là. De pierre tout le temps. On découvre quoi. En plus, on va pas faire 12 heures à dire. Oh, alors là, c'est du bois et de la pierre. Bah alors là, regardez ma belle pierre, mon gros bâton. Là, il est magnifique, mon bâton. Vous en pensez quoi? Mon bâton magique. Les goûts de luxe, non, c'est vrai, je suis forcé d'avouer que c'est incroyable. En plus, t'es à côté de la montagne aussi. Ouais, non, franchement, il y a vraiment tout. Là, moi, je vais passer mon permis moto, j'ai trop hâte. Hein. C'est une folie. Ouais. Hein. Ouais. Mais parce que tu la vois direct autrement que moi. Moi, je suis coincée depuis 2 ans sans permis. Ouais, mais c'est pour ça, passe ton permis, meuf. Mais ouais, je vais le faire en vrai. Et pourquoi tu le passes pas? Vas-y, parce qu'en fait, à la base, moi, j'ai suivi mon mec, ok. Sauf que mon mec, c'est la condition que je quitte mon appart à Paris, que je quitte tout, c'est qu'il m'a dit je passe le permis dès que j'arrive. Comme ça, tu vois, et il l'a jamais du coup, fait t'as en fait. Compté sur lui et voilà quoi. Voilà, exactement. Ah, mais voilà, faut pas dépendre non. des hommes. Non, non, il l'a jamais réel, fait. Réel. Not all men, but always men. Pas vrai la team? Ouais. Ouais. Ouais, carrément. Exactement, carrément, ma go, ma belle. Ouais, je sors du silence. Voilà ma belle. Ils disent mais putain de merde. Y'a rien qui va. Là je comprends Wildshow qui m'a dit ça. Non dans mais mon là c'est bon là. Je comment on fait une putain d'étincelle. Mais comment on fait un putain de coffre. Je veux faire un coffre. Mais le coffre c'est déjà dit. C'est pour râler et tout. Oh mais comment on fait ça. Oh non les gars il fait nuit noire. Je vois plus rien. Je sais même plus où je peux aller. Suis la lumière. Regarde, et tu trouveras le chemin. Trixie viens là. Là tu fais voilà. Et ensuite t'as stockage. Mais dans stockage, j'ai. Oui. Et bah, c'est ça le petit coffre. Mais attends, je vais pas au bon endroit là, oui, moi. Oui, d'accord. Tout s'explique. Il te faut de la ficelle et des brindilles. Merci, ma reine. Ok, si je veux au bon endroit. De rien. Mais comment on fait une putain d'étincelle? Attends, c'est où le truc là? Je sais pas comment je vais faire pour passer. En fait, je peux pas passer là-bas. Je vais devoir passer tout le long. Je pense que je vais réussir à passer. On est avec toi. On est avec toi. Oh merci. Oh, comment fait tourner les coffres?
Ah oui, d'accord. Ah mais c'est lui, c'est le forgeron, il me gave là, ta grosse tête. Ça fait 2 heures, il a fait 10 mètres, mais moi je suis bien bloqué là. C'est R en même temps. Ah oui, d'accord. Du coup, faudrait que j'aille là-bas. On peut pas dormir, je me rappelle plus comment on passe la nuit. Mais après, il y a des lits, on peut qu'on fasse un lit, je pense. Hein. Attends, mais j'ai une clé. Clé du Le Pic. Ouvre toutes les portes du Le Pic, le château, au sein doré. C'est quoi un Le Pic même? Ah, je sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup de pics dans ta phrase quand même. Oh, mais purée, elle l'a pas piqué celle-là. Pas piqué des hannetons cette blague, attention. Merde, c'est quoi déjà la touche de mon inventaire? Oh, le rire à 1 million d'euros. Bon, excusez-moi les clodos, mais moi j'ai un lit. Oublie pas que moi j'ai des vêtements et pas toi. Tu dois s'allonger dans le lit pour passer la nuit apparemment. Oh, bah là, vitesse de la nuit fois 20, il y a marqué en haut. Je veux qu'on rajoute une complexité. Je dors. Il faut une complexité quand même parce que je trouve que là c'est trop simple pour nous. C'est attends, on doit dormir plus. Chacun notre tour dans le lit, genre. Je leur rapproche. Oh, l'épreuve de merde. J'ai perdu mon okay, lit. Les gars, chacun notre tour, on dort dans le lit. Elle a perdu son lit. Mais qui perd son lit? Qui peut dire ça déjà cette fois? Mais si je veux dire j'ai perdu mon lit, je perds mon lit. C'est merde. Quoi en bas de chat? Il y a un geyser. Peut-être qu'il faut la le poser sur une fondation, non? Ah, c'est bon. Mais c'est parce qu'il me fait de la chaleur. Quoi? Mais dors! Mais je dors, là! Quoi? Moi, je te regarde dormir. Ah oui, vitesse de la nuit, c'est moi, je te regarde. Comment t'as fait pour t'asseoir? J'ai appuyé sur X. Bah, désolé, mais c'est très fini pour la scène. Meuf, j'ai vu une anecdote, je suis désolée, mais j'ai un trauma par rapport à ça. Dis-moi, je t'écoute. Un jour, j'avais fait une soirée. Oui. Genre, parce que bah, avec mes potes, voilà, des fois, on fait des soirées et tout, mais ça remonte un peu. Et au Nouvel An, bref, on avait fait un truc comme ça. Et en fait, il y avait un mec qui était un peu amoureux de moi, tu vois. Et je m'étais endormie dans le canapé, genre dans un siège, oh non, en plein dans le salon. Oui. Et je me réveille, il y a le pélo, il était assis sur une chaise face devant moi et qui me regardait, genre. Oh, c'est glauque, sa mère. Voilà. Mais dis-moi plus encore. Tu es très belle quand tu dors. Non, mais. Oh, non, non, je mais... vais m'asseoir la regarder. Tu sais que j'ai des bouffées de chaleur rien que d'y repenser, genre ça m'a... Ah, ça dégoûte en vrai, c'est un peu glauque quand même. Mais surtout que moi, tu sais, c'était un pote, tu vois, pour moi, il y avait rien de... Oh, j'aime bien quand tu... Ah, je peux t'assurer. Voilà, maintenant, j'ai dit un secret à toi, à vous de me dire un secret. Ok, alors il faut qu'on fasse une cabane, comme ça il y a la cabane de secret, et chaque jour on doit se dire un secret dans la cabane. Le premier truc à build. Ok, moi je vous dis un secret. Oui, vas-y, la vas-y. Première copine que j'ai eue de toute ma vie, je l'ai quittée parce qu'elle a vomi. Oh. Ça va, j'étais petit. Mais okay. je suis trucaphobe des vomis là, ça me dégoûte. Mais moi aussi en vrai je comprends. Mais okay. Attends, mais elle a vomi dans quel contexte? Attends, non, moi je veux des détails. Est-ce qu'elle t'a vomi? Elle a mangé des Kinder et ça allait, tout est allé très vite. Et elle a vomi et c'était horrible. Mais elle t'a vomi dessus ou pas? Partout. T'as dit quoi? Elle t'a pas vomi dessus? Non, elle a vomi juste au milieu de la pièce et j'étais en mode je ne l'aime plus. Hop, oh non, sentiments. La peau. Putain, et après quand on devient adulte, limite on partage notre vomi et tout. Je l'aimais plus. Il n'y a plus besoin de dormir, Trixie. Ouais, mais c'est pour le secret, j'ai pas dit mon secret oui, encore. Oui, vas-y. Je m'assois. Ok, quand j'étais au lycée, j'ai voulu envoyer une nude, sauf que sans faire exprès, je l'envoyais à ma daronne. Et du coup, j'ai dû courir, prendre son téléphone et la supprimer avant qu'elle le voie. Il y avait mon gros boule en 4K sur son téléphone, genre. T'as réussi à l'enlever? Oui, j'ai réussi. Heureusement, elle était à la maison. Tu lui as dit après ou pas? Ah, en vrai, c'est drôle. Non, je lui ai jamais dit, ça va pas ou quoi? Ouais, mais après, tu peux tourner le truc en mode maman, désolé pour la photo, je t'ai envoyé mon cul et tout, mais regarde, j'ai un truc dessus, je sais pas si je dois aller voir un médecin, tu sais, tu fais genre. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, ça dépend la pose qu'elle a sur la photo. Avec un gros truc dans le bas, le trou. Targaryen vibes, tu sais, trop bizarre. Bah, allez. Je repars. Le bas, le trou en 4K et tout, ouais, désolé, maman. Ah non, mais ça doit être trop gênant, par contre, putain, t'as dû bien suer en vrai. Ah ouais, t'as dû suer de fou, hein. Je l'ai sué de malade, vraiment. Mais attends, mais ça veut dire, Linka, là, si ta meuf, hein, ta femme, je sais pas s'il y a plus ou quoi, mais si elle a la gastro, c'est... Gosse, ah oui. Ouais, mais après, je sais pas si t'es mariée ou quoi, tu vois, mais si... Non, je suis pas mariée. Si elle a la gastro. Ah bah c'est déjà arrivé, mais entre-temps, là, j'avais 7 ans à l'époque, quoi, là, maintenant, j'en ai 32, donc ça va un peu mieux. Non, mais après, j'allais te dire, quand on est adulte, on partage même notre vomi quand on est en couple, donc à partir de là... Bah, peut-être pas non plus, mais... Non, mais t'as compris ce que je voulais dire, en mode, ta meuf, elle est malade, tu vas lui tenir les cheveux, quoi. Ouais, vas-y. Bah, je vais le mettre en boule plutôt dans la cuisine, mais... Ah moi, ouais je soutiens, ah, moi, c'est impossible, genre. Ouais, moi, je soutiens impossible. De loin, tu vois. Non, alors, mais après, après, j'ai déjà moi... fait une intoxication alimentaire, j'étais en mode, bah, démerde-toi, bonne chance, hein. Mais toi, en vrai, ça va, moi, ça me fait vomir. Genre, moi ah je ouais, supporte moi aussi, en mode, je vomis à genre. Côté, tu vois.
La conf. Ouais, je merci pour la sponsor. Non, moi en vrai, je suis plutôt du genre je partage, tu vois. Ah ouais. Là. Genre ton mec il vomit, tu lui tiens les veuches et tout. Bah y a pas, enfin ça dépend. Non, de ses cheveux, mais genre je vais quand même dire ça va, je vais lui prendre ses médicaments. Bah, après, non, mes copines et tout, oui, mon mec il est très timide du caca et tout, tu vois, donc pas trop. Ouais. Genre, dis-toi que ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais entendu chier mon ref, genre. Il est très timide du caca. En vrai, ça se comprend, hein. Moi aussi, je comprends la timidité du caca en vrai. Ah ouais? Flemme, t'es là avec ta meuf et tout, qu'elle entend tes gros ploufs. Non, merci, ça va. T'es là, tu mets PQ, t'as la musique classique, tu mets 10 couches de PQ au fond, et voilà, et tant pis pour la planète, hein, c'est la vie. c'est comme ça. Moi, je comprends en vrai la timidité du caca. Putain, mais moi, je suis pas comme ça, moi. Ah, mais moi c'est trop bizarre parce que en toi, vrai, je suis grave deux, une. Mais moi je suis grave une meuf, tu sais, à rigoler du caca et tout, tu vois, genre ça me dérange pas d'en parler, mais à par voler contre. Du caca non, à rigoler du caca, genre putain, je suis une. Attends, la conversation elle est devenue lunaire là. Je suis une meuf caca prout, tu vois, mais sauf que ouais, impossible de chier chez les autres, genre. Oui, mais au début, mais quand ça fait des années que t'es avec quelqu'un, genre, tu vois, c'est pas pareil. Moi je suis paralysée du cul, c'est impossible que je chie quelque part où il y a des gens. Excusez-moi, mais juste, venez, on dit les termes parce qu'on aime dire les termes ici. Imagine. T'es en flirt, ça fait genre 4 jours que t'es avec la personne. Au début, tu te lâches pas, mais quand tu rentres chez toi, tu détruis tes chiens, genre. Bah oui, ça fait défoncer. Oh, l'aide! Ah, l'aide, un aide! Non, je vais mourir! T'es où? Non, je sais pas! Yachi, la porte ouverte! Mais moi, oui, j'ai chié la porte ouverte! Pour moi, ça, c'est un cul amour de fou, hein! Vraiment, tu chies la porte ouverte? Non, j'abuse! Non, j'abuse pas du tout! Pipi, oui, par contre! Oui, bon, pipi, ouais, c'est pas la fin du monde! Non, pas non, caca. Caca la porte ouverte, en vrai, moi j'ai eu un ex qui faisait ça, je jure, c'est un tue l'amour. Bah, bien sûr que c'est un tue l'amour. Mais c'est même pas parce que ça me dégoûte, c'est juste parce que c'est mon rituel de la journée, tu vois. Genre, j'aime bien être tranquille et tout. Ouais, bah, comme tout le monde. Mais c'est, être tranquille, ça veut pas dire chier la porte ouverte, quoi. Genre, y'a plein d'autres moyens d'être tranquille. Non, mais j'abuse pas du tout. Je suis pas là en mode chérie, c'est l'heure de mon caca, tu peux venir s'il te plaît, j'ai besoin de. Qu'on me tienne la main et tout. Comment ça, les femmes font caca? Ça, c'est... Oh, ouais, ça, j'ai été surpris aussi quand j'ai découvert le truc. Non, mais moi par contre, en vrai, j'ai été obligée de régler le problème parce que j'ai failli avoir un giga souci de santé en m'ayant. Enfin, genre, je m'étais retenue une semaine en étant chez quelqu'un. Et du coup, j'ai vous failli faire une. Par jour, machin, c'est la question, je vous ai posé la question. Comment ça s'appelle? La conversation de baiser. Non, mais on rigole, mais. Mais non, mais tu sais que c'est grave une occlusion intestinale. Ouais, ouais. Hein, vraiment, ah, ouais, c'est occlusion, putain. Bien à bon de cette concept. Mais t'as fait comment du coup pour débouler ton merdier? Bah du coup j'ai dû aller chez le médecin et tout qui m'a donné des médocs pour ça. Oh putain. Est-ce que vous avez des trucs à bouffer pour moi? Je suis un peu en train de crever. J'ai du miel, tu veux mon miel? Moi je suis à 2 km de vous donc bon. Comment je donne du miel, vous savez ou pas? Non. Attends, c'est bon, je peux manger des myrtilles là, ça me régène. Y'a pas une tour pas loin là pour que je puisse me téléporter? Attends, mais Trixie, tu te fous de ma gueule, je rêve ou depuis que je suis partie t'as pas bougé d'ici? Si, je suis partie recueillir des trucs et tout. Trixie, elle fait sa meilleure conversation en détente. Là, il faut qu'on fasse quoi en vrai? Comme ça, là, faut qu'on aille chercher des étincelles. Mais c'est où qu'on trouve des étincelles? Bah, mon chat, ils m'ont dit. J'en ai 3 là, des étincelles, moi. C'est vrai? Ah non, c'est des sports de brume. Mets ton hôtel. Attends. Ils m'ont dit, c'est dans des. J'ai oublié. Dans des trucs de flamme. Ah. Donc là, si je mets ça là, je peux me téléporter ici? Et il manque de la fourrure aussi, et des os. Mais ça, en soi, ça se trouve sur les... Des os, j'en ai mis dans le truc. Je hein. traverse d'abord. Tant que je risque rien, je pose pas ça, je pense. Vas-y, viens, on va combattre. Là, je peux traverser, là, tout droit. Chat. On est d'accord, je peux, là, planer. Je risque rien, c'est à côté où ça craint. Oui, ok, bah je mettrai l'hôtel le plus tard possible. Notre chat, c'est vraiment nos organisateurs de tout, genre. Ouais, vraiment. Moi, je suis vraiment chat dépendant, quoi. Mais moi aussi, hein, tu sais qu'à chaque fois, ils me mettent pour tout, c'est une dinguerie. Moi aussi, j'ai mes modos à la fin des lives, parfois, qui m'envoient des messages pour me dire « Oublie pas, tu dois faire ça, Oui, ça, moi aussi, moi aussi. Je suis trop ingland, moi, pour l'organisation, c'est une dinguerie. Putain, nos modos, j'ai juré, les chats ils se rendent pas compte quand ils carient, genre vraiment, tu vois. Ah oui, non, mais c'est clair, moi ils font partie de ma vie, genre. Oui, moi aussi. Oh, c'est quoi ça? Je sais plus si je peux me battre contre ça sans crever, là, j'ai peur en vrai, je vais me casser. Mais pourquoi il y a une tête de dragon dans un coffre? C'est Trixie, tout à l'heure, elle a battu un dragon.
Ouais, mais je l'ai battu avec mes poings en plus, je sais pas comment j'ai fait, mais... En vrai, je l'avais sur moi de l'autre aventure. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Bon, apparemment, faut qu'on aille chercher une chapelle de flamme. Une chapelle de flamme. Elle a même pas écouté notre vanne. Je non, elle est foutre, elle est là, elle est tout... J'ai construit un truc. La brume développée comme elle doit être. La brume liquide, c'est les gros champox là qu'on trouve. Et les gars, et... je vous sauve votre chèque, donc bon. Ouais, merci, merci. Merci la couze. Non, comment on trouve où les étincelles du coup? Dans chapelle de flamme. Mais je sais pas où c'est. Mais en fait, c'est les trucs un peu sur. Regarde ta carte. Ouais. Et t'as des trucs que tu peux découvrir, des trucs dorés et tout ça, c'est ce genre de trucs en gros. On va à die, hein. Mais là, j'ai pas oublié ton cœur de la flamme là. Ah non, mais t'es tellement loin. Ah, ouah, sa mère, j'ai pas posé de trucs pour revivre, moi. C'est quoi les trucs pour revivre? Bah, tu sais, j'ai l'espèce d'établi là où je sais pas quoi que j'avais dit pour avoir une deuxième maison, si on veut. Ouais. Ouais. Oh putain, y'a du zombox là. Attends, t'es parti où, Trick? Je vais venir avec toi. Je sais pas où je suis, je me balade. Je suis dans la brume, en tout cas, c'est sûr. Oh, j'ai un... Vous savez, c'est quoi mon rêve? Ce serait qu'il y a un jeu à la The Walking... Attendez, j'aimerais. Un jeu à la The Walking Dead qui pop, et en mode grosse survie et tout, une dinguerie en équipe zombie, ça doit être trop bien. Genre comme Enshrouded, en fait. Exactement. Mais sauf qu'à la place des monstres du jeu, tu mets des zombies. Exact, t'as tout compris. Ah, j'ai peur de mourir. Tu sais que le délire zombie, y'a pas beaucoup de jeux. Mais ouais, t'as vu. Je réalise là, non mais c'est fou cette histoire. Oh faut non, je trouve une lucarne. Faut que je trouve une lucarne. Mais attends, mais est-ce que ça veut dire que là, pour aller dans tes trucs que tu disais là-haut. Attends, mais pourquoi? J'ai vu tout à l'heure un truc pour me téléporter, je le vois plus. Hôtel de la flamme, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Vas-y, je vais aller vers là-bas, mais j'ai peur de mourir. Tout à l'heure, je voyais un truc pour me téléporter de loin et il n'existe plus, genre. Il a disparu. Ah bah t'es dans la merde là, du coup, non? Bah non, je dois. Enfin, il doit être quelque part, je me demande. Là, il y a une énorme pierre devant moi, je pense que c'est derrière en vrai. Oh. Je pense que c'est derrière. Je vais revenir stuff comme jamais avec plein de trucs. On va pouvoir build des maisons de fou. Seven Days to Die, apparemment il y a une mise à jour de fou, on m'a dit. Je connais pas du tout le jeu. Mais putain, mais j'ai pas assez d'endurance pour monter un truc. C'est trop grave ça, d'avoir des petits bras comme ça là. C'est des ficello. Moi j'ai peur de me refaire péter la gueule là. C'est vrai que je pouvais regarder la map, j'ai pas pensé. Ah mais merde, c'est de l'autre côté du rouge en fait là, je suis foutu je pense. Oh, je peux cuisiner mon poulet là. Oh là là, dinguerie, petit poulet à la braise. Et j'ai ni à boire ni à manger. Je crois que je suis un peu dans la merde moi là. Oh. Ouais, les ficello c'est pas très bon en vrai. Oh arrête, c'est incroyable. Merde, je me suis pas mute, pardon. Non, je jure, les ficello moi j'adore. Ah, oh, ça sentait de nul. Oh merde. T'aimes bien les ficello? Tellement la dalle, ouais. C'est dégueulasse, ta mère. C'est ah, dégueu. Moi, c'est vraiment le fromage pour les gens qui aiment pas le fromage, quoi. Ah, moi j'adore le fromage, mais j'adore tous les fromages. Bon, bah, les ficello n'en fait pas partie. Ça met combien de temps à cuire un poulet, sérieux? Je sais pas. Ah, oh, ça sentait tellement de nul. Non, mais je dis pas en mode les ficello c'est le meilleur fromage, mais moi j'aime bien. Oui, bah, il manquerait plus que ça en même temps. C'est bon? Il est cuit là, mon poulet, non? Tu me casses les couilles avec ça. Ça se trouve, ton poulet il est cramé, frère. Mais non, mais je l'ai mangé cru en fait, je l'ai pas mis sur la. Oh putain. Mais attendez, puisque. Oh mais non, ça fait une heure que j'attends mon poulet alors que j'ai déjà mangé. Oh non, il y a des monstres partout. Moi je suis dans une merde de fou là, je pense en vrai. Salut Yurei, ça va ou quoi? Mais gars, genre même si je reste dans la truc là, dans la brume, je vais jamais réussir à aller là où je veux. Oh non! Je suis mortellement loin. Attends. Réanimation. Dominique Koenig s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. Non.
Oh, limite, ça me vide un peu mon... Non, mais les gars, putain, j'ai perdu 1500 km, là. Non, mais là, je vais me faire péter la gueule, mais putain. Mais vous m'avez menti, le chat. Écoutez, moi, je suis passé dans une brume, dans une grotte, et je suis paumé sur la map. Je crois que je vais me TP au camp. Mais vous êtes pas ensemble, toutes les deux? Non. Elle est partie sans moi. Ah, mais t'arrives vers moi, Deuge, là. Oh, putain. Je sais pas, je te vois pas. Putain, j'ai rien pour me téléporter, là. Oh, ma Z, j'étais tellement près du but. J'avais compris, près du buste, je veux dire, ça veut dire quoi? Attends-moi, arrête de... Ah, mais là, j'ai de la brume dessus. Rouge, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis dégoûté, chat. Oh, oh non, il me reste qu'une minute. Partez maintenant, non, je vais mourir dans la brume, allez. Cherche une lumière rouge. Une lumière rouge? Oui, 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 si tu vois une lampe rouge, tu la consommes, en gros, ça te remet tout ton temps de brume. Fais attention à la e-salmonello, sinon ton personnage va avoir la e-chiasse. Ça me fait beaucoup trop rire. Putain, mais par où... Par où je suis passé, putain. Les gars, je sais même plus par où j'étais allé. Oh, je suis dégoûté, sérieux, là. C'est là-bas, je crois. Ok, bon, ça va, je suis vivante, je suis sortie. Mais attendez, parce que là, si on doit aller... Si on doit aller dans des trucs, là, pour avoir des étincelles, je vois pas comment, hein. Putain. Comment ça, je vais me parler du sommeil? Je sais pas, mais ça me fait rire. Merci. Je disais que moi, le chat, ils m'ont dit ouais, suis le chemin court, ça passe pour aller jusque, tu sais, au truc là où il faut une étincelle. Mais sauf que au bout de 2 minutes, j'ai failli mourir. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu passes par les étapes où il y a des trucs rouges là. Et mais on les voit pas sur la carte, ça. Ben non, tu les vois pas, c'est genre en mode tu te balades dans la brume et il y a des endroits où il y a des lampes posées. Ouais, bah j'en ai pas croisé. Ah. Bah c'est pas très bon signe. Chat, je sais plus par où j'étais passé, putain. Ça se régène ou pas les trucs de lampes là? Ou genre les trucs de lampes. Si tu les prends une fois, ouais, la lampe pose, après t'en as plus. Ouais. Ça se régène. Ah ouais, c'est ça là. Je sais plus du tout par où j'étais passé. J'étais passé par là, chat, ou pas? Qu'est-ce que je suis lente, j'ai envie de me tuer moi-même quand je me vois jouer. Quelle horreur. Mais t'as vu le truc de stamina, par contre, en vrai, c'est chiant, non? Ouais. Moi, j'ai trouvé, c'est vraiment le seul défaut qu'on a trouvé à tout le jeu. Après, en général, quand t'as de la stamina dans les jeux, c'est toujours le truc vraiment relou. Ouais, relou, mais souvent tu peux l'augmenter, alors que là, même l'augmentation, elle est un peu... C'est pas suffisant, genre. Pour le late game, vraiment, t'es en mode, tu peux plus respirer à chaque fois. Go te faire initier par Trixie ou RP? Je crois que c'est pas pour moi, les gars, le RP. Moi, je pense que si, tu pourrais être grave drôle, je pense. Ouais, je sais pas. Après, quand tu joues pas, y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image du truc, tu vois. Oh, c'est quoi ça? Non, moi j'ai pas une mauvaise image, mais j'ai l'impression que... Je sais pas, que je serais pas bien, genre je sais pas comment expliquer. Ah ouais, mais pourtant non, je trouve que t'as de la répartie et tout, je pense que tu pourrais être bien, moi. Ouais, je sais pas. J'ai fait plein de coffres, comme ça on est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, faudrait que j'avais testé il y a très très longtemps, je m'en rappelle même plus, j'avais testé genre une fois, une journée, je pense même pas. Ah ouais? Ouais, je me souviens pas, ça date vraiment trop. Genre c'était à l'époque où Fortnite était prime et tout, quoi, carrément, donc... En fait, je pense que pour débuter, parce qu'en fait, si tu vas sur un serveur normal, tu vas devoir vraiment t'impliquer, et franchement, c'est trop de temps, mais... Moi, j'ai arrêté, ça fait 2 ans, maintenant, je fais que des événements, tu vois. Ouais. Maintenant, je fais que du multi, sinon. Et en vrai, si tu fais un événement, c'est cool parce que t'as un cadre et tu peux... C'est court sur le temps, tu vois. Pourquoi sinon, quand tu fais des vrais trucs, entre guillemets, c'est genre des mois et des mois, c'est tu fais une vraie vie en ligne, en gros. Ça peut durer hyper longtemps et franchement, niveau temps, ça te prend tout ton temps, c'est horrible, hein, genre. Et y a pas vraiment des gens qui deviennent matrixés de baiser en mode... Si. Mais même toi, quand tu joues au début, tu vas être matrixé, mais... Par exemple, RPZ, je sais pas si tu te rappelles de RPZ, la matrice qu'il y avait, tous les streamers étaient matrixés de fou. Ça me dit un truc, RPZ, mais je pense que j'ai pas regardé et que je sais pas ce que c'est. En vrai, RPZ, ça va, hein. Non, les gens étaient matrixés, ils jouaient 12 heures par jour, 10 heures par jour. Oui, mais... Enfin, c'était dans le bon sens du terme, tu vois, moi je sais que... C'était quoi, quelqu'un peut me rafraîchir mes mémoire ou pas, je me rappelle plus. C'était le RP de Zerator. Ouais, c'est... Avec les croûtes et tout, là, t'as dû voir ça. The Event. Non, je me rappelle pas. Oh putain.
Ça me dit rien, je pense que j'ai pas regardé. Bah, moi, c'est ça où je me... Enfin, parce que du coup, tu vois, je l'ai fait, mais je l'ai fait une journée, et c'est là où je me suis dit, ouais, le RP, c'est pas trop pour moi, tu vois. Genre, j'ai pas trop kiffé. Il me faut une hache. Mais moi, là où j'ai du mal avec le RP, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont matrixés, mais pas matrixés en mode, tu sais, ils jouent 18 heures par jour, tu vois. C'est genre en mode, pour eux, la vie qu'ils ont dans le RP, c'est leur vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Mais beaucoup, hein, que je dirais 60% des gens, mais pas que, parce que ça dépend des serveurs où tu vas, en fait. Parce que quand tu es avec des gens qui jouent depuis longtemps, t'as moins ce truc-là, tu vois, en vrai. Ouais, genre, ouais. Genre ils prennent le truc à cœur à fond, et si tu vas pas dans leur sens pour l'évolution de leur... Leur perso, par exemple, ils sont vraiment dégoûtés premier degré, en gros. Oui, voilà, de... genre, c'est des gens qui pleurent et tout, hein. Genre, c'est hardcore, tu vois. Mais quand tu... Mais même, apparemment, t'as genre eu des dramas de baisers, en mode... Ouais, y a des meufs qui se sont mises en couple dans le jeu, alors qu'elles étaient en couple IRL, genre, t'as le mec qui pensait vraiment être en couple aussi avec elle. Enfin, apparemment, il y a eu des... Non, mais par contre, c'est juste, faut être con, quoi, en gros. Ouais. Oh, mais oui. On est en couple dans la vraie vie, alors, c'est un personnage, un bisou, on se fait un bisou. Je suis d'accord, mais j'aime pas non plus cette vision-là, parce que je trouve que c'est quand même réduire le truc, parce que ça reste une pièce de théâtre géante, tu vois. Donc quand t'es dans des événements, par exemple, là je suis sur Grand Line, l'événement de Amine, tu vois, la plupart ça, c'est des joueurs expérimentés, c'est full théâtre, c'est trop bien, tu vois. Ah oui, voilà. Mais justement, mais du coup, l'autre gars était juste con, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah en fait, pour moi, c'est juste que t'as une différence entre guillemets, les streamers plus ou moins connus qui ont déjà fait du RP et qui savent que, bah du coup, c'est juste du théâtre, tu vois, et justement, les gens un peu plus... casu, on va dire, enfin qui stream pas forcément et qui en fait bah pour eux c'est vraiment leur deuxième vie. Ouais, mais ça c'est pas non plus la première facette que ça, tu vois. Peu de monde, quoi, ça peut pas être le gros du truc, c'est pas possible, en fait, sinon personne ferait du RP, non? Je vais t'expliquer le problème du RP. J'ai commencé en 2017, donc autant dire ça fait 7 ans que j'en fais, tu vois. Ouais, t'as de la bouteille, quoi. Ouais, voilà, j'ai fait 45 persos, mon gars, pour te dire. Oh putain, ouais. La vache, le gay. Je suis devenu split, tu sais. Mais le truc c'est que quand t'es à fond dans une histoire, que tu joues 10 heures par jour, que tu fais des scènes de malade, parce que tu peux vraiment... T'as pas de limite, en fait. Et ben en fait, quand tu débutes, tu prends le truc méga à cœur, parce que bah, c'est comme si tu tournais un film dont tu étais le héros, dont tes viewers regardent une série, tous les antagonistes autour de toi et tout. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, c'est une expérience vachement cool. Faut pas voir que du négatif là-dedans, vraiment, tu vois. Ah, moi, je vois pas du négatif, j'ai juste le sentiment que ça m'irait pas, mais... Je vois pas ça négativement, quoi, genre. J'ai parce pas d'a priori, tu vois, sur le RP. À l'époque, nous, les streamers RP, tu sais, on était grave mal vus. Hein. Je sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque... Mais pourquoi trop... Je sais pas, mais par exemple, tu vois, j'étais rarement invité à des trucs. Je sais que ça disait qu'on n'était pas des vrais streamers, parce que c'est une commune grave niche. T'es streamer de ta commu, quoi. Enfin, c'est comme si moi, j'étais suivi par des mecs parce que je fais de la machine à coudre. Bah, c'est quand même une commu qui existe, quoi. C'est ouais, juste, mais quand tu connais pas, c'est cringe, tu vois, genre, d'un point de vue extérieur. C'est particulier, quand même, tu vois, genre... Ouais, je sais pas. C'est plus le cas, je trouve. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression que c'est démocratisé de baiser, hein. Genre, maintenant. J'ai l'impression... Maintenant, ouais. Ouais. Avant, non. Mais les 3-4 premières années, c'était horrible, hein, vraiment. Parce que, ouais, t'as eu des streamers qui faisaient autre chose, qui s'y sont intéressés, tu vois. C'est ça. Ça a commencé avec GTA ou rien à voir? Oh non, le RP, ça a commencé il y a longtemps. Hein. Il y a eu Arma, t'as eu Gmod. GTA, c'est ce qui a vraiment, je dirais... Arma, ça a fait péter le truc. Et GTA, c'est ce qui l'a rendu casu, tu vois. Ok. En vrai. Ok, je capte. Ouais, mais j'essaye les potes de suivre les quêtes. Mais en fait, là, j'essayais de trouver un truc pour avoir... Est-ce que avec je cherche depuis tout à l'heure, l'étincelle. Okay. Ouais, Gmod aussi, c'était quelque chose. Hein. Bah, Garry's Mod, il y avait beaucoup de trucs. Hein. Mais je crois que Garry's Mod, je suis con. Moi, j'ai essayé de lancer le jeu une fois, j'ai rien compris. Ah ouais? Mais c'est sûr, ouais, moi. Ah moi non plus, j'ai pas. Genre, t'as jamais joué à Gmod? Moi j'ai pas réussi, hein. Moi j'ai installé une fois le jeu, j'ai pas réussi. J'ai fait une fois en mode un truc, tu sais, où tu te transformes en meuble. Oh, mais tu sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait un propun, ça fait longtemps, c'est plus la mode, mais j'aime trop, moi. Ouais, voilà, ben voilà, c'est ça. J'ai fait une fois, mais je comprenais rien au jeu, genre j'avais l'impression d'être un pirate informatique, genre je sais pas comment expliquer, c'était compliqué, quoi. En fait, non, c'est juste déjà si t'as pas les bonnes textures, il faut déjà que tu mettes les bonnes textures dans le jeu, etc. Puis après. Oh mais je vais tellement mourir là, mais les potes, je... Ah, je sais pas, j'étais perdu. Amixem a commencé avec le RP sur Arma. Mais attends, mais j'ai déjà vu ça en fait, moi. Mais oui, Mamadou Lélé et tout à l'époque, Sandrine et tout. Je me rappelle, en fait, j'avais complètement oublié, tu viens de me sortir un vieux souvenir. Oh, laissez-moi tranquille, mais le harcèlement... Et oui, il faisait Mamadou, il chantait et tout. Oui. Oh, là, les gars, ça serait problématique, je pense. Est-ce qu'on a l'impression que je suis dans une grotte? Ouais. Non, dans un scaphandre. En fait, je me viens de me rendre compte que vu que j'ai pas encore branché ma table de mixage, si je parle dans ma gourde, ça fait un effet, non? Ouais. T'es complètement con.
On dirait vraiment que t'es dans un scaphandre. Vas-y, je la parle dans un ficello pour voir. Attends, parce que là, je suis vraiment à deux doigts de mourir depuis tout à l'heure, hein, depuis que là, vous parlez de votre petite discussion. Moi, j'ai un... Frère, déjà, j'ai... si tu parles pas dans un ficello, je pète les plombs. Oh mais putain, mais il y a encore... Non, bah, je suis morte. Écoute, moi, je coupe du bois, je suis en train de farmer comme un porc, là, on a 200 de bois, déjà. Voilà. Mais je suis morte tellement loin. C'est à sauvegarder, là, où je suis? Genre, si je meurs, j'apparais ici ou pas, chat? J'ai oublié d'aller à mon cadavre, le con, le roi des cons. Ouais, oh, je retourne jamais à mon cadavre. Hein? J'y retourne jamais, c'est pas possible, frère. Trop de... Je suis mort où? Je suis mort où? Il refuse le jeu. Allez, c'est bon, ça part. Mettre un marqueur. Hop, les... Je suis à côté. Hop. Il y en a dans le chat qui jouent au jeu ou pas? Genre, ou qui connaissent, ou qui ont déjà testé ou quoi? Je suis curieux. À part Audrey qui est complètement addict. C'est vraiment un jeu de fou. Ah, vous verrez, parfois il y a des mobs qui se battent entre eux. Et du coup, tu peux les regarder et tu gagnes de l'XP. C'est trop bien. Ah ouais? Ouais, tu peux profiter qu'ils se battent ou limite tu mets le dernier coup, les trucs comme ça, tu peux gratter un peu. Ça, c'est le coffre des armes là. Flèche en bois. Je regarde mon mec jouer. Ouais, je comprends. En vrai, il est trop cool le truc. Moi, si j'étais à votre place et que j'avais eu une réduction de 20% pour découvrir le jeu, j'aurais foncé sans même hésiter une seule seconde. Pas vrai, les gars? Mais bien sûr. En vrai, je trouve qu'on est hyper naturel, moi. On est hyper quoi? Hyper naturel, je trouve. Mais ça, c'est ce que je disais sur l'OP, en fait, ce qui est cool, c'est que vu qu'ils ne nous ont pas donné de brief et qu'ils nous ont dit en mode c'est vrai que le brief, genre, vous découvrez et tout, bah en fait ça fait qu'on est super naturel, tu vois. On n'est pas là en mode alors du coup le chat, si jamais il y a un code pour pouvoir télécharger le jeu, on peut pas découvrir plus que vous, quoi. Ouais. je crois que c'était pas un compliment. Bah arrête, bah si, mais moi je découvre, hein. Mais en gros, bref. C'est normal, en même temps, tu connais pas le jeu, voilà. Voilà, quoi. Oui, puis bref. en vrai, je trouve que c'est les meilleurs OP quand t'es là et tu fais ton petit truc tranquille, tu vois, genre... Bah oui. Mais donc vas-y, là. C'est lui ou moi? Il y a tellement de monstres, je suis dans une merde. J'ai plus d'eau, moi. Il faut surtout pas que je meure, là. Je sais, bon, je commence à prendre le jeu. Il était trop loin. Ok, let's go. Par contre, je fais vraiment trop mal. Hein. En gros, je descends vers là, et je vais là, quoi. La bouffe, je vais mettre la bouffe ici. Je suis en train de ranger nos coffres, comme ça au moins on sait ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Les pros du jeu, est-ce que je peux être beaucoup plus avancé que ce que je le suis là ou pas? Ou en vrai de vrai, je suis déjà big entre guillemets dans le jeu? Parce que là, quand je vois les claques que je mets aux monstres, j'ai l'impression que c'est dur de faire plus. Je crois qu'il faut que je fasse le tour par tout là-bas. Giga loin. C'est agréable de vous regarder, ça fait pas forcé comme OP. Les gars, est-ce que j'ai déjà fait une OP forcée? Bon, répondez pas en fait. Non, en vrai, je pense que personne ne fait d'OP forcée, à part si t'as vraiment la dalle, tu vois. Mais des fois, tu tombes dans des embuscades. Moi, j'avais déjà dit, en vrai, ma première OP que j'ai fait de ma vie, j'étais en mode, bon, je m'en branlais un peu du jeu, tu sais. C'était la première, ouais. je mangeais des pâtes tous les jours de la semaine depuis 8 mois, tu sais. M'a proposé oui, mais un peu un pareil, petit biais, j'avoue j'étais moins regardant qu'aujourd'hui sur les OP que je faisais, quoi. Oui, bah moi ma première OP, les gars, c'était du scam. Ah, moi aussi. Moi aussi. C'était quoi? Vas-y, je te laisse raconter deux, je raconte ensuite. Mais moi je peux pas dire la marque parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je me suis pris un mail et tout pour des informations et tout. Mais je trouve que c'est la même truc, hein. C'est Clim? Non, moi c'était un truc de lunettes. Oh, Clim, c'était pas un truc pour des, tu sais, genre, clavier, souris et tout? Si, c'est ça, mais c'était du dropshipping, mais comme c'était ma première OP... Mais tu sais que mon premier clavier gamer, c'est un truc que j'avais acheté sur leur site? C'était du dropshipping? Oui, ouais. C'était du dropshipping. Oh, les chiens. Mais je le savais pas, en fait, moi c'était ma première OP, ça faisait deux mois que je streamais, on vient me voir, on me dit, ouais, on te paye 200€ par mois. Je faisais 1600 viewers, hein. Je tiens à le dire quand même. Oh, la bonne paye. Il me paye 200€, il me dit ouais, nanana et tout. Et le micro qu'il m'envoyait, frère, écoute-moi bien, quand je parlais dans le micro,
on entendait la goutte d'eau qui tombait à l'autre bout de l'appartement, genre. C'était horrible. Et en fait, il y a eu un big drama autour d'eux où, en fait, c'était grave du dropshipping, ça venait d'AliExpress et tout, tu vois, et... Oh, let's go. La bonne première OP. Bah, moi, ça a été à peu près le même délire, genre, on m'a contacté. Oui, et RP, en fait, oui, bah, tu sais, à l'époque, c'était au tout début, c'était vers 2018-2019, et tu sais, tout ce qui était dropshipping, etc., c'était pas encore bien... Genre, bien dénoncé, genre, les gens, ils... enfin, on savait ce que c'était, mais pas plus que ça, tu vois. Et en fait, moi, j'avais, enfin, sur leur site, ils avaient, tu sais, les partenaires avec qui ils bossaient. Et franchement, il y avait des gros streamers, tu vois, il y avait Jiraya ouais, et tout. Ouais, tu disais, donc, vas-y, c'est que c'est safe et tout. Bah ouais, genre, moi, je me suis dit, c'est safe, tu vois. Ouais, je mets Jiraya dans la sauce, aucune peine. Non, mais je pense qu'ils savaient pas non plus. Je pense qu'ils savaient pas non plus. Et en fait, au bout d'un mois, j'ai un pote qui me dit, ouais, mais je crois que ton truc, c'est du dropshipping et tout. Et donc, il fait les recherches. Et direct, tu vois, j'ai envoyé un mail en mode, bah écoutez, soit vous me dites réellement... que c'en est pas et vous me montrez les preuves, soit on termine le contrat, tu vois. Du coup, j'ai terminé le contrat au bout d'un mois. Je sais même plus si à l'époque, ils m'ont payé ou pas le mois auquel j'ai quand même bossé, mais ouais. Et dis-toi qu'ils ont gardé ma tête en mode partenaire pendant un an et demi. J'ai dû envoyer un avocat et tout. Oh là là, la dinguerie. Oh, les chiens. Ouais. Mais je crois qu'ils sont toujours là, mais ils ont changé de nom, et mais ils sont toujours là, je crois. Pour toi? Non, bah non, pas pour moi, mais la marque existe encore. Ah non, mais oui, la marque, je veux dire, enfin, ta marque à toi, quoi. Enfin, ah ouais, ta marque Clim, ouais. Mais quoi? Moi, je crois, de ce que j'avais entendu. Putain, je me suis fait one shot sa mère. Ah non, ça aucun rapport. Ok, bah tout va bien. Je m'éloigne, mais vous rigolez ou quoi? Vous m'avez dit... Moi, j'ai dit, je prends le premier truc en mode, on m'a dit, tu traverses, après tu remontes, là, je suis en train de remonter, là. Mais je suis au pire endroit du jeu, c'est pas possible, là. On me fait pas là, toutes les secondes. Non mais moi j'ai jamais fait d'OP de merde par contre, c'est juste le premier jeu, j'étais pas en mode, je m'en foutais un peu, ça aurait pu être un jeu bien, pas bien, j'étais pas en mode, je vais refuser quoi. Mais pas de sales histoires comme vous, horribles, de gens qui font pas du tout attention à leurs OP, en gros. Ah, ça faisait 2 mois que je streamais, c'était il y a 7 ans. Ça va. Moi c'était au tout début, j'avais, bah pareil, un pote qui faisait la même OP que moi et tout, moi j'étais en mode, bah vas-y c'est safe tu vois. Quelqu'un peut dormir? Oui, je vais dormir. C'était mon tour en plus. C'est l'heure du secret du coup. Ah, je suis tellement loin là pour le secret. Putain, j'ai plus de secret, ça y est. Vous me connaissez déjà par cœur. Oh, le menteur. Non, en vrai, je te jure, attends, faut que je réfléchisse. Genre, j'ai pas des trucs qui me viennent comme ça. Est-ce que je peux aller sauvegarder quelque part? Secret, là. Non, au pire, venez, on regarde pour la prochaine session, on trouvera un secret. Un secret par session. Parce qu'un secret par nuit, ça va faire... Mais là, je dors normalement, non? Ouais, ça met vitesse x 20. Ah oui. Je comprends pas à quoi ça sert, les trucs là, comme ça, les trucs de flamme. Et je m'en rappelle plus du tout. Chat, ça sert à quoi, ça? Pour moi, on pouvait récupérer les étincelles. Oh, la vache, je vais trop loin. Merci. Merci beaucoup, j'ai pas la cote. Pour ton 11e mois, bienvenue. Merci mille fois. Mon gars, merci, trop gentil. Hop là, on a bien dormi par ici. Merci. Oh la stamina, je dors debout. Regardez-moi cette communauté de zinzin, merci beaucoup. On peut pas avoir un buff de stamina avec l'OP? Dis-moi, on vient bien quoi. Merci beaucoup la fée d'hiver. On remonte bientôt aux 2000 subs le chat. Un sub et c'est bon. De quoi? Avoir de la stamina en plus. Merci beaucoup. Je sais pas. C'est faisable au moins. Vous pouvez buff la stamina s'il vous plaît. Et on peut avoir des animaux de compagnie ou pas? Je me rappelle plus si on peut avoir un pet dans le jeu. Je me souviens pas, dans mon chat ils sauront. Vu qu'il y a des puants. Mais je t'avoue, moi je me rappelle pas si on pouvait avoir un familier. Je crois pas, en vrai. Merci pour le seul. Apparemment, non, mon chat me dit non. Gros bisous. Oh la vache, je me fais one shot partout là. Putain, dommage. Pour améliorer la flamme et les étincelles. Ouais, mais regarde, tu vois là, je suis passé, ça m'en a pas proposé d'étincelles. C'est pour ça que je demande. Merci Méo, merci beaucoup, pour ton deuxième mois, bienvenue. Et merci beaucoup à Meamotodi qui offre un sub à Zach Fuel. Merci beaucoup les gars, merci pour le soutien. Je suppose que c'est ça le chat. Vous avancez sur les quêtes ou même pas? Bah je cherche une putain d'étincelle. Bah moi écoute, je construis là. T'as construit quoi? Bah pour l'instant ça. Rien, j'ai fermé à mort du bois, on a 600 de bois et maintenant je vais faire un petit truc. Ah oui, t'as pas déconné putain. Non, 450 je crois, j'ai menti. Ouais, ça va, c'est fat quand même.
Mais en fait, construire, je veux bien, mais il va falloir que je rase tous les arbres autour, là, non? Bah, comme tu veux, quoi. Après, c'est toi et ta conscience, hein. Ouais, mais là, le gros caca, comment on va construire avec ça? Moi, j'aurais peut-être rasé, ouais. Ok, là-bas, il y a la tour. Audrey, on est d'accord? Vous le voyez, vous, sur la... C'est encore là, Audrey, je parle tout ça, ça se trouve depuis une heure. Là. Mais c'est on pas est d'accord, ce là, j'ai glitch, en vrai de vrai, j'ai évité toute la zone qui le pue. Chat, c'est quoi le trait orange, là, quand je passe? Vous savez ou pas? Parce que franchement, je comprends pas ce que c'est. Un grappin est nécessaire. J'ai rien évité du tout, les gars. Comme l'impression que vous me trollez, le chat. C'est quoi, ils disent d'aller à un endroit depuis le début et tu vois rien? Bah ouais. Mais attendez, mais notre zone de construction, elle est caca un peu, non? Au début, ouais. En fait, plus t'améliores ton truc, plus c'est gigantesque. Ah. Et à la fin, c'est vraiment énorme, genre. Ok. En fait, je viens de me rappeler que pour aller là-bas, on avait glitché avec Focus. Donc il faudrait que je re-glitch, quoi. Merde, ça m'arrange pas de devoir tricher pour aller à un truc. Pourquoi je peux pas construire, là? Je comprends pas. Ah non, mais les potes, j'ai pas de vie, c'est trop chaud, là. Ok, je crois qu'on était passé à peu près par là. Bonsoir Tenchi, comment vas-tu? Et les potes, je vois pas comment je monte en fait. Parce que votre game a glitché, c'est vrai qu'on faisait que ça. C'est trop bien les jeux où tu peux glitch. Ah, c'était peut-être là-bas, non, chat? Quelqu'un? Est-ce que les toits, c'est aussi les salles ou pas? Je crois que oui. Les espèces de dalles en pierre, là. Ah, mais il faut fabriquer... Ah oui, mais d'accord, il faut fabriquer après, les blocs. Et après, tu peux faire un vrai toit avec de la chaume ou quoi, tu sais, par exemple. Vas-y, je vais le tenter, hein. Je reviendrai mettre la zone ici si je meurs. On monte plus haut, je pense, derrière. Ouais, mais vu que c'est plus loin, ça va revenir au même, je pense. Oh je non, le les gars. Qu'est-ce qu'il y a folle. En fait, je pensais que ça faisait un bloc, du coup, j'ai spam, sauf que ça fait par 100, j'ai 2900 blocs. 2900 blocs de quoi? De pierre. De pierre. Ah oui, ça fait beaucoup, là. Oh, bah, c'est bien. On va construire un truc de fou, hein. Ouais. Ah oui, bah là, c'est sûr. Ok, ça fait moins de dégâts. Bon, j'ai réussi à glitch. Donc, c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir vous choper du stuff, hein, faire le plan oh, de base, en fait. Oh, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, même. Pardon, le chat, c'est pas le blanc que je voulais vous montrer. Mais je suis bloqué, en fait. Attendez, je suis bloqué. Je me suis mis dans le sale drap, là, non? Non, mais le... Attends. C'est trop beau, mais ça tournera jamais sur mon PC. Je sais pas ce que c'est la config requise pour le jeu. J'en ai aucune idée, genre, je peux pas trop dire. Normalement, tu l'as sur Steam, dans tous les cas. Sur la page Steam. Sur laquelle vous pouvez aller avec le point d'exclamation. Après, comment... C'est peut-être pas représentatif. Moi, je suis en full ultra. Enfin, genre, j'ai mis tout à fond sur le jeu. Moi, j'ai rien touché, donc franchement, je sais pas. Je sais pas comment il est par défaut, le jeu. Je pense qu'il s'adapte à ton ordi. Ça va être la zone des coffres, ça, le chat. Waouh, comment c'est trop beau en fait. Tu peux faire des trucs de malade. Deux. Bah là t'as je viens de voir, t'as des arches et tout. Non, c'est pas très stylé pour l'instant, mais... Ça va le devenir, chaque chose en son temps, les amis. Ah, sans l'ombre d'un doute, hein. Bien sûr, quand même. Aïe, 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 sa mère. J'ai hâte que vous voyez mon gros caca, vous avez kiffé. Je vais mourir kiffé, je pense. Non. 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 Waouh! Comment je détruis? Ah oui. Pour avoir des blocs gratuits, tu peux mettre un hôtel de flammes dans une construction. Mais attends, mais j'ai spawn ici là? Mais attends, mais je vais récupérer ça? Détruire la zone grâce au hammer de construction et récupérer le bloc. Ouais, mais c'est ce qu'on faisait tout à l'heure en fait pour finir. Éteindre la flamme. Et est-ce que là je peux la ramasser ou pas?
On peut pas la ramasser. Bon, l'avantage c'est qu'on sait que l'endroit par lequel j'étais passé c'était de la merde. J'ai pas besoin d'y retourner. C'est si laid ce que je suis en train de faire. Putain, j'arrive pas du coup. On dirait genre vraiment un bloc Minecraft. Attends, j'ai envie de venir voir, attends. Oh mon dieu, mais quelle horreur, quelle horreur. Il me faut un escalier pour construire, non? Pourquoi tu rigoles? Ta maison est plus la merde. Mon ta mais pourquoi tu l'as fait aussi étroite? C'est la salle des coffres. Non, c'est la salle des coffres. Maison. Ça va être la salle des coffres ici. Elle est passée de maison à Kajibi. Mais lui, il se moque trop. Alors qu'en vrai, ta maison, elle est mignonne. Non, mais c'est la salle des coffres. On va mettre tous les coffres dedans. Après, pour une salle des coffres, j'espère qu'on aura pas beaucoup de coffres. C'est bien. Là, tu montres vraiment. Tu montres vraiment de quoi t'es capable en construction, en tout cas. c'est du lourd. Non, en vrai, je suis chaude en construction, mais il faut que je prenne le jeu en main, tu vois. Ah, putain. Attendez, je vais faire un toit terrasse. Vas-y, je vais faire le tour par ailleurs, mais en attendant. Moi, je suis parti en quête, je pensais que j'allais en avoir pour 12 minutes. Pour finir, je suis bloqué depuis 1h30. Mais même plus, combien de temps ça fait que je suis parti, les gars, en vrai? Oh, bah, au moins 3 ans, hein. Mais sérieux, vraiment, en plus. 10 jours. Le mec, on l'a pas vu depuis un an. Je vous raconterai comment c'était là-bas. Je suis dans le désert et tout, mais en vrai, l'endroit où je suis, il est incroyable par contre. Non, j'ai oublié comment on fait. C'est si laid, sa mère la pute. Elle s'auto-choque. Waouh! Vas-y, j'essaie de faire un grand tour, chat, on verra. Je suis encore. Le pire, c'est que je me rappelle quand j'étais à la maison, j'étais à 4 km de l'endroit où je dois aller. Et je me disais, ça va et tout, je suis à 2 km. J'ai même pas fait la moitié, ça m'a pris un live entier. Oh putain, je repense à la vidéo que tu nous as fait regarder juste avant et je regarde ce que je suis en train de faire là. Ah bah c'est sûr, c'est deux salles, deux ambiances, hein. Ah oh ouais, grave, mon dieu, qu'est-ce que c'est. Je crois que je préférais notre trou. Putain, mais il en manque oui, de. Mais avait... en plus, je crois. Comment il peut m'en manquer alors que j'en ai un. Le trou, il avait du flow, moi. Mais ouais, le trou, il avait un truc, genre. On dirait une ruine. Non, c'était du fluide que j'avais. Non, ça... non, en fait, j'avoue, on taille, mais ça, à Paris, c'est au moins 1200 euros par mois, hein, donc. Facilement, ouais, sans aucun souci, même. Tu sais, le pire, c'est qu'en vrai, je pense que tu peux augmenter et que c'est plus. Oui. C'est ouf, hein. Non. Non, mais putain. Ah, pourquoi j'arrive pas à faire un toit? Je meurs en boucle. Allez, je suis reparti. Ah, il me je m'en fous, les gars, ça m'atteint pas. J'ai déjà plus de blocs? Bah, si, je débloque. En vrai, il y a une vibe facteur cheval. Comment ça, facteur cheval? Hein? J'ai pas. Un facteur cheval? Oui, ils m'ont dit, il y a une. C'est les premiers blocs, ils sont pas très beaux, faudrait vraiment que vous en ayez d'autres qui sont plus jolis. Comment tu débloques des plus gros blocs? Des plus beaux? Je me rappelle plus trop. Mais c'est mignon, c'est beau. C'est notre première construction, comme ça, au fur et à mesure des lives, on fera des trucs encore plus frais. Genre. Et ouais, ouais. Il faudrait qu'on garde chaque construction pour voir les étapes d'évolution. En fait, on fait un musée. Spoiler, il y aura zéro évolution. On doit faire un concours aussi, je crois, au bout d'un moment, non? Non, on n'est pas obligé, c'était en mode. C'est une idée comme ça, tu sais, on fait comme on veut, soit on fait chacun une construction et on voit qui est la plus belle, soit on construit ensemble un truc, enfin peu importe en vrai. Merci, lapin! C'est comme vous voulez. Merci, c'est trop gentil, merci beaucoup pour ton récep et re-bienvenue à toi. Merci beaucoup. Allez, je vais réussir à aller à mon truc, les gars. C'est maintenant là. Pour changer le matériel. Y'a pas un, c'est pas marqué sur le côté, genre t'as pas les touches ou quoi? Non, je crois pas. Ah. Matériaux manquants, fabriquer des blocs de toit. Ah, c'est des blocs de toit qu'il faut faire. Ah, genre, il y a des blocs différents, genre, ok. Ah oui, c'est complet, hein. Ah mais c'est super complet, bah, que tu vois ce qu'il a construit l'autre. Ouais. Ah mais il faut du goudron pour faire un toit. Que ce soit. Facteur cheval, c'est un château. Mais attendez, les gars, j'ai l'impression que vous êtes tous drogués, là.
Facteur cheval, c'est un château. Mais mon chat, il est trop aléatoire, donc je sais pas ce que c'est. Mais moi, je jure, je moi, c'est le père Fouras, moi, mon chat. Ils me disent des trucs, j'ai l'impression d'avoir deux puits, je comprends rien. Non, moi, c'est tous les jours. Genre, je te jure, des fois, la dernière fois, je parlais du fait que ma grand-mère était hospitalisée, je tourne la tête, je vois, il y a RP ce soir. J'avais trop le démon. Ouais. Ça va mieux ou pas, d'ailleurs? Oui, oui. Bon, oui, ça va. Ok, je vois que j'ai mis l'ambiance. Non, ça va. Mais c'est que des trucs comme ça. Genre, des fois, tu vois, on parle de trucs de zinzin. Je tourne la tête, je vois, ouais, ma grosse couille. Mais vraiment, mais je suis en mode bon, d'accord. Bah. D'accord. Super, super la commu, super. Ah oui, je tourne en rond. Je tourne non, en rond à cause de vous, le chat. Je tourne en rond à cause de vous. Vous me dites de faire des trucs et après, vous me dites. Enfin, après, je peux pas y aller. Et vous me dites, bah oui, mais en fait, il faut que ça avant. Mon chat. Le gameplay de l'Inca, c'est juste mourir. Les gars, je ne meurs pas, j'expérimente. Et quelqu'un a pris toutes les fibres, elles sont où? Moi, j'ai plus rien. Si j'ai pris des trucs, mais j'ai plus rien. Ah, je veux bien que tu les ramènes pour que je puisse faire un toit à mon gros caca. Mais je crois que j'ai pas besoin de te les ramener. Je crois que je peux te les donner de là. Qu'on puisse faire un toit à mon gros caca. T'as réutilisé ma structure? Quoi? Tu sais, j'ai fait une belle porte en merde là. Non, je l'ai pas utilisée pour l'instant. Ça me ferait plaisir que tu t'essayes de la rendre un peu plus jolie. Mais moi, il y a quelqu'un qui a pris les sports. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais les trucs, les petites boules là. J'en avais ramené plein. C'est ça, les sports, non? Bah, attends, je sais plus. On a le chat qui mérite, mais je vous mérite. En fait, le problème, parce que je mérite le meilleur et vous, c'est les meilleurs de brume. Parce que j'en ai besoin. Que je vous mérite. Vas-y, je te donne tout pour la fibre. Est-ce que vous pensez que je peux passer en faisant le tour, chat? Urgent. Vas-y. Christy, toi, t'as pas des sports? Je pense que oui. Des sports bleus, c'est ça? Ouais, non, dans les coffres, y en a plus. Ah, tu les as pris? Ouais, bah parce non, que j'en avais ramené de masse, mais je sais pas où ils sont passés. J'en ai pas du tout, du coup, je suis déso. T'inquiète. Ok, là, je sais qu'il y a l'oiseau méchant, là, je vais faire le tour. Eh, ça peut être la cantine, ici, à la place de la salle des coffres. Genre la salle de repos. Ah, mais elle se projette super loin, en fait. La cantine, elle a dit, moi, je vais faire les chiottes de Shrek. Putain, ça aurait été cool comme thème. Shrek. Tu fais la maison de Shrek. Le marais là, et tout. Non mais là tu prêches une putain de convaincue hein, genre vraiment. Ah, j'avoue que ouais, pour Trixie. Oh non, je vais encore mourir mais putain. Mais par contre, il nous faudrait un plan quoi. Elle me dit pas ça deux fois, je détruis tout et je recommence hein. on peut faire à côté juste. J'arriverai jamais à aller à mon truc, genre jamais. Abandonne. Les gars, je peux pas abandonner, c'est pas possible. Mais l'idée de la terrasse a plus de sens là du coup. Je suis parti il y a 12 jours. Y'a pas d'abandonné ? Camp de caravane. Y'a peut-être de la bouffe là-dedans juste. Non, ça me donne rien pas du tout bouffe. Les potes hein. Je me tire. Je le sens pas cet endroit. Ça a l'air bien lugubre. C'est un running gag, ta mort. Mais c'est ouf! Je me rappelais pas qu'on se faisait one shot! Genre la zone où je suis, j'ai pas le droit de prendre une attaque. Ça va, le chat, c'est pas horrible à regarder comment je suis longue de ouf! Elles vont te revoir, ça sera la fin de la sponso! Non, les gars, je vais finir par retourner à la maison! Non, mais déjà, les gars, sachez que vous êtes coincés avec cette sponso pendant deux semaines. Deux semaines de pur régal. De pur bonheur! En vrai, no fake par contre, deux semaines, quatre sessions de build, je pense vraiment qu'à la fin on peut avoir un truc vraiment fat. Mais je sais pas, ça passe vite. Et on part sur le royaume de Shrek du coup ? Parce que là on a déjà la première session qui est passée. Hein. Ah oui, c'est vrai que Focus il était tank. Attends quoi, il est quelle heure là ? Bah il est l'heure quasiment dans 20 minutes genre. Bah ouais. Mais quoi ? Ouais, je te jure, ça passe super vite. Hein. Mais c'est passé méga vite. Bah en vrai, alors, c'est le genre de jeu giga chronophage hein, pour le coup. Après, moi j'ai beaucoup tourné en rond quoi. Ouais, mais c'est sûr, et moi perso, les jeux comme ça aspire mon âme quoi. Ah, mais c'est trop bien. Bon, bah, y'aura un trou dans le toit, c'est pas de ma faute. C'est pas grave. Le rocher, on dirait pas qu'il est con, les gars, vous voyez ou pas, c'est la tête. C'est un nom ça quand tu vois des visages dans des trucs qui n'en sont pas. Quoi? Tu sais, parfois tu vois un nuage et tu dis, oh, on dirait vite et tout. Je suis mort direct. L'appareil. Il est tout timide, le rocher, il est en mode. Ouah, les insectes, ils. Il est goofy, genre. Trop mal. Il est trop laid. Pareil Dolly. Ok, pareil Dolly. Bon allez, une pareil Dolly. Hein.
Vous l'avez ou pas, chat? Ok, ok. Ah, mais j'ai mis le toit à l'envers, là. C'est ça, le problème. J'ai mis une heure à faire ça, cette merde-là. J'ai mis des diarros, c'est... Mais non, toi qui as déjà joué au jeu, tu peux pas nous ramener une étincelle, là? Mais j'en ai, moi, sur moi. 10. Ah non. Elle va te détruire en deux. Non, j'en ai pas. Mais c'est pas dur, Doge. Mais comment ça, c'est pas dur? Mais il y en a partout dans le jeu. Mais tu me mens. Tu peux en ramasser sur... Oh, j'ai perdu tellement de trucs. Attends. Pitié. Ok, ça va. Sur les... Il y a des espèces d'hôtels, là. Et quand voici tu, ma première construction, sur le chat. Ou F, je sais plus. Voici genre, ma première construction. Mais tu les trouves où, tes hôtels? J'ai un peu désimilé sur la map. Peut applaudir cette merveilleuse map. Chapelle de la flamme, chapelle de la flamme. Mais c'est parce que toi, t'as toute la map. T'es parti, je sais pas où. Mais il y en a un peu partout, genre tu peux trouver au pif. C'est pas vrai que les sanctuaires de la flamme ou pas? Notez ouais, notre, notre maison caca. Tu parles à la flamme, d'après moi, t'as le truc. Là, je suis ému de chez ému. C'est pas une science exacte, hein. Mais je pense. Est-ce qu'on peut faire des pots de fleurs? Bah, je pense, t'as vu le merdier. L'autre, il a fait le Japon, elle demande si on peut faire un pot de fleurs, je pense. Mais est-ce qu'il faut le débloquer, c'est ça, ou on a tout direct? Je sais pas du tout, en vrai, je me rappelle pas. J'ai vraiment pas du tout fait. Tous les trucs de construction avec mon pote, mais on a fait vraiment que aventure, farm et tout. Ouais, dans mon chat, on dit que oui. Mais c'est trop bien, mais là, je vais faire des trucs de zing zing. Parce que là, je meurs. Ah, oh, il est où, mon miel? Ah, il est là, mon miel. Les gars, je pense que je suis dans la merde. J'ai l'impression que tu dis ça toutes les sommes. Ouais, mais là, je suis dans la big merde, je crois. Pourquoi? Et en fait, je suis bloqué, c'était ici, je me rappelle. Il y a une zone du jeu où pour y aller, on avait un peu triché et je crois que c'est la zone où je suis là précisément. T'as pris la ficelle de ou pas? La ficelle. C'est les bobines blanches là. Non mais la ficelle, tu peux en faire hein. C'est simple à faire. Ouais. Moi, j'ai fait une taverne, elle est trop belle. Audrey, tu peux envoyer ou pas sur le Discord, je suis curieux. Parce que vu comment tu te la butes au jeu, j'imagine que t'as fait vraiment un banger. Et là, je meurs, là. Non, mais c'est minuscule, en fait, t'as raison, on peut rien faire dans cette mais maison. Mais oui, ça, t'as fait un couloir avec un toit. Ah. Reste avec nous. Mais en fait, j'ai voulu faire de la déco, mais je peux même pas la décorer. Merde, en plus, je l'ai niqué, un tapis. En plus, je l'ai défoncé, putain. Oh là là. Mais c'est non, là, pitié, je vais encore mourir. Oh non. Oh non, je mange de la viande. Mais non, je vais mourir. J'utilise un feu follet, je rigole pas parce que tu vas mourir, hein, je t'assure. C'est quoi une prière de la flamme? Si quelqu'un sait dans le chat, je suis très curieux. La prière de la flamme. Non, prière. Ça va, je suis safe. Il y a le forgeron, il me regarde en mode elle fait quoi cette copie. Il y en a 3 dans la zone, facile, intermédiaire, difficile. Question la 4, tu fais quoi en fait? Le but de ton excursion suicidaire. En gros, j'aimerais aller dans des zones reculées pour choper des matériaux late game. En gros, glitcher un peu parce que j'ai un planeur. Et pour qu'on puisse construire des trucs stylés. Et revenir avec du stuff pour les filles si jamais elles veulent être un peu plus tanky ou j'en sais. Enfin bref. Nous avancer un peu dans le truc pour l'OP. Oh. Mais pour le moment, c'est un flop. Oh putain de merde. T'es encore mort de rire pour ta maison de merde? Non, c'est parce que maintenant, j'ai niqué le sol à côté. Y'a rien qui va, putain. J'en peux plus. T'as fait quoi? T'as fait un clic droit dessus? Non, je sais pas. Ça, parfois, ça pardonne pas. Hein. Quand tu mets des blocs de sauce. Elle va crever étouffée. Ah, c'est si laid. Oh là là, mon dieu. Ça sent. En fait, c'est pour ça que je fais que crever. Quand j'avais joué, mon pote il jouait tank et moi dégâts, j'avais oublié. Sauf que là, j'ai plus personne pour tanker. Je suis tout le temps. Hop. Ça va me faire péter la gueule. Merci, Aka. Vous savez comment on peut aplatir un terrain ou pas? Non. Ah, si, il y a une touche. J'avais oublié, mais je me rappelle maintenant. C'est cuit.
c'était sûr, j'allais mourir. Je sais pas pourquoi j'ai fait confiance. Ok, il résiste à ça. Bon. Qu'est-ce que c'est dur. Je pense que je vais encore mourir, les gars. Oh, la gueule de mon gameplay, ils doivent être contents, les viewers. Bah, et moi donc, je tourne en rond et je fais que de mourir. Moi, je veux rien trouver. Moi, je construis une maison. Mais non, mais parce que je peux pas aller chercher une étincelle. Genre, je meurs direct par les mobs. Mais si, les gars, levez juste la tête. Il y a un message à chercher. Oui, on va en RP ce soir. Vas-y, descends, je vais me battre. Allez hop, dégage. Dégage. Attends, tu parles à qui là? Oh, monstre, il s'est mis devant moi, il a levé les bras, il a fait. Il était tout con le monstre. Comment tu chopes de la ferraille et des clous et tout? En tuant des monstres sur eux. Quelle horreur. J'ai merci. Fait, merci mois, Dave comme, pour ton 9e mois, merci beaucoup. Truc là pour se téléporter. Gros bisous sur le... Mais au secours, au secours. J'abandonne cette maison, mais le problème c'est que j'ai niqué le terrain, je sais pas comment faire là. Au moins tu sauras d'où tu viens pour les prochains lives, tu vois. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Y a un avant et un après. Mais y a pas d'amélioration. Pourquoi, pour les matériaux, tu veux dire? Non, pour tout. Moi je pense que tu m'as trouvé à force. Ouais, peut-être. On espère. Oh waouh. J'ai une arme de mêlée de fou. Mais bon, je peux pas la jouer vu que je tente pas. Je vais me faire péter la gueule si j'utilise un truc de mêlée. Ok, là y'a rien. Chat, est-ce que vous pensez que d'ici je peux planer là-bas? Sérieux les gars, si je loupe là c'est vraiment la fin de... C'est la fin du rêve. Chat, grave, grave. Ah putain. Merde. À chaque fois que toi je pose une question, la réponse c'est faut tuer des monstres. Je te jure. Ouais, bah Doge, bah voilà, va chercher ton arme et montre-le. Mais toi, toi là, tu vas te calmer. Parce que déjà, tu files du stuff à Trixie. Moi, je suis encore avec une culotte et je viens de me faire un casque En plus, elle peut te le prêter le stuff, elle construit une cabane en merde là. Bah oui, viens si tu veux, je te le file. Hein. Moi, c'était juste pour avoir une robe, en soi, je peux vivre nue, je m'en fiche. Hein. Ah ouais, non, mais non, ça m'a. Peu m'importe. Ah ouais, non, c'est bon. Elle chie la porte ouverte, donc moi, elle passe après. Hein. Et oh, les mauvaises rumeurs comme ça déjà, c'est pas fou. Ah bah là, pour le coup, il y a pas de rumeurs. Hein. Je fais pipi la porte ouverte, c'est vachement différent quand même. Ok, ça va. Non, non. Alors tu pourrais faire pipi sous la douche. Et régler bah ouais. Tous les problèmes de la planète. Mais tout le monde fait pipi sous la douche, ceux qui disent non, c'est des mythos. Ah hein. oui, moi, c'est des menteurs. Douche, aucune ouais. Personne qui existe ne fait pas pipi sous la douche. Mais bien sûr, genre vraiment. C'est marrant de dire ça avec autant de conviction. Mais non, mais c'est sûr en vrai. Levez la main ceux qui ne pissent pas sous la douche. Non, mais je pense vraiment. C'est les acteurs qui vont dire. Non, je pense vraiment il y a des gens qui ne le font pas. Mais non, c'est moi, les acteurs. Pas. Qui le chat qui fait pipi sous la douche? Mais tout le monde. Mais bien sûr, c'est obligé. Moi, pour moi, ceux qui disent non, c'est les acteurs. J'en suis sûr, genre. Oui, je suis trop d'accord. En plus, t'es là, t'as le bruit de l'eau, t'es au calme, il fait chaud, t'as envie de rester parfois pendant 10 minutes, bah hop. Petit pipou. Moi. Bah tout mon chat fait pipi sous la douche, hein, je vais pas te mentir. Bah oui, ouais, moi aussi, team pipi. Mais c'est vrai que ça évite de tirer la chasse d'eau. Bah ouais. Vu que de toute façon t'es déjà dans l'eau. Dans l'eau quoi, ouais. Un crochet nécessaire pour ouvrir. Mais attendez, là je crois que je suis en endroit reculé où je vais trouver du stuff de fou là. Ouh. Ah non. Pas, dommage. Pas du tout, c'est un énorme flop. À moins que... Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Pareil, je suis un peu dans le même mood là. Et ça me fait plaisir. Okay. Je connais une meuf qui ne fait pas pipi sous la douche et que ça choque, c'est vraiment la seule personne. Non mais moi je suis persuadée qu'il y a vraiment des gens que ça choque de faire pipi sous la douche. Mais c'est pas possible. Pour moi c'est les acteurs vraiment. Non, moi je pense vraiment ça... Bah en vrai, je pense vraiment ça existe. Eh, c'est plus beau en bois ou en pierre le chat? Bah pierre non. Il n'y a pas énormément de ferraille. Ah, ouais, en vrai, sûrement. Pierre, mais tu fais des beau. Poutres en bois, tu sais, sur les côtés ou quoi? Moi, j'ai 88% de pipi sous la douche. Et 12% d'acteurs. Putain, vous avez. T'as carrément. Oh putain, on aurait dû faire ça, nous aussi. Bâton du sage. Parce que je peux pas croire qu'il y ait des gens qui soient là en mode. Ah non, mais. Enfin, faire pipi sous la douche. Non, mais moi non plus, ça, je te jure, c'est inconcevable. Après, moi, je préfère quand même faire pipi avant la douche, mais.
Mais quoi, mais du coup tu gâches de l'eau doublement? Ouais, mais genre des fois j'ai vraiment envie de faire pipi et je sais que tu sais juste le bruit de la douche, bah du coup justement, ça va me faire mal. T'es au bon endroit. C'est tout le principe. Le bruit non. de la douche, hop. Attends, ça veut dire que tu fais couler ta douche et après tu vas pisser pendant qu'elle coule, non? Non. Ah, j'ai cru que tu dis ça en mode le bruit de la douche te donne envie de pisser, du coup t'allais pisser. Non. Genre, tu sais, des fois, quand t'allumes ta douche, t'as pas directement de l'eau chaude, on est d'accord? Ouais. Sauf que bah moi, vu que j'ai des problèmes, j'ai eu très souvent des problèmes d'infection urinaire, etc. Si je me retiens de pisser pendant que j'ai envie de pisser, ça me fait réellement des douleurs. Mais pisse ton enclos, elle chauffe, tu fais une pierre de cou, tu caches pas d'eau. Mais t'es un malade, genre du coup je pisse dans ma baignoire et c'est crade et tout après, genre. Bah ouais, c'est pas crade, y a l'eau qui coule. Bah non, parce que du coup l'eau elle coule pas au même endroit de là où tu pisses si t'es pas sous l'eau. Bah tu prends ton truc et tu mets le jet dans ta ouais, donc tu gaspilles quand même de l'eau, donc au final... Bah non, c'est le temps qu'elle chauffe. Ah ah, t'as les prix qui croyaient pas. Moi je pense qu'il y a débat, en vrai. Les gars, ça passe, la vie de ma mère, ça passe. Ça passe tous les jours de la semaine, je suis un crack. La stamina. Oh oui, oh oui. Après, si votre pipi il sent le chat, c'est que vous êtes pas en bonne santé. Vous buvez pas assez d'eau. Réel. Oh non, il y a des pipi. Mais le pipi, ça a quand même une odeur de base, non? Bah oui, un petit peu. Bah quoi. Franchement, ils ont fait leur taf, quoi. Quand tu bois beaucoup d'eau, ton pipi, il est genre vraiment translucide de malade et il n'y a pas d'odeur. Enfin, il n'y a pas réellement beaucoup d'odeur, tu vois. Si ton pipi, il a une forte odeur, c'est que t'as un souci, genre. Enfin, c'est que tu bois pas. Oui, mais il y a forte odeur et forte odeur, tu vois. Non mais parce que là ça disait en mode ça pue dans la douche et tout si tu pisses, tu vois. Bah c'est sûr que si ton pipi sent la gambasse tous les jours, pose-toi des problèmes, tu vois. Je peux pas mourir ici, attendez, je parlerai demain moi. Non, pitié. Trixie, t'as pas d'autres ferrailles sur toi? Non, j'ai pas d'autres ferrailles, non. Moi j'aimerais bien me construire... Ah mais attends, j'ai même plus les... Non. Mais il veut pas me lâcher, lui, putain! Vous avez déjà joué à Kebab Simulator? Non. Mais quoi? Je jurais en mode aléatoire. Mais non. J'étais en train de penser au jeu, c'est pour ça. Non, j'ai jamais joué. Non, mais non, putain! Je suis au truc de sauvegarde! Non! C'est bien Kebab Simulator! Et le jeu, il est incroyable, genre vraiment. Je me le marque. Franchement, ouais, trop bien. Mais ça se joue à plusieurs, ça, non? Tu peux jouer seul comme à plusieurs, ça dépend ce que tu préfères, tu vois. Ça dépend si t'as des potes, quoi. Mais genre, ce jeu, quand tu vas y jouer, tu vas voir, tu vas... Moi, je l'ai saigné tellement que j'y jouais tous les soirs, tellement j'ai trouvé ça incroyable. T'as aimé Cooking Mama à l'époque ou pas? J'ai pas joué. J'ai jamais joué, moi. Bah, en gros, ça s'appelle Kebab Simulator, mais tu tiens un restaurant, mais tu dois vraiment faire les recettes pour de vrai, tu dois servir tes clients, et ça peut être ton chat Twitch et tout, tes clients, genre. Ah, c'est trop stylé, ça, les jeux comme ça. Ouais. Bah comme comment ça s'appelle, le Gas Station, c'est pareil. Ouais, lui aussi. Tes viewers, ils viennent consommer et tout. Ouais, exact. Mais en gros, Gas Station, j'ai moins aimé que Kebab. Ok, je me mets Kebab parce que moi, je suis friand des jeux comme ça. Ouais, pareil, j'aime trop les jeux de simu. Putain, je suis mort devant le truc où je dois sauvegarder, genre. Je vais péter mon crâne, j'arrête là pour aujourd'hui. La nuit, elle passe. Vas-y, on n'est pas 10 minutes près, j'arrête là. Je remets le coup vers la prochaine fois. Ah mais non, si j'arrête, ça vous fait arrêter, putain. Bah, ego arrêté, c'est pas grave. Tranquille, on finit la prochaine, au calme. Moi, de toute façon, là, je suis un peu dans le même état que toi, Linka, parce que, genre, mon chat, ils m'ont dit d'aller à des endroits, sauf que, du coup, j'avais pas du tout le stuff pour, donc, du coup, je suis morte avec le peu de stuff que j'avais et que j'ai perdu là-bas. Je t'aide direct, je viens direct t'aider à choper le truc qu'il te fallait. Moi? Bah oui. Non mais je pense que moi demain matin je vais juste jouer un peu en stream sur un serveur juste pour aller chercher ce putain de truc là parce que sinon je vais être frustrée. Et comme ça, quand je reviens, c'est comme si là j'avais pas perdu les 3 heures. T'as raison je pense. Ça me semble être un très bon call. Comment je pose les bougies? Eh mais en vrai toi t'as commencé à construire un vrai truc. Par contre, t'es sûr là des coins en bois alors que c'est de la pierre?
Je sais pas, j'adore. Mais surtout qu'attends, viens voir là, regarde ici, t'as oublié. Attends, j'ai envie de venir voir ton truc, je referai le chemin la prochaine fois. Oui. Attends. Non, en fait, j'ai la maison caca, je l'ai supprimée et là, je tentais un truc plus ambitieux, mais c'est pas si. Non, c'est vraiment franchement, fade. Parce que la maison. Ouais. T'as loupé la vraie maison caca de fou, genre. Attends, oui. Détruis pas la maison caca, je vais venir voir avant de décrire. Elle l'a déjà détruit, elle l'a déjà détruit. Non! Mais là, si. là c'est la 2.0, mais c'est pas ouf en vrai, c'est très fade. En fait, c'est ni drôle ni pas drôle, c'est genre fade. Genre, c'est juste pourri. C'est cubique. Ouais, c'est juste... laquelle? C'est ça, la gros caca devant là. Non, ça, c'est laquelle, il y en a plus. Ah bah, je... ouais, les trucs en bois, c'est éclaté un peu, non? Mais ouais, je sais pas. Mais ça donne de la texture après, tu vois, parce que s'il y a fait tout en pierre. Mais, ouais, mais regarde, on voit que c'est pas fait pour être collé comme ça, du coup. Ouais, y a ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle est à chier, ta maison. Je t'emmerde. Pour la peine, j'en m'en fous. De toute façon, moi, maman, je vais pas... Je rigolais, c'est une dingue. Non, non, mais non, écoutez, je vais faire la maison de Shrek la prochaine fois. Ça, en vrai, je suis chaud de t'aider. Vas-y, venons, on se fait le marais, genre. On peut faire le marais, ouais. Alors voilà pourquoi j'ai hurlé tout à l'heure, c'est exactement pour ce que t'es en train de voir là. En vrai, la cabane de Shrek, c'est une putain d'idée, hein. Ouais, la cabane, on fait les toilettes, on fait et tout. Oui. Tu nous fais quoi, là? Une mare. Je prépare l'endroit mais d'ailleurs, qui va accueillir le marécage. On peut mettre de l'eau? Je sais pas, c'est ce que je suis en train de me demander. Bah je pense, vu que le mec il en avait mis. Peut-être que ça vient plus tard, j'ai pas d'eau moi. Ah peut-être après dans le coffre boosté, peut-être qu'on a de l'eau hein. Je pense pas que c'est un matériau comme ça. Attends mais merde alors. Mais pourquoi il y a le trou d'une météorite ici? Après c'est la... Justement j'étais en train de faire le truc, la sécheresse aussi, du lac, genre, mais y a pas d'eau, on peut pas mettre d'eau. C'est le réchauffement climatique, y'a plus d'eau. Fin du premier stream, regardez l'état. L'état. Il fallait mettre en avant le build. Non mais moi je suis sûr on va construire un truc de fou. Non en vrai on va. En vrai, ouais. Non regarde, on a fait des ruines aussi, c'est pour l'histoire. Ah putain de merde. Allez, vous faites vous comme ça, vous montrez bien ce qu'on peut faire en construction et tout. C'est un vrai petit banger le jeu, ce qu'on peut faire. Oh. Hop les. Sa mère. Non, mais en vrai, c'est oh, bien. Cette construction, elle pue la bite, Maxime, il va être fou allié. Mais en plus, qu'est-ce que tu nous fais, toi? De quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, là? Mais je sais pas, mais tu trouves pas qu'il y a un truc? Non. Ça fait genre vestige romain. Ouais, c'est des vestiges, mais ça fait pas construction, genre. Ouais, mais c'est un peu une. Ouais, bon, c'est vrai. Imagine une Shrouded, on leur donne ça à la fin. On fait oui, on a fait quelque chose d'historique. des ruines. Une vidéo YouTube. Mais, non, mais je jure, l'Inca là, mais va manger, je sais pas, va dormir. T'es en train de tout nous détruire là. On va jamais on pouvoir récupérer. On a changé de place la base. Ah, mais du coup, on change de place, on est d'accord. Ah, bah oui, on a mais dit ça, c'était ta mission. Tout savate, là. C'était ta mission de le faire là. Ouais, mais là, j'ai posé un endroit déjà. Ah, venez, on va le visiter avant d'y aller. Il est où? Non, mais ça sera mais pas non, forcément celui-là, tu sais, on peut en fabriquer un. C'est où? Ah oui, d'accord, il a un peu. Bah, regarde sur la map. Non, va voir sur la map, il y a un truc où tu peux téléporter qu'on avait pas avant. C'est moi qui l'ai posé. C'est quoi? La crypte des cendres? Non, c'est. La tour des anciens? Attends. Tout à droite? Tour. La tour des anciens? Ouais, mais c'est y a ça, rien. Tour des anciens. Non, mais si on se tp là-bas, c'est sûr, on meurt. Ah bah oui, là, oui. Non! Quoi? Tu t'es tp? Je me retourne chez moi en train de te. J'attends, non! J'arrive, je viens de sauver! Non, je reviens, c'est bon! Ah, mais c'est beau! T'as dit non, mais vraiment, c'était comme les modes de Maem là! Les deux mains en l'air, il avait ton perso, il était en train de fusionner avec le monde! Pourquoi là, ça fait un. Oh putain, le timing était exceptionnel, bordel. Ah, j'ai pleuré. Ah, je communique avec la flamme. Communique. Ah, j'ai pleuré de rire. En vrai, on a un peu fait de la merde, mais le jeu, il est pas incroyable. Je suis désolé, mais notre trio, il est chaotique, c'est quoi? Vraiment, y'a rien qui va. En vrai, y'a un peu de la bonne élève et les deux alcooliques. Mais y'a pas les étangs. Mais attends, mais merde, ça m'a TP long, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais où est-ce que je suis, là? Mais attends, mais qui a creusé? Non, mais là, c'est pas moi qui ai creusé là-bas! Non, c'était moi avant. Regarde au-dessus de toi, regarde la gueule de la map! On a enculé le jeu! Mais attends, moi, je suis en train de me TP parmi les trucs, là, je trouve que c'est un bon endroit pour déco, là! Oui, je trouve aussi!
des guêtres de clochard et tout est horrible. Y'a rien. Y'a pas un truc qui va. Putain, je viens de recevoir un texto de Maxime, le cachet il est divisé par 10. Je pleure. Oh putain. Vas-y, mais vous êtes parti où? Vas-y, go déco, go déco. On est dans le trou de... Vas-y, rejoins... Attends, ah ouais, rejoins-nous dans le trou, rejoins-nous dans attends, le trou. Attends, viens. Tous-neuf vient de sauter. Mais on va jamais pouvoir remonter. Mais si, t'inquiète, j'ai trouvé une technique avec des blocs. Oh. Oh, le bruit. Le bruit de ton perso. Excusez-moi, moi j'ai pas une tenue, voilà quoi. Tu veux ma tenue? Passe-moi non, ton truc, bon. Je m'en fous moi. Attends, j'ai non. des trucs à vous filer. Ah non, oh. ah non, mais non, vu que je suis mort. Ah si, j'ai un truc. Donne-le à Deuge. Moi j'ai ça là, j'ai un club. Je t'offre une arme. Ouais, attends, je t'ai donné une pure arme. Il était trop bien le live, ouais, grave. Ouais, c'est quoi ce délire? C'était drôle en vrai. Ouais, grave. Toi aussi, elle est violette ton arme. Ouais, non, mais attends, elle est incroyable, regarde. Non, mais la tienne, elle est trop stylée là, ton arme. J'avoue, je t'ai donné une dinguerie, rends-le moi. Non. Ok, ok, c'est bon. Ça pour cette fois. Bon, vas-y, je me casse les filles, mais c'était un plaisir, je me suis régalé. Ouais, vas-y, ouais. Moi aussi, franchement, c'était trop cool. C'est quand la prochaine fois, lundi? Ouais, c'est lundi, ouais. Ouais, non, rendez-vous mais là je tourne dans le vide, là. Ça marche, et bah, à lundi, du coup, gros bisous. Gros bisous, à ciao, plus. Bisous à votre chat. Ciao, bisous. Ciao. Oh, putain. Ah, je suis mort. Ah, c'était trop drôle. Vous avez kiffé ou pas? Oh, il est quelle heure? Putain, il est 20h. La team, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que je vais revenir dans 30 minutes. Je vais cut pour 30 minutes. Juste histoire de faire un pipi, de remplir ma gourde, de manger. Parce que j'ai pas pu manger encore. Et je vais crever la dalle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je cut et je reviens dans 30 minutes pour le RP. Comme ça, j'ai le temps de me faire ma petite pause, quoi. Putain, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Eh les gars, excusez-moi. Dejna, c'est ma gosse sûre, je rigole trop avec elle, on se voit IRL et tout, mais je connaissais pas du tout l'Inca, il est phénoménal ce type, il est trop drôle. Il est trop drôle, il me fait pleurer de rire. Je le connaissais pas du tout. Il est incroyable. Je pleure souvent de rire en stream, mais là, je suis désolée, mais la synergie tous les trois, elle est incroyable. J'ai trop rigolé. C'est vrai, Xira de fou. C'est vrai de fou. Bon, je vous fais des gros poutou-poutou. Et on se rejoint dans 30 minutes, du coup, la team. À tout à l'heure. Et soyez là, hein. Gros bisous.